Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ah, il y a déjà du monde, c'est cool. Brochette d'Agneau, le premier qui est là. Brochette d'Agneau, tout nouveau Patreon. Merci encore à toi d'avoir rejoint la petite communauté Patreon. Donc, Maxime, salut à toi. Il y a GG Freeze, JP Primus, Arnaud, Evil Sieg. Ah mais ben ça fait plaisir de, de voir pas mal de, de noms de têtes habituels. C'est Nico Robin. Nico Robin qui a commandé son coffre-gone avec mon petit lien Amazon. Donc du coup j'ai gagné 50 centimes. Merci à toi Nico. C'était très gentil. C'était adorable. Ah oui, les cheveux ont poussé, oui, parce qu'à chaque fois, le, le, je les ai attachés maintenant. Ça fait longtemps que je ne les ai pas détachés. Et effectivement, ils ont beaucoup poussé. Maintenant, là, ils arrivent. Ils arrivent, ils ont dépassé ses épaules. C'est du racket, oui. Un peu, oui. Bah, écoute, c'est du petit bonus qu'on gratte à, à côté d aux, aux géants, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais c'est très variable. Hein. Il y a des trucs des fois pour deux fois moins cher. Il y a, on gagne deux fois plus. C'est un peu un peu chelou leur système. Mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, bon, tout le monde profite de son été. C'est cool. Salut Boris. Ah, salut Litmili Donc là aujourd'hui, euh, on va faire une petite, euh, petite soirée euh, habituelle, hein, news, euh, planning, euh, les achats, les lectures, le truc, voilà, vous connaissez, un petit point sur la chaîne peut-être au début. Donc euh, salut Zeno, bienvenue à toi. Zeno, notre Patreon aussi. Donc, euh, donc voilà, on va faire une petite soirée de chill en plus bon, on est en août alors, il fait hyper chaud euh, actuellement donc je pense pas que tout le monde soit automatiquement dehors mais je pense qu'il y aura un peu de monde ce soir donc ça devrait être, être sympa et euh, le, le prochain je le, ne sais plus quand c'est là le, le prochain live, le 17 je crois euh, ça sera bon, on pourra faire une Mangatech parce qu'il n'y a pas d'autre sujet je sais que pas mal de monde attend de la prochaine Mangatech alors ça va, ça devrait le faire voilà, tu es devant le ventilateur, <laughs> je comprends. En plus, moi, cette pièce, elle n'est pas climatisée. Alors, euh, je vais crever de chaud dans pas longtemps. Salut Lolo. Et salut CJ. Bienvenue à toi, Bomber. Bon, mais ben... Bon, ben, c'est cool. Bon, là, je... les lives, euh, je les démarre un peu plus tard parce que j'ai remarqué que les, euh, quand je le faisais un quart d'heure avant, finalement, il n'y avait pas grand monde. Donc, euh, je pense que maintenant, cinq minutes avant, je vais, euh, je vais lancer la... Euh, le, 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 comment dire, le live ça sera toujours à et demi mais pour vous connecter ça sera 5 minutes avant ça sert à rien que je lance euh, trop tôt donc euh, écoute euh, j'ai déjà parlé du premier volume euh, de Karakuri Circus euh, c'était à la fin de mon live sur euh, la Japan Expo avec l'expo Garo et Seiki donc du coup euh, j'ai pu faire mon retour sur le premier volume alors c'était un retour assez rapide hein, mais euh, voilà j'ai pu le lire par contre, je n'ai pas acheté euh, les, les volumes. Il ya trop, c'est une série qui est trop longue. J'ai envie de la lire, mais euh, elle est trop longue. Donc là, pour l'instant, je clairement euh, ça rentre pas dans ma collection. Donc il faut que je fasse un peu de tri. Ça sera l'occasion de faire du tri aussi. Parce que là, il y a pas mal de séries. Même moi, dans ma collection, il faut il faut un petit peu, euh, un petit peu élaguer des fois. Euh, voilà. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour ce soir? On va on va pas tarder là. Ça fait euh, presque cinq minutes. Là on est déjà 17, c'est cool. Donc on va pouvoir tranquillement euh, attaquer par les news. Hein, si ça vous dit. Donc non, il ne prend pas de numérique. Euh, Caracas circus Mais Yann, ils prend pas de numérique et c'est dommage. Parce que je, avec Gannibal, je les aurais achetés. Et euh, du coup, je n'ai pas acheté. Même Baki, je pense que je l'aurais acheté pour euh, tenter. Et en fait, il euh, n'y bah, pas de bras, pas de chocolat. Hein. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir en physique. Il faut faire des choix. Euh, allez, je propose qu'on commence. Alors déjà, euh, petit rappel pour euh, pour ceux qui euh, sont ici. Euh, ça, donc, c'est le lien de tous mes réseaux. Donc il y en a, voilà. Si vous voulez me suivre sur Insta, Twitter, etc. Vous pouvez, sachant que je spam euh, pas beaucoup. Hein, ça reste assez euh, assez léger. Je suis assez discret sur les réseaux. Et, euh, et derrière, euh, bah, niveau news pour la chaîne, ça, ça avance. J'ai pu tourner une vidéo pour septembre. J'aimerais bien tourner euh, la deuxième là. Euh, donc j'aurai normalement deux vidéos pour septembre. Après, euh, j'ai plus rien en stock, mais euh, ça c'est bon. Donc voilà. Euh, donc euh, on avance. Et puis la, la semaine, enfin dans 15 jours, on aura la Mangatech. Donc ça c'est cool. Et, euh, et je crois que j'avais déjà parlé. Il y avait eu le dernier Bunko qui est sorti il n'y a pas longtemps. Le podcast, donc euh, le summer spécial, 2h30 de, de, de relaxation avec nous. Donc euh, n'hésitez pas. Vous voyez, mes 13 petits tomes, Gannibal, c'est 13 petits tomes parmi euh, euh, combien fois 13 déjà chez moi en fait Il y, y a plein de séries, c'est des petites séries, mais au final, euh, à chaque fois, à coup de 10 tomes, 10 tomes, 10 tomes, 10 tomes ça va très vite. Hein. Et euh, au bout un moment, euh, moi, il n'y a plus de place, hein, ça y est, hein, c'est plein. Hein. Donc il va falloir que je, que je fasse un roulement sur certaines séries. C'est là où le numérique m'aidera très certainement. Mais bon, tout le monde n'est pas sur, sur le créneau du numérique. Et c'est un peu dommage. Et les derniers achats que j'aurais pu faire en numérique, euh, par la force des choses, ben, j'ai fini par les faire en papier. Donc ce, ça ne m'aide pas. Mais on verra. De toute façon, on trouvera bien de la place à un moment ou à un autre. Alors, euh, qu'est-ce que j'ai noté comme news Alors là, on était en mois de juillet. Hein, euh, niveau news, c'est un peu plus léger que d'habitude. Puisque ben, vous le savez, il y a surtout la Japan Expo. Donc les, les éditeurs étaient extrêmement occupés avec la Japan Expo. Et puis euh, le mois prochain, en septembre, je pense qu'il n'y aura quasiment pas de news. Donc euh, je verrai, on, on verra ce qu'on fera. Peut-être qu'on fera que des achats lecture selon ce qu'il y a, si, euh, voilà, si vous préférez. Donc voilà. Euh, non, les poissons d'argent s'attaquent pas au numérique, Boris, exactement. Et il euh, n'y a jamais trop d'édition des 3 Adolphes hein. D'accord. Déjà, je vais bientôt avoir une nouvelle édition de Black Jack en 2023. Hein, grâce à Isan. Et Blood Jack, j'ai combien de versions 1, 2, 3, ça sera ma quatrième. Donc déjà, c'est bien. 3 Adolphe, c'est bon. J'en ai déjà 5. Ça sera ma sixième. C'est pas grave. Mais euh, conformément à Manga Tech Tezuka, j'aurai l'occasion de vous montrer tout ça en détail. Hop Alors, dans les news. Si vous avez des news qui vous, vous en marquez, il ne faut pas hésiter à me, le, à me le remonter. Allez, on y va. Manga News. Salut Akira, bienvenue à toi. Allez, de ce que j'ai noté dans les news, on va commencer direct dans le, dans le vif du sujet. C'est euh, le retour de Shen en France avec sa deuxième partie. Et, euh, et donc, du coup, bah, Shen le. Comment dire euh, ben Là, voilà, ceux, qui a, ceux qui aiment la série, profitez-en, parce que là, ils sont actuellement sur Manga Plus. Alors, à ce jour, je ne sais pas si on a encore accès au premier. Euh, je vais regarder sur ma tablette, là. Euh, au premier. Euh, enfin, le premier, le premier chapitre de la deuxième partie. Alors, voyons voir ça. Parce que j'ai lu le dernier chapitre juste avant, là, il y a 5 minutes pour m'occuper euh, en attendant. Alors, je crois que. Ouais, non, je crois que le. Le chapitre 98 a disparu, mais euh, en tout cas, pour ceux qui le suivent, sachez qu'il y a Shen Soman qui, euh, qui a repris, et du coup, je les lis euh, chaque semaine sur, euh, sur Manga Plus. Et euh, bon, ça démarre plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais arriver à suivre le rythme Parce que moi, j'oublie à chaque fois qu'il y a un chapitre, donc euh, de temps en temps, c'est Ah, mais c'est un chapitre, je, je me dépêche d'y aller, et, euh, et à chaque fois, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé avant, mais mon petit cerveau, j'essaie de le faire travailler pour lire. Euh, Hebdomadairement. Mais en tout cas, ne ratez pas chaîne semaine pour ceux qui aiment Moi j'avais beaucoup aimé la première partie. Ce serait dommage de passer à côté de la seconde. Euh, Qu'est-ce que je vais faire le jour où ma manga tech Tezuka sera trop petite Alors elle ne sera jamais trop petite. Okay euh, tout sera contenu dedans. Mais euh, je vais réorganiser mes Tezuka un peu plus tard. Et, euh, et je sais que je vais faire quelques petites modifications. Donc t'inquiète pas, j'aurai toujours de la place pour Tezuka. Euh, donc voilà. Donc, euh, et Akira, euh, bah, ils ont racheté les droits. Hein, Fujimanga, euh, Black Box, on ne les avait plus. Et du coup, euh, ils ont acheté les, les, les Mazinger, tout simplement. Ah, bye cheese, c'est toi, Adrisha. Ok. Eh oui, Max, je dirais je commence par le meilleur, là. de semaine. Tu l'as lu le dernier chapitre ou pas, Max Avec le, le, le démon chauve-souris, là, qui arrive. Salut, Victor. Salut, Stickies. On vient juste de commencer. Hein. Donc là, on était à la première news. Euh, retour de Shinsuman en France avec sa deuxième partie. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Maintenant, il faut laisser euh, se développer cette partie-là. Pour l'instant, le héros principal n'est pas euh, venu. On en parle beaucoup. Mais euh, il n'est pas encore arrivé. Salut Bessenson, ça fait plaisir. Ouais, Max, je lui avais dit, envoie-moi un message à chaque fois qu'un nouveau chapitre sort. C'est mon, mon notificateur. Et il marche pas très bien ce notificateur. Je l'ai reçu une fois. Mais je ne l'ai pas reçu sur les derniers chapitres. Hein. Je suis très déçu, Max. Très, très déçu. Avec euh, tout l'argent que je te donne en amour virtuel, d'accord tu aurais, tu aurais dû me, me prévenir, là. Heureusement, j'ai vérifié. Quoi. Ah, il est en pause deux semaines, c'est cool. Oui, Beshenson, oui. Je, je remplace le Messie. C'est moi le Messie. Donc, euh, voilà. Oui, oui, Akira, j'en ai parlé pendant mon live de, de la Japan Expo, effectivement, ils vont rééditer Blood Jack. Donc j'en ai parlé justement à ce moment-là. Donc voilà. Euh, ah, tu étais déçu pour le chapitre 100 bon, Je pense que là, la numérotation, elle n'est pas importante. Hein. C'est juste la suite hein, directement. Hein. En tout cas, c'est la suite directe hein, de, du premier. Donc ce n'est pas, euh, pas indépendant. Il, faut, il, faut, il vaut mieux connaître la première partie. Alors, ce que j'ai noté en second, une news qui va ravir beaucoup de personnes. Ah, ouais, non, le portefeuille va pas mal hein, pour Blackjack. C'est 450 euros. Hein. Akata qui lance enfin sa collection Héritage. Ça fait longtemps qu'on attendait la news. On savait qu'il euh, y avait des rumeurs comme quoi euh, ils, allaient, ils, ils devaient éditer le clan, de, le clan dépôt, puisqu'ils l'ont appelé comme ça. Donc, euh, et là ça y est, ça a été officialisé, alors le clan de peau, je ne l'ai pas lu mais je l'ai en anglais, enfin j'ai le premier volume en anglais. Il est là, c'est du Moto agio. Hop là, voilà le clan de dépôt, c est, il est énorme le volume, hein, c'est très grand format. Et euh, ça ressemble à ça, donc c'est du agio. alors hop là je suis peut-être un peu bas en termes de... Un instant, je vais régler mon truc. Voilà. Comme ça, ça sera mieux pour vous. Voilà, c'est mieux là. Donc, du coup, voilà, c'est dû à Gyo. Euh, Visuellement, on reconnaît de suite. C'est une histoire de vampire. Ça, ça va arriver en français. Et, euh, et en fait, le volume 2 en anglais a mis euh, X milliards d'années à arriver. Ce qui fait je pense que finalement, je vais plutôt les compléter en français. Et je vais me les lire en français. Donc, je verrai ce que je fais de mon exemplaire anglais euh, un peu plus tard. Et voilà, c'est une sacrée brique. Je pense qu'à terme, je finirai par le revendre. Un truc comme ça. Donc, du coup, il y a, il y a ce clan de peau là. Qui, là Et euh, c'est intéressant d'écouter la, euh, la. Comment s'appelle euh, La vidéo de, de Bruno euh, euh, Bruno Femme qui, euh, qui explique justement euh, qu'ils sont basés sur euh, la dernière édition au Japon, etc. etc. Pour proposer justement le titre en deux volumes et le format, ça va être un format euh, moyen, donc un format euh, comme celui-ci, un livre que vous n'avez pas. Euh, voilà, donc vraiment le format moyen euh, du, du 15 par euh, 15 par euh, je ne sais plus combien là. Non, c'est pas 15, c'est 17 par 21, je crois. Euh, donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et du coup, euh, euh, et en format souple. Donc, ça va vraiment être l'édition, je pense, en 400 pages. Qu'est-ce qu'on a comme ça Je regarde. Ah, peut-être ça, ouais. Voilà. Je pense que ça va ressembler à ça comme édition. Euh, tata -tata euh, genre là, voilà. Fleur de l'ombre, là. Euh, vous voyez, c'est assez épais. Ça, ça fait 480 pages. Il y a une jaquette amovible. Et ça va être ça l'édition. Donc ça sera plutôt bien. Moi j'aime bien ce format-là. Euh, ce format souple, moyen, euh, un peu épais, ça ne me dérange pas du tout. Donc ça sera sûrement ce, ce format-là. En tout cas, ça en sera très proche. Hop là. Je le rangerai après. Donc oui, il y en a pas mal, pas mal d'éditeurs qui ont essayé de lui piquer, euh, lui piquer ça, alors que tout le monde s'en moque. Et il y a certains éditeurs, ils cherchent juste un peu l'opportunité. Donc c'est dommage. Euh, salut Musashi, bienvenue à toi et salut Unicorn, bienvenue à toi. Donc voilà, les Stickies, euh, moi les, les Golden Guys, euh, c'est pas, un, pas une série qui me qui pour l'instant me hype. Donc euh, on, verra, on verra plus tard. Euh, mais pour l'instant, c'est pas mon, mon truc. En tout cas, euh, ils ont annoncé du coup trois titres. Euh, donc le clan dépôt. Ils ont surtout aussi annoncé euh, un nouveau Takao Saito, l'auteur de Golgo 13. Et, euh, et donc, du coup, voilà, Confidence d'une prostituée. Je ne connaissais pas du tout, mais bien sûr, ça, ben, j'achèterai, ça m'intéresse. Euh, donc là-dessus, ne passez pas à côté, ça reste, ça a l'air vraiment bien. Il y, y a des planches ici, là. Donc euh, voilà, ça a l'air plutôt cool. Et euh, la dernière, c'est Eiko euh, Anamura, qui va être édité avec Autant en emporte la brume. Et ça, euh, ça pareil, ça c'est une autrice qui est emblématique. Atom, euh, alors ils sont rangés, mais Atom, mais Atom, euh, je crois, numéro 9, un truc comme ça, avait fait une, euh, une interview d'elle. Donc, euh, et je crois qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas... Euh, voilà, elle est décédée, c'est ça. Elle est décédée il n'y a pas longtemps, il y a deux ans. Et Atom avait fait une interview d'elle. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son interview. Et pareil, ça, c'est une autrice qui n'est jamais arrivée chez nous. Et euh, qui est une des... Euh, et, euh, et qui, a, qui fait partie des, 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 des autrices fondatrices du shoujo. donc c'est vraiment super que, euh, que ça arrive en France. Euh, donc voilà, donc ça c'est euh, plutôt cool. Donc euh, ne passez pas à côté de la collection héritage. Moi, je vous, je vous le conseille très très fortement. Euh, salut Nico. Et euh, oui, Akira. Ouais, le format est plus pratique effectivement. Le, le format cartonné est quand même assez assez. Euh, euh, un peu trop rigide. Bruno Fab d'ailleurs, il n'aime pas trop les cartonnés, et il préfère les souples. Salut Blazis. Salut à toi. Alors euh, voilà, qui va acheter la collection héritage Est-ce que vous allez acheter les trois titres bah, Dites-moi dans les commentaires, parce que perso, je vais acheter les trois. Rien que pour soutenir, je vais acheter, sachant qu'en plus les autres c'est des one shot, donc euh, oui, ou deux volumes. Donc ça va, ce n'est pas des gros investissements. Et ça sera une vingtaine d'euros. Donc c'est franchement, ça ne sera, euh, sera pas très cher en fait. Hein. Alors j'ai pas vu quand c'était annoncé, ils disent automne, début 2023. Ok. Donc d'ici euh, six mois, on devrait avoir tout ça. Quoi. Ouais, donc ça, c'est pas à côté, c'est vraiment cool. Moto Agio, c'est une institution. On n'a pas assez de Moto Agio en France. On a un coffret qui est vraiment génial, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, on a un euh, euh, moto agio, il y avait quoi aussi en France. Euh, je vais regarder. Euh, j'ai oublié. Je crois qu'on n'avait que le coffret en France. Ah oui, on avait le cœur de Thomas, effectivement, que là j'ai euh, derrière. Et euh, on a en anglais, par contre, Leo Kun que j'ai. Et on a euh, euh, Barbara award aussi, qui est très très cool. Donc tout ça, voilà, ça serait bien que ça arrive en France. Euh, Peut-être pas les trois. Mais c'est curieux de voir ce que ça va donner. Oui les trois. Donc. Euh, donc le Saito pour toi, JP Primus. Et Nicolas, qui est motoagio? Donc euh, Moto Agyo, là, donc quoi ouais, je commence à en parler. C'est clairement. Euh, euh, voilà, l'interview, c'est bien le, le tome numéro 9. Donc c'est bien ça. Euh, voilà, Motoagio c'est une des, des fondatrices du, du shoujo euh, tel qu'on connaît. C'est euh, Eki. Euh, euh, qui a énormément œuvré dans des œuvres SF, euh, voilà, c'est vraiment, euh, elle a mis vraiment des, des lettres de noblesse au shojo euh, hors que de, des, des clichés qu'on a de la, de la romance. C'est euh, une des premières qui a fait euh, bah, du, du boys love avec le cœur d'Otoma, euh, qui a, qu a, qu a su euh, démocratiser ce genre. Enfin, voilà, il faut lire du Moto agio et c'est vraiment génial à lire. Le coffret, par exemple, pour en parler un peu plus en détail, il est où Il est là-haut. Et le cœur de Thomas, il est où Il est là à côté. On va vous montrer tout ça, on va en profiter pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le coffret, c'est ça. Alors, c'est un coffret qui... Euh, c'est pas très bien vendu, mais je crois qu'il est en rupture, à force. Et il faut dire que bah, visuellement, il n'est pas non plus hyper attirant. On en parlait dans un podcast euh, euh, sur Bunko. Et donc c'est deux livres. Et voilà le style graphique. Donc il est, il est assez ancien, bien sûr. Euh, mais chaque fois, ce sont des histoires qui sont, euh, qui sont vraiment euh, géniales. Euh, beaucoup euh, tournées sur euh, euh, la psychologie des personnages, euh, les situations. Euh, comment dire euh, Tous les personnages ont vraiment leur propre caractère. C'était travaillé en fait, leur interaction, les dialogues. Euh, voilà, je vous sors les trucs un peu génériques là, mais. Euh, ça vaut vraiment le coup de découvrir Moto agio Et surtout, voilà, elle fait elle, elle casse justement elle-même l'image qu'on a du shojo d'aujourd'hui et montrer que non non, le shojo c'est c'est comment dire, ça aborde toutes les thématiques et même très souvent de façon bien plus grave que les, les mangas pour mecs en fait. Et donc ça c'est vraiment c'est vraiment excellent quoi. Donc il y a ce coffret et il y avait aussi donc le cœur de Thomas en français. Parce qu'après il n'y a, a pas grand chose qui est sorti de moto Agio, hélas, fortement hélas. C'est le ciel. Attendez, je vais baisser un peu du coup. Hop Voilà. Vous verrez mieux. Voilà, cœur de Thomas ou euh, dans un pensionnat, on va suivre les aventures de Thomas qui... Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a un qui s'est suicidé, il le remplace, il se ressemble C'est assez compliqué et surtout, voilà, c'est des relations entre deux, deux garçons très très tournés sur le, enfin, comment dire, sur les sentiments, les monologues intérieurs. C'est très touchant, très dramatique, mais c'est vraiment génial à lire. Quoi. Ça, ça surprend à la lecture. Donc, ne passez pas à côté de Moto Agio, Barbara Other world Je l'ai prêté, donc du coup, je ne l'ai pas. Euh, enfin, je n'ai pas là. Ouais, c'est ça. Je l'ai prêté et et après les derniers que j'ai d'elle. Hein. Les derniers que j'ai d'elle, c'est lui. Que je n'ai pas lu. Et c'est euh... ah oui, c'est celui-là là-bas. C'est le lille léo avec un truc de chat. Ça a l'air ça a l'air comique. Hein. Je pense que c'est une lecture divertissante, hein. il ne faut pas chercher plus ici. Voilà, lui il faut que je le lise. Et le dernier, bon le clan de peau, je vous l'ai montré vite fait. Et le dernier, c'est une anthologie anglaise. Où des... Il y a déjà des histoires dans l'anthologie française. Mais c'est celui-ci. Drunken Dream. Et pareil, c'est une compilation d'histoires courtes. J'aime beaucoup ces histoires courtes, elles sont vraiment très bien. Donc voilà, pareil, il faut que je l'ai pas encore lu celui-là non plus hop là voilà j'ai ré-rangé la suite après hop alors euh, donc le coffret est top ouais non le coffret est vraiment bien hein. et j'avais fait une j'ai fait une critique je crois à l'époque sur sens critique de, du coffret, attends, sens critique c'est là où je postais un peu par défaut parce qu'à une époque je postais sur manga mag c'est un site qui n'existe plus aujourd'hui et, euh, et donc du coup pour ne pas perdre hein, moto agio pour ne pas perdre justement euh, toutes mes critiques où je m'étais embêté à, à tout faire hein, euh, mais voilà Vous voyez, euh, de façon très euh, très partielle j'ai mis 10 voilà comme ça c'était c'était mieux et En fait, j'ai fait une, une critique, une longue critique dessus. Voilà, moi j'ai me dit j'avais kiffé de toute façon. Les notes, à chaque fois, j'aime bien me, me moquer des notes parce que ça ne sert à rien de mettre des notes. Et vu qu'on est obligé, ouais. est pour ceux qui veulent la lire, je vous l'ai mis dans le chat. Euh, donc, oui, les, les, les livres maintenant ils sont un peu chers. Hein. J'avoue que c'est compliqué de, de les avoir. Quoi. Euh, donc, voilà, mais oui, il y en a qui lisent l'italien, mais euh, hélas. Euh, ce n'est pas mon cas. Alors, la news suivante, ça va aller vite. Ça va aller assez vite. C'est juste pour info. Je trouvais ça intéressant, c'est qu'il y avait encore un éditeur qui se lançait dans le webtoon. Euh, mais le webtoon, euh, papier, si j'ai bien compris. C'est la maison mère de Kurokawa, il précise. Et <laughs> voilà. Et donc, du coup, ils publieront en papier euh, deux mangas. Donc c'est assez drôle ce côté, euh, ils se disent euh, ben, éditeur de webtoon, mais euh, en papier. Alors que le webtoon en théorie c'est numérique. Donc du coup, de placer euh, le webtoon euh, en papier, c'est plutôt provient d'un webtoon à la limite. Donc c'est assez drôle de dire du coup c'est un éditeur webtoon. Donc voilà, donc euh, encore un, il y en a plein. Il y en a plein, mais bon, je voulais le mentionner. Cotun. Et là aujourd'hui. Euh, on est envahi vraiment par les webtoons, donc euh, j'en lis quelques-uns, mais euh, on n'a pas le temps de tout lire, bien sûr. Donc c'est assez assez surprenant qu'il y ait ce virage euh, à mort, quoi. Euh, voilà, j'ai pas plus à dire. Hein. C'était vraiment une petite news comme ça. Je trouve ça intéressant de voir la, la prolifération des webtoons euh, en permanence. Euh, voilà, moi perso, je préfère les lire sur le téléphone. Ça me suffit amplement. Euh, alors. Il y avait une news sur Gléna, alors l'ensemble m'intéressait pas trop, mais c'était surtout celle-là. Ça, je sais que ça va intéresser pas mal de monde, euh, puisque Nyei, qui avait été réédité il y a pas longtemps, euh, Blam a été réédité en très grand format. Ils vont faire la même chose avec les Noise, Abara et Biomega. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Nyei, c'est l'occasion d'aller un peu plus loin. Donc, déjà, qui a lu Blam euh, Qui connaît Nyei euh, donc voilà. <laughs> Dites-moi dans les commentaires. Alors, Abara, Méga, Moïse. Je vais vous montrer un petit peu. Je prends tout, Zeno il prend tout. Mais Zeno à chaque fois, il prend s'il n'a pas six piles de manga d'achat nouveauté, il ne se sent pas bien après. <laughs> en fait, si ça déborde pas de la photo sur, euh, sur Twitter, c'est qu'il y a un problème. Alors, euh, oui voyez, ouais, Zone pour le, pour le webtoon, effectivement, je pense qu'il cherche un peu la nouvelle perle euh, qui pourrait cartonner, effectivement. Max qui veut, ses, euh, qui veut ses niais en grand format. Voilà, brochette d'agneau, le dernier format est folle. Niaisouz, tout <laughs> donc, euh, niais. Donc, ok. Je vais parler de, 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 de NIT. Je vais en parler, je l'ai lu. Salut Mathilde. Bienvenue à toi. Euh, alors, pour Noise. Alors, déjà, peut-être on va commencer par, le, par la base. Ceux qui ne connaissent pas, il y a, y, a, y a Blam. Il y a Blam. Et donc, du coup, Blam. Voilà, on va avoir euh, Kili. Qui va être. Alors moi, c'est vraiment les vieilles éditions. Euh, Kili euh, qui euh, cherche. Euh, je ne sais plus un terminal génétique ou un truc comme ça qui marche dans une méga structure en hauteur. On est totalement euh, balancé là-dedans, paumé, euh, et, euh, et il est poursuivi par des sauvegardes, sorte de, de monstres là. Et on va suivre un peu les aventures de, de, de Kili. C'est très cryptique. Il hein n'y euh, a pas toutes les clés de compréhension. Euh, C'est très particulier, mais ça, ça nous amène dans un voyage euh, assez... Euh, voilà, euh, comment dire, assez unique. Euh, donc, euh, donc voilà, moi à l'époque, euh, j'étais resté en mode, je sais pas si j'ai tout compris, mais au final, je me suis rendu compte que tout le monde était un peu pareil. Et donc, il y a eu une préquelle. Euh, la préquelle, c'est Noise. Et donc ça, bah, ça à lire après, bien sûr, parce que sinon, euh, bah, sinon, vous allez vous gâcher la surprise. Et au début, effectivement, euh, ça commence comme un truc un peu policier de mémoire. Et ça explique comment cette méga structure s'est construite. Tout simplement. Euh, donc voilà, ça c'est plus à réserver à ceux qui ont lu euh, Blam. Si vous le lisez de manière indépendante, je pense que vous allez être un peu, euh, peu déçu parce que vous allez risquer de ne pas tout comprendre. Euh, après, il sort Abara. Abara c'est en deux volumes, donc là ça sortira un volume. Il faut savoir que Abara, c'est, euh, je pense, un... il y a eu un trip de sa part. Euh, il avait envie de se faire plaisir. C'est une histoire, euh, moi de mémoire quand je l'ai lu, c'est une histoire où c'était un trip clairement. Et donc Abara, euh, c'est pas fou en termes de, de, de lecture, mais en termes d'idées et le mec il se lâche en termes de design, en termes de tout ça, euh, c'est ça c'est plutôt euh, plutôt cool. Voilà pour le voir au niveau des des monstres, euh, etc. L'histoire je me rappelle même pas, hein, je sais même plus de quoi ça parle. Mais je, à la fin je suis sorti, j'ai fait, j'ai rien compris. <laughs> on a rien compris. Voilà, vous voyez, les montres, ils sont, ils sont quand même très classe Et j'avoue que un grand format comme ça, ça peut, euh, ça peut être très très beau. Voilà, on, voit que ça, on sent que c'est un truc expérimental et c'est un truc qui s'est fait plaisir. Clairement. Et après, euh, on a euh, dans les rééditions, parce que là je vous parle juste de ce qui va être réédité, on a Biomega qui est en 6 volumes. Bon, là j'ai pris le 1 et le 5 pour vous montrer. Et Bioméga, de mémoire, il, a en... il faut le voir en deux parties. Il y a une première partie où on découvre un peu l'univers. Euh, toujours, On retrouve toujours ces mêmes décors. Euh, très vertical. Voilà, tout est en verticalité. Euh, donc voilà, ça c'est plutôt... Euh... Moi j'avais bien aimé. Salut Matojora. Voilà, moi j'avais bien aimé euh, Bioméga. Et à la fin, bon, ça s'accélère parce que je pense qu'il n'y a pas eu de succès euh, escompté. Mais j'adore le trip. Euh, Qu'il y a dans, dans la deuxième partie. Franchement, la deuxième partie, elle est, elle est franchement, elle est excellente. Quoi. Euh, moi, j'ai kiffé le truc et c'est même dommage en fait que ce soit les si vite parce que j'aurais aimé. Euh... Enfin, je vais peut-être un peu vite, désolé quand je tourne les pages. Euh, parce que j'aurais aimé euh, vraiment qu'ils développent un peu plus et qu'ils prennent le temps de, de raconter tout ça. Donc euh, ça, c'est euh, c'est très cool ce trip là. Il est très cool. Donc Biomega. Bon bon délire franchement euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, ai beaucoup aimé le, 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 le bio -Mega et je pense qu'un grand format ça devrait bien déchirer. Donc voilà, donc ça vous donne un peu une idée de qu'est-ce que c'est. Et si vous ne connaissez pas, euh, peut-être commencer par Blâme, tout simplement. Je pense que voilà, ça reste euh, sa, sa meilleure carte de visite euh, pour, pour découvrir euh, l'auteur euh, dans ses dernières œuvres, parce qu'il n'a pas fait que ça. Dans ses dernières œuvres, comme euh, euh, Connard de Sidonia ou euh, le dernier Aposim, c'est déjà plus accessible hein, en termes d'univers. L'histoire est quand même déjà plus, plus construite, on va dire. Euh, et euh, j'ai vu que ça parlait, alors, je ne sais pas si je peux le sortir, de Est-ce que je l'ai là Ouais, alors attendez, je vais le sortir. Tadam! c'est une œuvre. C'est qui qui a fait ça C'est Marvel France. Ah c'est pas Nini voilà ouais, ça. C'est bien pas Nini qui a sorti ça. Alors je regarde un petit peu vos, vos commentaires. Donc effectivement, Snit, on va en parler. Donc toi, tu avais pas aimé le truc avec Wolverine. Je vais en parler juste après. Alors Est-ce qu'il y a le Nie verse Je pense qu'il est en train de créer le Nie verse À la base, il y pensait pas, mais aujourd'hui, je pense qu'il est en train de le faire. Et il fait un peu des raccords en bout de ficelle, mais ça devrait fonctionner. Mieux que dans l'univers de Jimoto, hein. ça c'est sûr. Donc euh, Noise, c'est pas la suite. Hein. Noise, c'est avant. <laughs> c'est l'après-quel. Hein. Ça a été dessiné après, mais c'est l'après-quel. Ça explique comment l'univers a été créé. Euh, et c'est pareil, il y a aussi Blam euh, Gakuen qui, euh, qui explique aussi des, des trucs de l'univers. Euh, donc, Soji, ouais, c'est normal. Hein. Blême, euh, moi, ça fait longtemps que je les ai lus, je ne me rappelle plus de tout. Hein. Donc, il y en a qui n'ont pas lu. Ça sera l'occasion de découvrir, justement. Euh, voilà, c'est ça. Blême, personne n'a compris, mais tout le monde adore. Je ne sais pas si l'auteur lui-même a compris, en fait. Alors, euh, ça, donc là, c'est au format BD. Ça, c'est un comics. Un comics qui a été réalisé euh, directement par lui, parce qu'il aime les comics, bien sûr. Et salut Manon. Et en fait, euh, voilà, il a. Vous voyez là, il, il, il avait dessiné. Et moi, je, personnellement, j'avais bien aimé à l'époque. Hein, j'avais bien aimé euh, cette sorte de crossover qu'il euh, qu a fait. Visuellement, j'avais beaucoup aimé le, le, le style graphique. Vous voyez les monstres sont très cool. Et il a fait un bordel de, de multi-univers, euh, etc. Histoire de, 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 de. Comment dire De, de faire. De, de, faire de, de rendre crédible tout ça. Et je trouvais qu'il s'en était pas mal sorti. Euh, après, je ne suis pas un lecteur de comics, donc euh, je peux pas... Euh, je ne suis peut-être pas le meilleur pour juger, mais honnêtement, euh, honnêtement, moi j'ai bien, ai bien aimé. Je trouvais qu'il avait plutôt bien réussi l'exercice. Alors de là de dire que c'est un, un chef-d'œuvre, je dirais pas, euh, je ne dirais pas ça. Mais euh, même à la fin, euh, voilà, j'avais trouvé qu'il s'en était plutôt bien sorti pour celui-là. Voilà, moi j'ai une édition euh, un hardcover, je ne sais pas si elle a d'autres éditions. Hein. J'avouerai j'ai pas trop euh, fait la, la chasse aux éditions. Et euh, je ne sais pas si j'avais pas fait une une, une critique à l'époque, je vais regarder. Ah aussi, j'en ai fait une. J'en ai fait une. Je ne me rappelle plus. Elle est là. Attends, là je me suis trompé. Hop là. Lire la critique, voilà. Mais si j'en ai fait une, et moi j'ai mis 7. Enfin, je vous la partage, je ne sais même plus ce que j'ai écrit. Hein. Ça remonte à loin là. Hein. Euh, Parce qu'en fait, elle ne date pas de décembre 2020. Hein. Je l'ai postée en décembre 2020, mais je ne l'ai même pas relu. Hein. Voilà, si vous vous ennuyez, vous pourrez le lire. En tout cas, c'était mon retour euh, de l'époque de lecture à chaud. Enfin, à chaud. Euh, où j'ai pris le temps d'écrire tout ça, mais euh, de, en tout cas, voilà, en découvrant, en découvrant l'œuvre, sachant que j'avais lu euh, j'ai lu très peu de comics. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite En tout cas, NY, vous pouvez y aller, c'est euh, graphiquement, euh, c'est un trip, ça vaut le coup. Euh, après, voilà, on peut ne pas accrocher du tout à l'univers et rester hermétique, ça je le comprends tout à fait. Mais, euh, mais en tout cas, ça serait dommage de passer à côté. Surtout pour, pour l'expérience le, le, qu'ils proposent. Je vais juste les ranger au fur et à mesure parce qu'après c'est compliqué. Je vais les poser par terre. Et je rangerai après. Sinon je vais passer deux heures à faire ça. Parce que le soir chaque fois, j'ai les livres et ils sont tous sortis. Et je passe une demi-heure à tout ranger à chaque fois. Alors, news suivante Bon est-ce qu'il y en a qui du coup sont tentés par euh... Pardon, sont tentés par euh... Euh, justement par découvrir un EA, ceux qui ne l'ont pas lu. Je sais que les fans ils vont tout racheter en grand format, donc ça c'est bon. Je ne m'inquiète pas là-dessus. Alors alors. En attendant, je propose de passer à la news suivante qui est celle-ci, Vega Dupuis, qui nous présente ses nouveautés euh, de, des un an. Puisque Vega Dupuis a un an, il y a un an, il y a eu des communiqués euh, très ambitieux et, euh, en termes de, de, de production et on va dire que pour le moment, euh, on attend. On attend de voir ce, ce qu'il y a. Euh, alors, d'accord, Nico, toi, tu, pourquoi pas Rochette d'Agneau, je ne sais pas si. Ah, tu n'as tu que. Ah, d'accord, tu as déjà Blame. Ok. Et Nicolas, tu es en train de lire Blame. Ben, C'est parfait. Ben, tu vois de quoi je parle. Alors, dans les nouveautés, Vega Dupuis, est-ce qu'il y en a qui vous ont hypé Parce que personnellement, il n'y en a que... Y a que trois nouveautés qui m'ont intrigué. Trois licences qu'ils ont annoncées, le reste ne m'a pas attiré. Euh, les trois licences, parce que je ne vais pas passer en détail les trucs. Alors. Il y a cette série, quand même, malgré tout, qui euh, euh, creepy Cat. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, je n'ai aucune idée, il n'y a même pas une image, c'est assez décevant parce qu'ils font des annonces, il n'y a même pas une planche, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Euh, et euh, on va dire, j'ai envie de feuilleter. Voilà, je ne dis pas que j'ai envie d'acheter, mais le design, en fait, m'intrigue assez pour pouvoir euh, feuilleter. Donc voilà. Euh, donc Boris a failli acheter une, une intégrale de Stratège. C'était peut-être la dernière fois quand je te les ai présentés. Hein, donc du coup, euh, mais j'avais prévenu hein, pour Stratège. On va y revenir. Donc c'est ouf, les gars du puits qu'on a car qu on n'attendait rien, on est quand même déçus. <laughs> voilà. Alors du coup, ouais, il y avait cette série euh, comédie horrifique. Je me dis à feuilleter, pourquoi pas Il faut peut-être lui donner sa chance. Euh, mais pour l'instant, j'attends d'être euh, plus convaincu. Ça non, ça non. Alors, il y a stratège et stratège, ça arrive dans une nouvelle édition. Je rappelle que euh, j'ai parlé de stratège la dernière fois. Alors, je sais pas si c'est ce live-là ou le précédent. Vous l'avez euh, toute faite. Je vais vous dire. Attendez. Euh, ah si c'est là. Voilà. Voilà. Stratège, j'en ai parlé en mai. Donc euh, j'essaie de noter justement. Donc stratège, j'en ai parlé dans mon live de mai, allez voir, je vous présente stratège en détail et je vous avais dit à ce moment-là que Vega Dupuis allait, euh, allait le ressortir. Donc euh, du coup, euh, bah, du coup, voilà, je, ne, voilà, vous pouvez aller voir ma vidéo, euh, ça vous donnera envie ou non. Comme je dis, il y a une partie qui est vraiment super, c'est le début. Euh, après, ça part un peu, moins, euh, un peu moins réaliste, mais ça reste quand même très intéressant à lire. Euh, ça non... Voilà, ce one shot il m'intéressait bien parce que bah, visuellement en tout cas il est intriguant. Avec cette pièce dans l'eau là avec euh, cette méduse euh, derrière. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais euh, en tout cas, euh, ce titre-là me donne envie. Je le trouve très... Euh, euh, la couverture très jolie. Et comme c'est un one shot, je ne vais pas prendre de risque, je vais le prendre. Euh, je prendrai pas beaucoup de risques, je veux dire. Donc euh, lui, euh, il a l'air cool. Et comme celui-ci aussi... Le design est très beau aussi. Euh, et pareil, ça, ça donne envie. Donc ça, je vais l'acheter aussi. Ah, tu n'avais pas vu la réédition, Thomas. Mais voilà. Mais du coup, tu pourras tu pourras y aller. Donc toi, Max, il y a aussi Holly on va en parler justement. Euh, donc voilà, il donc y a, y a Stratège, c'est de One Shot. C'était les trois licences qui m'ont marqué. Euh, et euh, je rajouterai donc du coup ce truc de chat. Euh, qui avoir. Honnêtement j'apprends je, je, rien de ça mais je me dis pourquoi pas on peut lui on peut laisser sa chance quand je vois ça ça, ça me donne même pas envie euh, et à la fin effectivement il y a ce fameux non ça non ça non plus euh... et à la fin voilà il y a le fameux Holy Land. moi personnellement hollyland je ne le je ne le je connaissais pas euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de comment dire de hype dessus mais je sais même pas de quoi ça parle. Et puis, vous voyez le, vous voyez le, le, le truc, quoi. Voilà, il va proposer euh, une série, hein, déjà 18 volumes, c'est mort pour moi. Euh, 18 volumes euh, Holy Land, Et cette dernière a été faite en 2001. Merci, bisous. On sait même pas de quoi ça parle. Il n'y a rien. Enfin, en termes de communiqué, c'est un peu pourri. Et si tu vas sur la fiche, il n'y a même pas un résumé, il n'y a rien. Quoi. Donc, euh, voilà. En termes de com, euh, incroyable. Incroyable. Donc, euh, voilà. Donc du coup, toi Justine, ah oui, toi, t'es bien hypé partout, quoi. Il y a que deux titres finalement. Salut Mathieu. Bienvenue. Donc voilà, donc euh, moi j'ai fait mon choix. Bon ça, la couverture est très jolie, mais c'est pareil. Euh, c'est un truc de science-fiction, c'est un de tomes. Euh, moi j'ai envie de voir des planches, en fait. De voir des planches, est-ce que c'est un style graphique cool, euh, euh, qui change un petit peu de l'ordinaire, euh, à voir. Il y a, il y a les choses. Euh, ils, ont ils ont oublié le budget marketing, je pense. Hein, parce que là, franchement... Euh, c'est décevant quoi. C'est vraiment décevant. Ah celle-là, c'est euh, la série. Euh, c'est la même autrice que Stravaganza. Ok. Ah, pourquoi pas Pourquoi pas Oui, Red Rat se termine cette année, effectivement. Ouais. J'attends le dixième pour pouvoir le lire. En, en tout cas, voilà. Y a, même si toi, Buchenson, t'as été déçu. Euh, tu le dis, tu moitié dis à la rigolade. Effectivement, il y a la moitié des titres qui sont à jeu, enfin, Qui moi ne m'intéresse pas. Genre ce truc-là là, ça ne m'intéresse pas, ça non plus. Celui-là on en a parlé, celui-là non plus, on dit je sais pas, on dit une sorte de lupin un peu bizarre, euh, celui-là non plus, euh, ça non plus, euh, ça pourquoi pas, la limite les derniers, ça alors non plus ça me ça me donne euh, pas du tout envie, donc mais euh, bon c'est pas pire que certains annonces de licence où des fois euh, je, vois, je vois la liste et je, je rigole quoi. Euh, D'accord, la licence était complète, ok pendant la, pendant la conférence était complète. Oui, ben là, euh, en tout cas, euh, là, alors c'est peut-être peut eux qui ont fait la news, hein, euh, c'est peut-être pas Vega Dupuis qui a, qui a communiqué officiellement, c'est plutôt Manga News peut-être qui a fait ce récap, mais là, euh, ben le travail, il manque un petit peu. Quoi. Ok, ben je regarde, j'essaierai de retomber sur la, la, la conférence euh, pour voir des planches un petit peu. Bon, dans tous les cas, ils recommuniqueront dessus, donc je m'inquiète pas, mais il y a quelques titres qui, à défaut d'être euh, géniaux, euh, Peuvent être sympathiques à lire. Alors. Euh, mais bon, là, ils sont allés, quoi. Ils ont dit, allez, ça y est, on va vraiment lancer les, les trucs. Et j'ai l'impression qu'ils se sont servis. Ils se sont servis euh, euh, se servi un peu de la Japan Expo, tu sais, un peu mode E3, tu sais. Ouais, là, on va faire des grosses annonces au gros salon. Euh, mais euh, voilà, mais tu vois, Nico, tu n'as même pas vu l'annonce, toi, du coup. Ça n'a pas été très bien relayé euh, par les médias. Ils ont fait une annonce sur place. Euh, si on ne suit pas l'éditeur, j'ai l'impression que personne n'était vraiment au courant. Quoi. Et bien voilà, il y, a, y a, je suis là pour ça. Je vous montre sur euh, les éléments que vous aurez pu passer à côté. Et bien voilà, c'est parfait. Vous savez euh, ce qu'il y a. Euh, donc voilà. Moi, bah, il moi qui suis. Je suis méga hypé sur les, les annonces. Autant la collection Héritage, je suis euh, hyper content. Autant là, ce sera plus des lectures. Euh, par opportunité, par exemple, quand Mangetsu avait sorti Panda Detective Agency et euh, tout au bout du quartier, bah, typiquement, c'était une lecture euh, exactement comme ces deux one shots. C'était des très bonnes surprises. J'avais beaucoup aimé. Et aussi bien ces deux one shots, ça sera pareil. Ça sera euh, très nul comme vraiment euh, une très bonne surprise. Donc voilà. Busenzo, au-delà de ces annonces, le décalage entre vous allez voir ce que vous allez voir. Après leur rachat, les mangas sortis. Bon, on a vu. Oui, non, non effectivement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup de communication marketing, mais peut-être un petit peu trop tôt. Voilà, il fallait être un petit peu plus euh, nuancé dans ses propos. Euh, allez, news suivante. Juste pour dire que euh, la princesse du château sans fin de Kago a remporté un prix. Le prix euh, de la CBD 2022. Où est-ce qu'il est, mon princesse? Il est là. Euh... Attendez, j'ai une version plus petite. Enfin, j'ai deux versions, en fait. Bah, je ne trouve pas. Alors, il est où? Bon, mais tant pis, il a disparu. Il a dû se faire la mal. Ouais, il a dû se faire la c'est pas grave. Je vais sortir l'autre volume. Je sais pas trop où il est passé, donc on va sortir le grand volume. J'ai dû le prêter. Allez. Alors, j'ai la version anglaise, j'ai pas acheté le. Salut, Mabo Ah, ça fait un moment que t'étais pas vu, Mabo Fait plaisir Allez, c'était ça. Alors, j'ai pas la version française. Euh, et donc du coup ouais, je l'ai en deux fois lui, alors là c'est de l'erogoro hein, donc euh, et alors, désolé le livre est très grand, je ne vais pas remonter ma caméra je vais vous bouger un petit peu et sur, sur le principe ce, ce manga là il est cool dans le sens où euh, c'est une c'est une tour en fait et il y a des, des dimensions parallèles qui se créent à chaque fois qu'il y a un événement et on va suivre on le voit ici, le livre est hyper rigide on va suivre en fait les deux tours en même temps hop là avec euh, ce qui se passe de chaque côté. Alors, par contre, c'est un peu gore, hein, vous connaissez. Ah, ça fait plaisir, je sais, qu je sais que vous êtes en vacances. Là. Et vous, je sais que Mabo vous joue au majongle, là, je les vois les scores hein, passer. Hein. Et, euh, et je ne suis pas invité. Hein. Donc, euh, il va falloir rectifier ça quand vous revenez de, de la Charente. Hein, parce que là, euh, c'est quatre qui gagnent. Euh, il va falloir que je, me, je, je joue au majongle avec vous, là. Alors, voilà, là, on le voit mieux. Et on le voit ce qui se passe. Alors, sur le principe, c'est vachement bien. Euh, par contre... Non, non, mais je montre pas plus. Pour les rogoros, c'est bon. Euh, par contre, euh, bon, gagner un prix, euh, quand même pas. Hein, parce que je l'ai lu. C'est pas foufou, en fait. Hein, celui-là. En plus, je l'ai deux fois. j'ai l'ai acheté celui-là. Vaut... Je, je crois que je l'ai payé au moins 40 balles celui-là. Et euh, c'est un méga format. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Et, euh, et du coup, j'ai acheté la... une version plus petite et, euh, et qui, qui je sais pas où mais euh, mais je l'ai en deux fois et en anglais deux fois et en fait ce, ce manga de Kago je trouve que de manière générale il est pas il est pas incroyable en fait c'est il est passé à côté d'un truc c'est à dire qu'il aurait pu vraiment être excellent et euh, et par exemple quand les tours se séparent ben le problème c'est que les personnages ils disent chaque fois la même chose plutôt qu'avoir vraiment des, des dialogues séparés avec deux histoires parallèles qui se suivent, et qui à t'embrouiller euh, totalement, et eh bien en fait, je sais pas, euh, ça ça manquait d'un truc en fait. Et et là, de dire t'as tu as gagné le prix critique à CBD, bah, j'aurais voté pour autre chose. Hein. Clairement, en Kago, euh, c'est pas le meilleur, et euh, il a fait des choses mieux que ça. Donc euh, voilà, c'est très beau, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci, c'est du cago et, et même dans le côté Eurogouro, il y a des trucs un peu trash, mais pareil, hein, ça, il est allé plus loin que ça, il a fait des trucs un peu mieux. Euh, Max aussi, on en avait parlé avec Max, il était assez d'accord sur le fait que c'était pas son meilleur. Et là, quand j'ai vu qu'il a gagné un prix, bon, mais tant mieux pour lui, hein, c'est une belle exposition, mais euh, sans plus. Par contre, j'ai la, la suite, que je n'ai pas encore lue, et c'est une suite alternative. Hop, là, alors comme je vais juste cacher... Pas, je l'ai pas lu, donc je vais pas montrer beaucoup. Mais euh, pareil en anglais, c'est euh, donc les, 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 les sœurs jumelles, du coup, et c'est une histoire qui est parallèle à ça. Hop, et on va retrouver les mêmes, euh, les mêmes éléments. Hop là, je mets des trucs pas trop gore. Voilà, les mêmes éléments euh, euh, ici. Je vous ferai un retour quand je l'aurai lu, mais pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Bah, du coup, je l'ai acheté en grand format, comme l'autre. Et je crois qu'au final je vais garder le grand format et puis et puis je vendrai le petit au final. Voilà. Et il est beaucoup plus fin. Donc voilà, ouais. Donc, toi aussi, brochette d'agneau, tu l'as lu. En français, je suppose, tu as dû le lire. Euh, je pense que oui, hein, parce que... Mais bon. Ah, je dis pas qu'il n'est il est pas bien. Je dis juste qu'il euh, il y, a... y avait des idées, mais les idées, il n'est pas allé assez loin. Et pourtant la fin elle est cool. La fin est très cool. Ouais, bof sur 10 ce cago. Ouais, exactement. Euh, L'invasion mongole est mieux, et, clairement. En anglais aussi, ok. Ouais, donc pareil. Euh. Ouais, donc voilà, donc euh, gagner un prix. Euh, bon, euh, bon, ça lui fait une belle exposition, mais après, il faut dire ça fait longtemps qu'il n'y a pas de cago. Et parce que c'est pas euh, limite un prix d'honneur, je ne sais pas trop. Euh, voilà. Et puis, puis c'est tout. C'est tout pour celle-là. Alors, des news, il nous en reste trois. Comme je vous ai dit, il n'y en a pas euh, 100 ans. D'accord, oui, c'est le, le dernier que tu as, mais pas le. De toute façon, c'est pas... En soi, ce n'est pas grave. Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé. Mais euh, je crois que oui, mais j'ai oublié. Euh, notre chaîne euh, Kenshiro revient pour une nouvelle fois, pour une quatrième édition. Cette fois pour l'édition Extrême. Voilà, puisqu'il n'y a jamais assez de Ken le survivant. Et cette édition extrême, donc ça sera du 18 tome. Alors je sais qu'il y a des gens qui râlent sur le prix, etc. C'est plus la même. Euh, je ne sais pas trop euh, cette édition si elle est bien ou pas. Et, euh, et donc du coup, euh, je ne pourrais pas vous dire. Moi je l'ai, mais euh, à l'époque, euh, j'avais euh, les Gélus. J'ai fait l'idiotie de les revendre pour acheter la version chez Kazé. La petite version, en fait. Donc c'est la version que j'ai. J'ai pas racheté euh, la dernière parce que, euh, en fait, ils ont eu des problèmes avec le tome 1. Euh, C'était un peu la merde la dernière avec le tome 1. Et euh, ce qui fait que, bah, du coup, j'ai gardé ma version casée. Donc, une version que je n'ai jamais relue en plus. Et j'ai perdu ma version que j'ai lue. Et donc, du coup, euh, pff, voilà. En plus, je l'ai en petit. Alors que, clairement, la version extrême elle a l'air très cool. Je me pose la question si, euh, en relisant Ken. Je ne changerai pas ma casée contre l'extrême parce qu'en fait la casée, moi j'ai aucun euh, affect avec cette édition-là. Autant là, lu, je vais la je euh, j'aurais regardais la gélu ou j'aurais remplacé ma casée avec la Gélu. et là je me dis euh, euh, pourquoi pas. Euh, moi la taille c'est parfait. Hein. Euh, par contre, c'est est-ce que c'est du hardcover, est-ce que c'est euh, édition souple, euh, voilà, euh, quelle va être la qualité de l'édition en fait Surtout là en ce moment avec le papier, je ne suis plus très confiant dans les belles éditions. Donc voilà. Ah, par contre, le seul truc qui est un peu embêtant, moi j'aime pas, c'est quand les auteurs retouchent leurs planches. Ça, c'est un truc que je déteste. Parce qu'au bout d'un moment, ton œuvre, elle est, elle est comme elle a été. quoi. Ça sert à rien de faire une, une version remaster. Personne t'en voudra euh, si, euh, euh, si, euh, si ça ne va pas. Alors après, il y a un chapitre inédit. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Euh, 15 balles. 15 balles x 18. Une petite série à 270 euros, à peu près. Voilà, vous savez à quoi vous attendre et l'édition extrême. Je crois j'en avais parlé, mais Attends. au couteau no ken. je vais y arriver. Extrême édition, les vu comme je parle bien anglais. Un édition limitée. À un moment, il y avait un site qui les je vais pas le Ah, Voilà, au couteau legacy. Et Les couvertures d'extrême sont très belles. Hein. D'ailleurs, celle de Mangetsu, de Soten no c'est la collection extrême parce que c'est tout des fonds blancs. Et franchement, je trouve qu'elles sont, elles sont cool. Elles sont très cool, ces couvertures. Ah, Ray, un de mes personnages favoris, quoi. Voilà, donc franchement, elles sont... je ne vais pas toutes les afficher, mais elles sont elles sont... Oh caution, on va toutes les montrer, hein. c'est bien, on y est. Julia. Alors par contre, son trail a vachement évolué, hein, parce que dans le manga, c'est pas comme ça. Hein. Ah oui, il y a le cheval aussi. Donc voilà, donc euh... Ken. Ceux qui n'ont pas lu Ken, ça reste une... une saga culte. Clairement une saga culte. Et, euh, et donc, à y aller. Euh, moi, je vous dis, allez-y. C'est un truc totalement assumé. Il faut y aller quoi. Alors oui, hein, les éditions, c'est n'importe quoi. Euh, clairement, euh, c'est pour ça que ça ne veut plus rien dire. Hein. De toute façon, les perfects prestige, entre les perfects qui sont que des éditions doubles, euh, les perfects qui euh, n'ont pas de page couleur, euh, voilà, les, les perfects en petit format, euh, les masterpieces, les machins, les si, les machins. Honnêtement, c'est que marketing. Au bout d'un moment, euh, votre édition, euh, vous l'avez, elle, elle est en bonne qualité, elle est intégrale ou elle ne l'est pas. Quoi. Donc voilà, c'est un classique. Mais ouais, Ken, euh, moi, en fait, moi, Ken, c'est un peu le plaisir coupable. Hein. C'est l'histoire, un peu, sur le papier, elle est un peu nulle, l'histoire, en fait. Mais je ne sais pas. Moi, quand je dis Ken, je kiffe, je kiffe. Et, et ça, c'est sûrement dû à, 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 au Club de Roté. Mais, mais même, je, je kiffe. Et quand, quand Ken est sorti, moi, j'étais en feu à l'époque. Hein. Euh, quand, parce qu'à l'époque on ne savait pas les sorties et qu'on a appris que Ken sortait parce que c'était marqué dans le rabat de j'ai lu des dernières sorties mais j'étais fou quoi parce qu'en plus il sortait un septem en septembre parce que moi je suis né en septembre et j'étais là oh, Ken sort pour mon anniversaire quoi, mais c'est trop bien donc j'avais acheté mon, ma, mon, mon, mon premier deuxième volume parce que je crois que ça sortait très rapidement les premiers euh, genre en 15 jours ils avaient sorti euh, ils, enfin un mois ils avaient sorti trois volumes un truc comme ça hein. Et, euh, et j'avais lu Ken, j'étais tellement heureux. Quoi. Mais je vous en reparlerai le jour où on fera la mangatech. Euh, je parlerai avec plus de détails. Voilà. Mais Zeno, tu as déjà l'autre, toi. C'est bon. Ne la rachète pas. Tu l'as déjà, la normale. Tu gagneras pas plus avec Ultimate. Voilà. Et oui, effectivement, et les Sotem no et tout, c'est dommage de ne pas avoir fait un grand format. Euh, enfin, un format moyen. C'est vraiment dommage hein, parce que euh, ça. ça... D'avoir fait ce petit format, c'est surprenant. Je ne sais pas du tout comment sera le dos. Donc, Black Crow. Alors, fais attention, Black Crow. Ça, c'est le dos. Ça, c'est la tranche. C'est là où ça coupe. Voilà. Première, quatrième, dos, tranche. OK Donc, je ne sais pas comment sera le dos. Euh, Peut-être qu'on peut le trouver sur Google Images. Alors, je vais regarder, mais je vais couper l'écran. Euh, parce que... Euh, on sait jamais et ce qui, sur quoi je peux tomber. Attendez, je regarde en parallèle. Euh, Okutono Ken, là, image. Est-ce qu'on va, est-ce que je vais tomber sur un truc Non, je, je tombe. Ah c'est Obf. Oh, ben vous êtes déçu. <laughs> vous êtes déçu, ça ressemble à ça. Je vais aller dessus. Voilà, la japonaise ressemble à ça. Donc euh, pas terrible, hein, comme, euh, comme truc. Euh, donc voilà, mais ça sera peut-être qu'ils vont mettre une fresque. Je pense qu'ils vont la faire eux-mêmes. Hein. Donc walou voilà euh... Donc bon, ouais, en tout cas oui, effectivement, ce euh, Ken qui est pas en format euh, moyen. Sachant que, comme tu dis, euh, 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 il voilà, y avait déjà ce format grand chez chez s'appelle. Donc voilà, il y avait déjà ce format grand chez Kazé, avec euh, avec Soten, enfin avec euh, C'est bizarre que pour la collection, eux qui justement mettent vachement en avant cette cohérence de collection, bah, qu'ils fassent au moins la même hauteur pour que ça puisse aller avec tous les cames. Bon, bah, écoute, pas de commentaires supplémentaires. Donc voilà. Non, c'est que je, sur Google Images, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Hein, donc euh, j'ai préféré le couper. Comme ça, au moins, je suis sûr parce que j'ai pas envie de me faire euh, me faire ban la chaîne sur un, un truc aussi bête que ça. J'ai pas envie de recréer une chaîne, tout re-uploader, tout refaire, les gars, c'est bon. Donc euh, ne, ne tombons pas là-dedans, évitons ça. Alors là, on va parler d'une nouvelle qui était euh, beaucoup, beaucoup moins sympathique. Hein. Et qui n'a pas été relayé beaucoup euh, sur les médias. J'étais assez surpris. Ou du moins, je l'ai peut-être pas vu. Euh, c'est euh, le décès de l'auteur de Yu-Gi-Oh! Euh, suite à un accident de, de plongée. Donc ça, c'est voilà, important parce que euh, bah, du coup, Yu-Gi-Oh! ça reste une série qui, euh, que moi j'avais adoré à l'époque, le début, attention, hein, le début, mais quand c'était sorti, euh, Yu-Gi-Oh! moi j'étais en kiff. Alors je ne l'ai plus aujourd'hui, j'avais tout donné euh, à un de mes neveux. Et, euh, et donc je ne l'ai plus, mais perso, les, les 15 premiers volumes du oh ça représente vraiment pour moi tout Yu-Gi-Oh! Après le volume 15, c'est parce que justement on aime Yu-Gi-Oh!, on aime les cartes, on aime tout ça, qu'on a envie de continuer. Moi personnellement, après le 15, l'intérêt était totalement parti parce que ça ne se, se focalise plus que sur les cartes. Mais au début de Yu-Gi-Oh!, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, des jeux, c'est vraiment des jeux. Et des jeux qui, euh, c'est de tout, hein. ça peut être des jeux de plateau, ça peut être des jeux de cartes, ça peut être plein de choses, mais c'est pas le jeu de cartes à la, à la Yu-Gi-Oh, la Magic en fait. Hein. Euh, et, euh, et ça monte à chaque fois euh, dans des tournois, des trucs comme ça, c'est euh, prenant et surtout, à chaque fois, il y avait vraiment un vrai danger de mort pour les personnages. Donc c'était assez, euh, assez prenant. Et rapidement, bah, quand les cartes sont arrivées et que ça a été un succès commercial, bah, du coup, c'est vraiment focalisé là-dessus. Alors, c'est des combats qui sont super bien faits, c'est pas un souci, mais moi, personnellement, ça m'intéressait plus. Donc, les 15 premiers, je trouvais que ça faisait une bonne représentation de ce qu'était Yu-Gi-Oh! Et pour ceux qui veulent découvrir, je vous conseille au moins les premiers et aller jusqu'à 15. Après, vous n'êtes pas obligé de continuer, mais, euh, mais vous avez déjà un, un bel arc ici. Et, euh, et Yu-Gi-Oh! Franchement, c'était très très cool. Moi, c'était trop long, je l'ai donné. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin en fait d'avoir euh, euh, de, de, de me les relire. Ça reste une, une série de, que j'avais apprécié à l'époque, mais voilà. Et euh, ah oui, après il y a aussi y a les animés. Moi, j'en avais vu quelques-uns à l'époque, mais j'en avais vu peut-être une dizaine. Après, j'avais arrêté. Donc triste nouvelle, mais il faut bien le, il faut bien la relayer. Et, euh, et donc voilà. Alors après oh il y a eu un milliard de spin-offs. Euh, la licence est très très loin d'être terminée. Euh, le manga était déjà terminé donc euh, depuis très longtemps. donc vous n'aurez pas de souci de découvrir la fin du manga. mais bon, ben c'est triste parce que ça reste une personne qui a su créer euh, tout un jeu de cartes, et un univers. Euh, voilà qui, euh, qui plaît à des, des, des milliers, euh, peut-être millions de personnes. Quoi. Euh, voilà. et après on arrive sur la dernière news. Copier le lien. Hop. alors, juste avant de, de passer à la suite, euh, du coup, qui a lu Yu-Gi-Oh Qui l'a lu C'est quoi son manga secret Revenge Qu'est-ce que c'est que ce truc tu, tu me trolles, c'est ça Ah, oh ben je ne savais même pas qu'il avait fait un, un manga euh, sur Spider-Man. Ah, c'est énorme Je vous le montre. Ma connaissance comics se limite à, à que dalle. Le manga Spider-Man, Iron Man, de l'auteur de Yu-Gi-Oh Ok. Eh bien voilà, il y avait euh, un comics. Est-ce qu'on a des images de ça ah. Images. Eh oui, mais tu fais bien de le dire en fait hein. Tu fais bien de le dire. Voyons voir une, une planche. Ah ouais ça, ouais, ça fait le. Il y a vraiment le côté manga de Yu-Gi-Oh! avec les personnages comme lui là. Et le découpage un peu plus comics. Et encore, le découpage comics, ça fait assez manga, hein, je trouve. Hein. Salut Pierre, un de mes Patreon. Bienvenue à toi. Hop. Ouais non ça fait ça fait plus manga que comics hein, j'ai l'impression. Hein. Sauf que c'est en couleur en fait. Et bien, je ne savais pas qu'il avait fait ça. Ben, merci de l'info. Mais ben, pour tous les fans de l'auteur, ben, vous savez euh, quoi acheter maintenant. Donc ça s'appelle Secret, ah, Secret Reverse. Je crois que j'ai dit revenge tout à l'heure. C'est reverse. J'ai des problèmes de lecture de titre à hein, chaque fois. Donc voilà, bah écoutez, vous savez maintenant, au moins euh, vous pouvez lui rendre hommage avec, euh, avec ce titre. Ben, c'est cool. Merci de l'info. Voilà. Euh, qui a lu Yu-Gi-Oh justement à l'époque de sa sortie euh, Dites-moi -le dans, le dans le chat. Euh, parce que là, je vois que vous êtes, vous êtes une quarantaine ce soir. Hein, donc là, euh, statistiquement, il y en a au moins la moitié qui ont connu Yu-Gi-Oh là. Parce que c'est quand même une série qui a fortement marqué à l'époque. Hein. En tout cas, je les achetais à l'époque de la sortie. Hein. Quand ça sortait un magasin, j'allais les acheter en neuf euh, au fur et à mesure de la sortie. Hein. Jamais, Lolo. Mais franchement, teste le début de Yu-Gi-Oh, c'est cool. Hein. C'est très cool à lire. Hein. Bon, comme j'ai je dit, je les ai plus, je les ai donnés, euh, mais euh, ça, ça, me, j'ai passé des très bons moments. J'ai lu plusieurs fois à l'époque. Hein. J'ai vraiment lu plusieurs fois. Ah, tu joues toi, Buchanson. et tu collectionnes, d'accord. Mousashi, jamais lu. Ben, ça fait partie un peu des classiques de, 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 de l'époque. Hein. Allez donc toi Boris a grandi avec. Et Max, tu as fait des tournois officiels de cartes. Bon, toi, Max, de toute façon, dès qu'il y a des cartes, hein, t'es foutu. Tu es foutu. Euh, T'attends la perfecte. Oh oui, c'est vrai qu'il y a... Ah oui, attendez. On va avant de passer à... La... il y a une édition perfecte de Yu-Gi-Oh! et elle est super belle en plus. Yu-Gi-Oh! Est-ce que manga news la... Là... La lister Hop, édition double, non, il faut cliquer sur la euh, édition. Voilà celle-là, franchement. L'édition, elle est, mais super belle. Les gars, ils se sont lâchés dans les couvertures. Elle est, mais euh, même moi, ça me donne en... enfin, ça me donne envie de les, les, les redécouvrir. Quoi, les méga stylés le, le Yugi. Kaiba, je me rappelle des noms encore. Pas de tous, mais... Alors lui, je me rappelle plus. Vous voyez là, par exemple, c'était une sorte de jeu de plateau, jeu d'aventure, quoi. Un maniaque qui a lu les trois premiers. Alors oui, clairement, tu fais bien de le dire, Matojora. Effectivement, le manga est bien plus noir que l'anime. L'animé, c'est pour les enfants. Le manga, comme j'ai dit, les persos... Euh, ils se font blesser, euh, ils, ils, ils manquent de mourir, ils manquent plein de trucs comme ça. Et il euh, y a vraiment une vraie tension dans le manga. C'est assez noir et c'est méchant en fait. C'est très méchant. Je me rappelle plus le nom de son, son pote là. Et, euh, et donc voilà, donc ça. Et c'est une bunko apparemment, ouais. C'est une bunko mais bon, il pourrait la sortir en perfect. Merde, c'est là. Parce que bonhomme, ouais, c'est ça. Ce que ce que j'appelle la perfect, enfin ou ce que Bujinson appelle la perfect, c'est la bunko. Mais les couvertures de la Bunko euh, vraiment sont très très belles. On prends un peu au pif là. Ah, Yugi, là, le dernier, elle est trop, elle est trop belle celle-là. Hein. Donc effectivement, on va avoir une star édition, comme tu dis, Boris, puisque c'est Kana. Avec les trois dragons bleus. Voilà le magicien. C'est un des persos qui joue souvent. Voilà, non, franchement, très cool. Moi, je vous conseille de, de tenter. C'est une, une bonne série de l'époque et, et euh, j'ai passé un bon moment de lecture. Moi, ouais, je, je renie absolument pas Yu-Gi-Oh! Même si je l'ai plus aujourd'hui, euh, mais euh, voilà. le, à la limite, le début, ça me dirait bien de le relire. De relire les dix les premiers avant qu'ils attaquent l'arc de l'île avec les cartes. Euh, je pense que ça me ferait plaisir de relire que le début. Mais aussi bien, vous allez lire, vous êtes accro aux cartes. Hein. Mais tenter tentez les premiers volumes comme Maniaque. Et, euh, et c'est. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Tu te rappelles, toi, euh, euh, Max, le, avant que le tournoi de Lille commence Je crois que c'est vers les volumes 10. Hein. Ouais, là, on voit, on voit dans cette couverture-là. Oh, je vais passer sur l'édition française parce que l'édition japonaise, euh, ça ne le fait pas trop. Alors, là, du coup manga news est pas très bien fait pour ça française image voilà je crois que on le voit ici là là ça c'est encore des normal là on a les cartes qui arrivent voilà et là c'est à partir de 7 8 on a l'arc voilà avec le dragon bleu on a l'arc des cartes donc euh, vous pouvez au moins tenter jusqu'au voilà vous pouvez tenter jusqu'au 7 8 le 7 8 vous n'avez pas je crois que vous avez qu'une fois les cartes, mais c'est très bien parce que comme ça vous avez un arc sur les enfin des chapitres sur les cartes. Et euh, par contre à partir du, du 7-8, vous avez le premier arc avec les cartes et après ça enchaîne vraiment sur ça. Donc euh, si vous voulez découvrir Yu-Gi-Oh! vous pouvez juste vous arrêter à ça. Et oui, Yu-Gi-Oh! c'est le roi du jeu, tout à fait, oui. Exactement, c'est exactement ça, Brochet Daniel. Tout est dans le titre. Et donc c'est du jeu et ce n'est pas que des cartes, et aujourd'hui c'est carrément euh, centré sur les cartes. Donc vraiment moi je vous conseille, hein, lisez les 7-8 premiers, et presque, euh, à la limite moi j'aurais les 7-8 premiers là, si peut-être demain ils ressortiraient euh, la série, ou peut-être qu'un jour, je sais pas, là, je, me, je me prends un trip et je me dis, euh, je les trouve d'occasion, pas cher, je prends juste les 7-8 premiers, pas plus. En tout cas ça m'a bien donné envie de les relire. Allez je propose qu'on passe à la suite. Euh, c'est une, euh, une petite news qui vient juste d'arriver, euh, elle est toute récente. Euh, c'est euh, Naban qui, euh, qui va proposer un petit one-shot, Bienvenue au Café des Chats. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais comme c'est l'autrice de Demande à Modigliani, je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a l'air vraiment bien. Euh, ben voilà, je le, je le mets en avant, je me dis c'est un petit one-shot qui ne paye pas de mine, euh, ça a l'air euh, sympathique à lire. Donc euh, pourquoi pas Donc il euh, n'y a pas, euh, pas plus. Donc euh, voilà, je ne traîne pas plus dessus parce qu'il n'y a pas trop d'éléments encore. Et c'est un manga, je pense qu'il faut le lire et voir ce que ça donne. Quoi. Donc euh, Et ça sera, ça sortira sûrement au même format que l'autre. Euh, voilà. Et bien voilà pour les news. C'était assez rapide. Bon, on a mis une heure, hein, parce que j'ai un peu traîné sur les trucs vu qu'il y en avait moins. Et euh, je propose qu'on passe au planning. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres news qui vous ont vous euh, parler mais bon juillet c'est un peu euh, un peu calme et après août euh, comment dire euh, août il y aura quasiment rien on passe alors au niveau du planning qu'est ce qu'on pourrait acheter potentiellement au mois d'août alors je me mets sur manga euh, manga sanctuary non pas que c'est les plus complets mais plutôt que c'est les plus visuels et donc du coup pour le, le truc donc ça peut arriver qu'il manque euh, qu'il manque quelques mangas bon c'est pas grave après le but là c'est déjà de faire le tour et, euh, et j'essaye justement de vous parler un peu des nouveautés des choses comme ça euh, à chaque fois ville tu dors tu parles plus de tout à l'heure parce que je sais qu'Evil là il, il s'endort euh, au son de ma douce voix à chaque fois que je fais des lives et il y a sa femme pour le remettre, euh, pour le réveiller. Mais là, elle n'a pas écrit euh, Lady ce soir. Tu l'as enfermé ou quoi Bon, Evil, donne des signes de vie. Alors, qu'est-ce qu'on achète ce mois-ci euh, Rien de tout ça pour l'instant. Enfin, pour août, j'attends Zone Phantom chez Mangetsu. On va en parler justement. Euh, alors, il ben, y a Phoenix qui arrive. Je vous ai parlé de Phoenix à mon dernier live. Vous avez de quoi découvrir Phoenix du coup. Vous donnez les premiers euh, l'eau à la bouche pour découvrir la série. Donc euh, voilà, ça sera l'occasion. Il y en avait à la Japan Expo. Euh, J'ai voulu l'acheter quand je suis arrivé, il n'y en avait plus. Bon, je dit, ben c'est pas grave. Il avait rien, de, il avait rien de plus que le que le reste. Et, euh, et donc du coup, euh, du coup, je l'achèterai à sa sortie. Euh, dans toutes les bonnes librairies. Oui, j'avais compris, Mathilde, c'était bien Mangetsu, effectivement. Euh, alors, alors il y a toujours Une Sacrée Mamie, hein, comme j'ai déjà parlé, ça vaut le coup de lire Une Sacrée Mamie, c'est une série qui est très cool, très touchante, surtout au début. Je me répéterai à chaque fois, mais euh, même si à la fin c'est moins autobiographique, ça reste quand même très, très feel good. Donc, toi, c'est Phoenix et tout ce qui sort au Les Noir, Matojora. Euh, et Maxime Phoenix pour un premier et euh, une découverte de Tezuka, ça le fait... Phoenix est une de ses œuvres phares. Maintenant, euh, à découvrir en premier, non pas que c'est euh, particulier, mais il y aura peut-être des, des, certains arcs qui, te, qui seront moins intéressants, comme je disais dans ma vidéo, notamment les arcs sur le passé. Honnêtement, si tu veux découvrir Tezuka, je pense que tu peux plutôt t'attaquer à des one-shots, euh, notamment des Ayako, par exemple, c'est un, une très bonne porte d'entrée. Euh, tu peux essayer euh, les trois Adolphes, c'est deux volumes. Donc ça aussi, c'est une excellente porte d'entrée. Moi, je te conseillerais plutôt de commencer par ça. Tu prendras euh, beaucoup moins de risques et si ça te plaît, tu peux attaquer Phoenix. Comme ça, tu ne seras pas du tout déçu. Bon, le premier volume de Phoenix est vraiment génial. Hein. Allez... C'est pas possible que vous soyez déçu avec le premier volume de Phoenix. Okay euh, les volumes suivants, il y aura des arcs où moi, je suis moins dedans. Mais voilà, ça vous ça plaira. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a après? Euh, donc, alors il y a Baki. Baki, j'aimerais les lire. Honnêtement, j'aimerais vraiment les lire. Ça m'intéresse. C'est une série qui m'a toujours intrigué. Mais il y a trop de volume. C'est une série qui est beaucoup trop longue. Et comme il n'y a pas de numérique, eh ben, je vais passer à côté. Parce que euh, voilà, je me débrouillerai un jour à la trouver ou euh, à la pirater, tant pis. Mais euh, là, pour l'instant, moi, c'est trop. Euh, c'est trop, euh, trop long en fait. C'est le problème. J'ai vraiment plus la place pour ce genre de série. Et c'est dommage parce que les histoires sont très belles. Mais il n'y a rien à dire sur le travail de, de meyan là-dessus. Mais là, ça, ça sera sans moi. Merci Unicorn. Donc, Planète, une, même, une sacrée mamie, Pilote sacrifié, Black Box pour toi. Donc, le deuxième tome d'Evangélion. H.A. Euh, et le clan de peau. Je ne vois pas ce que c'est H.A. mais tu vas me le dire. Et toi tu as grandi maniaque avec les Astro Boy, le dessin animé et les BD. Mais je te dis, commence Ayako. Ayako c'est un de ses meilleurs. Moi c'est un des favoris. Comme ça, tu auras vraiment le, 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 un peu le top du panier. Tu vas dessus te dire euh, si tu aimes ou pas. Qu'est-ce qu'on a ici Pas plus. Personne ne prend Baki là-dedans. Je vois, il n'y a personne qui a mentionné Baki. Voilà, moi il n'y a rien de tout ça. Alors quand je dis y a rien, je ne dis pas que, que tout est nul. Hein. Je dis juste que moi ça ne ça m'intéresse pas plus que ça. Alors je vois Golden Guys, Golden Guys, moi c'est pas un titre qui m'attire qui euh, pour l'instant. Donc à voir euh, ce que ça donne. Ouais, mais Yann fait des belles éditions. Mais n'achète pas un livre pour sa édition. Hein. Achète un livre pour, pour son contenu. Hein. Salut Germain. Donc tenter aussi, maintenant mais pas la place. Et oui c'est le problème. Hein. Il faut vraiment que les éditeurs se mettent au numérique. Hein. Il y en a certains, euh, entre les, les panini, les meyan, les Kihoun, euh, ils me cassent les pieds ceux-là. Hein. Ils font aucun effort, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais, Pierre, en Tezuka, pour commencer Après, il y a Dororo hein, qui est cool hein, à lire, hein, qui est drôle et... Euh, Dororo est cool. Hein. Ouais, mais bah, MW, il est vachement... Euh, il est vachement sérieux, quoi. MW, il rigole pas. Hein. Donc, à la limite, peut-être d'Ororo. De D'Ororo, de c'est un bon compromis. Ils étaient dans mes sacs à la Japan Expo. Et je sais, Zeno, toi, tu les as achetés direct. Direct, mais... c'était Dans quel sac Le sac numéro 220 Parce que je t'ai vu, hein, avec... Euh, euh, c'était vraiment... C'était vraiment le, le... Le... Comment dire Comme les, le cliché des nanas au shopping, tu sais, avec toutes les boîtes empilées, là. C'était pareil. Euh, il n'en pouvait plus, Zeno. <laughs> Euh, donc, salut Germain, Pes Supra, toi c'est Baki, euh, Justine. Donc, tu, tu, tu prends le tome 2 de Baki, tu les achètes au fur et à mesure. Euh, okay. ok, Maxime, oui, non, mais tu, tu peux commencer par d'autres. Moi, je conseille souvent Yako, mais pour le côté, justement très, très réaliste et très sérieux, il n'y a pas de souci de commencer par autre chose. Mais MW, franchement MW, c'est un des seuls Tezuka qui rigole pas du tout. Moi j'ai peur que MW il soit trop sérieux. Quoi. Même moi j'adore MW, hein. j'ai d'ailleurs une critique sur Sens Critique. Yeah. Sens critique Dark Jesus, ça ira plus vite. Hein. Profil culturel et avis des Dark jésus J'avais chroniqué quelques, quelques trucs, notamment MW. Bah, c'est quoi? Ce sera plus simple, je te donne ça. Voilà, je te donne ça, toc. Et en fait, dessus, j'avais chroniqué MW, Debout l'Humanité, euh, j'avais chroniqué Barbara. Barbara, moi j'adore Barbara. D'ailleurs, j'ai vu le film, qui est vraiment pas terrible. Euh, mais je l'ai vu. Voilà. 48 œuvres 48 j'avais critiqué à l'époque. J'avais fait, dis donc. J'en fait des trucs. Euh, Est-ce que j'avais d'autres Tezuka Je n'en avais pas fait tant que ça, les Tezuka. Bon, je dis pas que toutes mes critiques sont d'une qualité extrême. Mais... Euh, ah, Shumari, j'avais critiqué. Effectivement. Ayako. Donc, il y, y a de quoi faire. Ayako, j'ai critiqué. Barbara, Shumari, euh, le L'autre que j'ai oublié au début, la MW. Il y avait Mizuki. Il y a les trois Adolphes que j'avais critiqué aussi. Lilo Trésor. Ah, J'en avais fait plein, en fait. J'avais oublié. Il euh, y a encore une page ou il y a encore une page Non, c'est tout. Bon, c'est déjà bien. Donc voilà, euh, je te conseillerais de, de checker un peu et comme ça, euh, comme ça, tu pourrais euh, te, te faire une idée. Hein, je pense que c'est pas mal. Hop là. Euh, Demain les oiseaux aussi. Euh, moi, j'adore Demain les oiseaux, mais il est un peu particulier dans sa narration, comme c'est beaucoup d'ellipses. C'est peut-être peut moins représentatif. Alors, après, chacun a son idée hein, sur, sur comment c'est tes mais tu vois, t'as beaucoup de titres et au final, tu en prends un de cette liste-là, de toutes ces propositions, tu ne seras pas déçu. Tu euh, as peu de chances d'être déçu. Salut Mangabalas, ça fait plaisir de te voir. Merci de passer. Ah, Mathilde, euh, Dovecot Express aussi chez Noévé me donne envie. Alors du coup, lui, euh, je ne sais pas ce que c'est Dovecot, je ne l'ai pas vu. Dovecot, Noévé. Ah oui, tout à fait. Alors j'ai acheté le, le premier de lui, euh, mais je ne l'ai pas encore lu à Tire d'elle. Et lui, effectivement, je l'achèterai aussi. Il me, il me hype bien. Euh, alors, on va commencer avec Dororo. Donc la vie de Bouddha, euh, moi je le trouve un peu euh, un peu enfantin. Un peu trop enfantin. Et long surtout pour commencer. Il est quand même très long la vie de Bouddha. C'est 4 volumes. Euh, Peut-être c'est bien de commencer par des one-shots ou des... des voilà. Aucun parce que j'ai pas envie de soutenir leur politique pourrie, mais foule les armoires, Black Box, Evangelion, Chanson, la colère, la colère! Euh, Tsushima, c'est bien un autre qui sort, je ne sais pas, on va voir, il sera sûrement dans le planning. Euh, quand je suis monté dans le car, le chauffeur m'a dit C'est quoi tout ça? Est-ce <laughs> que tu as dit, est-ce que je peux réserver euh, les, les ranges, une range valises que pour moi, s'il vous plaît? Donc, Justine, effectivement, il y a deux super sorties chez Starfoot aussi. Euh, de Qunami euh, Q et de Hideshi uh, Ino Donc, euh, not all girls are stupid. C'est vrai que je ne parle pas des sorties anglaises. J'essaierai de parler des sorties anglaises pour les prochaines fois. Donc, euh... Donc la question... Là, vous parlez beaucoup, là. Alors, du coup, euh, j'essaye de suivre les conversations, c'est cool. Euh... Où est c'est C'est combien... à combien on recomm... oh, ça Je pense pas que ça change, ça sortira. Les gens qui la voulaient l'achèteront. Euh, alors, ouais, histoire pour tous, mais euh, histoire pour tous, c'est indisponible aujourd'hui. ouais c'est histoire pour tous, sont pas mal, mais euh, trop indisponible. Kirito, c'est moi, j'ai beaucoup aimé aussi Kirito. donc ça, c'est cool. Salut Maz, toi, c'est le chant d'Apollon, Nico. Voilà, donc nous, EV, 5 stars ce mois-ci. On en a gros, Bushenson. Voilà, Donc quand tu vois, en tout cas, euh, tu vois du Tezuka. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de sensibilité. Tu peux lire les quelques critiques que j'ai fait, ça donnera des idées. Et selon ta sensibilité, tu pourras choisir ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est cool. Là, tu as du choix. Hein. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas de choix. Euh, en tout cas, souvent, je conseille de commencer souvent par des Ayako, des Trois Adolphes pour montrer un petit peu le côté mature de Tezuka. Et après, d'aller justement dans les autres œuvres comme Barbara, MW, etc. Mais on reste au final très souvent dans la collection Prestige. Et bien sûr qu'il y a d'autres titres super à lire notamment celui qui est cité le chant d'apollon par exemple qui est vraiment qui aussi top et même moi bon, il y a d'autres titres qui me plaisent mais qui ont certains défauts des fois comme debout l'humanité moi j'adore ce titre mais il a des défauts à ah, Demain les oiseaux moi j'adore hein. alors on continue bon racaille blues alors tout à l'heure j'ai vu passer une question est-ce que Baki supérieur à Rakai blues, est supérieur racaille blues c'est deux c'est deux mangas totalement différents. Il y en a un, c'est du furio, l'autre, c'est du sport. Euh, combat, c'est la bagarre, mais version sport, et l'autre, c'est la bagarre, version voyou. Donc, tu ne peux pas les comparer. Donc, voilà. Alors, moi, le Château de l'Aurore, je... ces Tezuka-là, je les aime pas, je les aime pas spécialement. Ça fait partie des Tezuka aux... auxquels j'ai beaucoup de mal à lire. Hop, alors, il y a Soul Keeper que je continue à faire. J'ai lu le 3 d'ailleurs. Euh... Euh, voilà, je vais... je vais finir la série de ce côté-là. Alors, il y a le fameux Zone Phantom qui est une nouveauté. Celui-là, je pense que je vais me le prendre. En plus, il n'a pas été annoncé euh, euh, par les éditeurs anglais euh, enfin, ou américains. D'habitude, ça sort en même temps. Donc, je pense que ça va être mon premier mangetsu, Junji Ito. Zone Phantom. On verra ce que ça donne. Puisque Sensor n'était pas foufou. Donc, on, on verra. Qu'est-ce qu'on a là Non, il n'y a rien qui me hype spécialement. 19 août. Hop. Ah oui, c'est vrai que Naruto ils sort un par mois. J'avais oublié. Ah oui, mais du coup, il y a Red Rat et Hollywood. Je pense que ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, cool. Euh, je les ai, je les ai achetés, donc je vais finir. Quand j'aurai les 10. Ça sera parfait. Ah, il est sorti aux états unis euh... Ah, il faudrait que je regarde. Parce que comme j'ai tous les vises je me dis, je peux peut-être continuer ma collection en vise en fait. Euh... Avaler la Terre, oui. Non, c'est pas, pas Avaler la Terre qui marque son passage au Seiden. Euh, Jean, euh, C'est une autre série. D'accord, mais je ne savais pas que Zone Phantom sortait en anglais. Mais il faut là que je regarde. Il faut là que je regarde à voir si je les prends en anglais pour continuer ma collection. Ou si finalement je me dis, bon mais maintenant, ça y est, je passe chez Mangetsu. Et, euh, et ça sera très bien aussi. Puisque je suis quand même moins... Je suis pas bilingue non plus. Hein, je suis très très loin de là. Euh, Qu'est-ce qu'on a là Il ouais, n'y avait pas mille choses hein, qui, me, qui me hypaient. Black Box, c'est vraiment une série j'ai envie de lire. Ça, je vais me les prendre en numérique euh, quand j'aurai vidé ma pile à lire parce que j'ai trop de trucs à lire. Euh, hmm, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Celui-là, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu. Mais euh, le secret des écailles de je sais pas quoi. Et, euh, et euh, ça, du coup, euh, le, le, la couverture, en tout cas, je la trouve très sympa. Voilà. Full Night, je connais pas du tout euh, Maz. Je ne sais pas du coup de quoi ça parle. Donc... Euh... Ouf, voilà. C'est une catastrophe, ce truc. Hum... Non, Full Night, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Et en plus, quand c'est les séries en cours, je suis moyen chaud, moi, hein. Vu les trucs des mangas. Euh... Mais bon, si, euh... c'est peut-être bien. Si tu le... N'hésite pas à en parler dans le chat pour, pour les autres. Salut Comics Manga. Bienvenue à toi. Ah Justine, tu as pris voilà, les, les collecteurs. Ok. Moi, j'ai le No Longer Human. Mais l'autre, Yon et Mew, je l'avais en français déjà. Donc, euh, isabelle Bird, je ne le fais pas. Et c'est un peu trop long comme série. Euh... Donc, Full Night, c'est cool. Ok, ben je n'étais pas au courant de cette série. Il y a le Eva. Ne passez pas à côté de Eva. Ça, c'est vraiment. Euh, c'est emblématique. Et franchement, le, le, pour moi, la version manga, c'est la meilleure version euh, de tous les euh, Eva euh, confondus. C'est celle que je préfère le plus. Et elle est compréhensible, contrairement aux, aux autres. Enfin, notamment la série originale, puisqu'elle est vraiment calquée sur la série originale. Même, c'est des petites différences. Alors, Parasite Reversi, moi j'en ai lu. Moi, j'adore Parasite. Si vous n'avez si pas lu la série Parasite, c'est un indispensable. C'est vraiment une série qui est, qui est incroyable. Euh, Parasite Reversi, c'est plus, euh, c'est facultatif. Donc, j'attends que l'intégrale sorte pour me, tout me lire, mais voilà, ouais, je la trouve un peu, euh, un peu décevante. Planète, une série pareil, il faut pas passer à côté. Moi, j'ai deux versions de Planète. Et euh, c'est clairement euh, un manga qu'il faut absolument acheter. Quoi. Euh, ah oui, non, non, mais le, le manga, euh, l'anime de planète. Ah oui, non, pardon, tu dois parler d'Evangelion. Voilà, parce que le, le, ouais, voilà, parce que le, il y a quand même beaucoup de ressemblances, mais l'approche est différente. Euh, par contre, planète, pour ceux qui ont vu l'anime, euh, l'anime n'a rien à voir avec le, <laughs> avec le manga. Hein. Et je vous le dis. Il euh, y a toujours Fable. Euh, Fable qui, euh, que j'ai envie de lire. Il fallait que je les achète. Ils sont tous en numérique en plus. Euh, ok, Bambi 3. Hop. Ben ouais, il est là, hein, du coup. Euh, ton chat. Tsushima. Et qu'est-ce qu'on a encore de bien Il n'y avait pas de couverture là. Bon, Captain Ken, Tezuka. D'ailleurs, euh, Fujimanga a décalé toutes les sorties en septembre. Déjà que, euh, déjà que les packs super fans, on les recevait super tard. En plus, ils l'ont décalé en septembre. Voilà, bien après tout le monde. Je pense qu'ils vont se prendre des retours de bâton, là. D'accord, c'est reposant intrigant. Mais sans plus, ça reste une petite lecture divertissante. C'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas, pas indispensable, quoi. Tiens, en retard, je vais sortir le chien. Mais il faut, il faut mettre le live sur ton téléphone. Voyons, brochette d'agneau. <laughs> non, il n'y a pas de souci. De toute façon, on fait le planning euh, tranquille. Ah oui, Gintama. Max, il attend son Gintama. Il faut vraiment que je me mette à cette série. Euh, Qu'est-ce qu'on a On avait les Meiruko-chan. Moi, j'aimerais bien commencer, continuer la série. J'avais eu les deux premiers. Euh, pareil, il fallait que je me les achète en numérique. J'ai trop de choses à, à lire déjà en physique. Si j'achète en numérique, euh, je suis mort là. Euh, ok, ben voilà, on arrive à la fin. Ah non, il en reste encore un peu. Qu'est-ce qu'on a après Attends, ils sont déjà au volume 6 de Keju 8. Je, je, je les ai même pas vu sortir les autres dans... Ils sont sortis dans l'indifférence, quoi. C'est ce que j'ai l'impression. Street Fighting 4, mais arrêtez de sortir des trucs avec des chats, quoi. C'est pas possible. Tous les Noévé. Justine, elle achète tous les Noévé, comme Max. Alors... Les enfants d'Hyprocat. Attends. Sacré Mami, Phoenix, Baki, les enfants d'Hyprocate, Zone Phantom, Golden Guys. Donc je vois qu'il y a un gros fan de, de Mangetsu. Donc euh, il va tout acheter. Les Valets, Blue Glocks, The Fab. Je vois que tu as une belle liste pour un mois euh, qui est plus calme. Euh, Phoenix, une des plus grosses claques de mon histoire, lecteur de manga. Ah non, mais Phoenix, euh, vous allez voir, le, le chapitre futur, il est, il est fou, quoi. Il est juste au fou. C'est euh, un chapitre qui est top, quoi. Euh, mais ça, je vous laisserai le découvrir. J'en ai parlé euh, rapidement. Mais ça va être en gros, moi, pour toi, brochette d'agneau. Hein. Moi, ça sera un peu plus calme. Il y a, a, a 5-6 livres. Euh, et puis, de toute façon, j'ai tellement de choses à lire. Euh, je ne peux pas me jeter sur tous les titres. Et vous, avec le temps, on apprend qu'on peut pas tout acheter. On peut pas tout lire. Surtout maintenant, il y a trop de sorties. Euh, non, Neko Gahara, moi, ça ne me, ça me hype pas plus que ça. Alors, attention, hein, comme je dis, c'est pas parce que moi, ça me hype pas que ce n'est pas bien. Hein. Donc, euh, là-dessus, moi, je fais le tour. Je vous dis qu'est-ce qui personnellement me, me, je trouve intéressant ou a piqué ma curiosité, ça ne veut pas dire que je ne passe pas à côté de quelque chose. Il hein. euh, y a de toute façon un manga, très souvent, euh, le premier ressenti il peut ne pas plaire, et finalement on lit, et en le lisant on découvre qu'il y a un univers et que et c'est juste génial. Quoi. Voilà. Alors c'est ouais, pas le premier, ouais, le premier chapitre du futur, effectivement. Ce chapitre et qui s'appelle Futur, en fait, ce chapitre-là. Ce chapitre, ils ont pas fait chier pour le nom. Hein. Et, euh, et là, c'était une claque. Moi aussi, la première fois que je l'ai lu, c'est ce que je disais euh, quand j'avais présenté les, 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 les Phénix, le chapitre futur. Incroyable. Incroyable. Moi, je ne suis pas remis. Quand je l'ai relu, j'étais euh, tellement bien. Tellement bien. Voilà, on est arrivé à ça. Euh, c'est déjà 10h. Il nous reste une heure et demie. Euh, bon, il y a de y a quoi. Alors, Dove Code Express, en fait, je crois qu'il n'y a pas de date. Maintenant que tu me l'as dit, je ne t'ai pas précisé. C'est comme la pomme prisonnière, euh, sûrement en septembre, mais il n'y a pas de date encore. Voilà. Euh, effectivement, c'est 22h et je n'ai pas parlé de nichon. Euh, parce que j'attendais que les enfants soient couchés. Voilà. Mais on, on, va, pouvoir, on va en parler parce que euh, là, là, il y en a. Hein la pomme prisonnière, il y, 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 y a le quota de nichon. Je vais me rattraper sur la deuxième partie de la soirée. Rassurez-vous, je sais qu'il y a un quota de nichons à parler. Il y a un quota de poisson d'argent, un quota de Tezuka, un quota de boobs. Je le sais. Donc euh, j'essaye à chaque fois de tenir tous mes quotas. Là, Tezuka, c'est bon. Ok. Poisson d'argent, un tout petit peu, mais chaque fois c'est une petite allusion. Hein. D'ailleurs, j'en ai tué encore deux hein, euh, la semaine dernière. Donc euh, euh, un énorme comme ça. Et la fois, c'est ma copine qui m'a dit "T'es déjà explosé un de tes copains." Ah, ben, ai dit, merci, c'est gentil. Donc, il euh, y en a encore chez moi. Il y en a encore. Mais, euh, mais Pedro, il m'a filé une bombe. Il faudra que je, je l'achète. Alors, je vous propose cette fois, euh, avant d'attaquer les lectures, <laughs> comment ça s'inquiéter Tu as lu La femme insecte. Alors, Soji part du principe que j'ai lu tous les Tezuka. Enfin, j'ai tout lu. Voilà. Donc, euh, ça, c'est bon. Et La femme insecte, oui, oui. Il est là-bas. Il ressort en septembre. Et, euh, et je ne sais plus de quoi ça parle. Mais je l'ai lu. <laughs> La femme insecte. Il est où C'est un grand format. Là. La femme insecte, c'est un, un manga que j'ai longtemps confondu euh, avec euh, Il. Hop. Et en fait, c'est un manga où Tezuka il reprend justement les métamorphoses. Euh, de, de, de comment ça s'appelle euh, des insectes? Bon, là il y en a trois la cigale, euh, citadelle, etc. Et euh, voilà, et ça va des histoires justement centrées sur, sur, le, sur les nanas qui euh, euh, ont des vengeances ou des choses comme ça de mémoire. Et euh, voilà, Monsieur, à l'époque, moi c'était un, un plutôt beau Tezuka. Là j'ai pas assez de souvenirs aujourd'hui, je dois le relire justement, et c'est pour ça que j'avais relu Il euh, il y a pas longtemps. Et j'ai pas enchaîné sur la femme insecte pour me laisser ne pas mélanger les deux séries. Voilà, ça c'est la couverture de la nouvelle édition. Ça. Donc voilà, donc la femme insecte, j'en parlerai mieux quand je l'ai relu, parce que ça, euh, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Mais je le relirai pour la sortie. Ah, et puis, quand tu as lu 150 de Tezuka, au bout d'un moment, tu oublies ou tu mélanges. Il hein. y a un film japonais sur, euh, sur la femme insecte De quoi tu parles, Lolo Quel film euh, Et tableau Excel, oui. Tableau Excel, j'en ai plein. Et, et je ne vous les montre pas tous, mes tableaux Excel. Vous savez que là, j'ai un tableau Excel qui note mes lectures euh, que je fais pendant les lives pour que je puisse vous dire Ah, mais c'est dans tel live, c'est dans tel machin. Vous voyez, comme je suis. Euh, je pense à vous pour que vous n'ayez pas à chercher et tout là. Donc, euh, alors, euh, d'habitude je fais mes lectures et puis mes achats. Cette fois, on va d'abord faire mes achats euh, parce que je vous ai montré une bonne partie euh, de mes achats de la Japan Expo, mais en fait, je n'avais pas commandé que ça. Enfin, je n'ai pas acheté que ça parce que euh, c'était pas prévu à Japan Expo. Je vais pas refaire l'histoire. Hein. Vous avez trois heures de live là-dessus. Euh, et donc du coup, les, euh, le comment s'appelle? Euh, J'avais déjà des, des commandes en cours, des achats que j'ai achetés au... en même temps, et je vais vous les montrer rapidement, comme ça on va passer aux lectures. Euh, C'est une très bonne idée, Brochette d'Agneau. Je n'ai pas fait de tableau Excel qui référence mes tableaux Excel. Je vais y réfléchir. J'en ai, ai besoin. J'ai trop de tableaux, et chaque fois je les cherche partout. Je vais y réfléchir. Très bien. Alors, le premier manga que j'ai acheté... On va finir tard ce soir, je sais, parce que j'ai pas mal de choses à dire dans mes lectures. Talk to my back. Je savais pas qu'il qu était sorti. C'est euh, c'est euh, suite au truc de les annonces de Max et tout. En fait, c'est une autrice qui a dessiné euh, dans Garo, si je ne me trompe pas, euh, comme euh, Tsurita, euh, celle qui, euh, qui a fait l en... enfin, qui est sortie sous le nom de L'envol. Euh, le dessin, je trouve euh, vraiment superbe. Et j'ai vraiment hâte de le lire, celui-ci. Et bien sûr, euh, à la fin, il euh, y a un super dossier voilà, de Ryan Holberg. toujours le même. Euh, en gros, il faut acheter tous ces livres hein, directement. Et euh, ça a l'air vraiment super. Donc si vous avez aimé l'envol, si vous aimez les mangas, euh, justement, euh, soit du magazine Garo, euh, soit des mangas qui euh, ont eu, euh, le, en tout cas, une vision différente à l'époque, c'est ce genre de bouquin qu'il faut acheter. Told to my back. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté mon volume 2 de Shoujo Shonen, une série je ne savais pas qui existait, sortie chez Soleil. Euh, donc voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu le premier volume à 3 euros. Du coup, j'ai commandé le deuxième volume derrière. Et euh, je vous dirai ce que ça vaut. Il y a 4 volumes. Des, euh, des... En tout, mais il n'y a que deux volumes qui sont sortis, donc j'ai l'impression que c'est des histoires courtes, donc ça ne posera pas de problème. Donc voilà, je vous dirai ce que de quoi ça vaut. Bon, comme c'est des achats, je ne peux pas vous dire plus. Hein. Alors ça, c'est un livre qui me manquait pour ma collection de livres sortis au tout début en France, Mourir pour le Japon. Je l'ai eu il y a longtemps, je l'avais donné, et là je l'ai racheté. Et je l'ai racheté grâce à une gentille personne qui à utiliser mon lien de parrainage sur Rakuten avec les 10 euros offerts et ben du coup grâce à toi voilà sache que j'ai pu m'acheter ce livre pour terminer ma collection les seuls qui pourraient me manquer ça serait les candy candy mais c'est sorti un poil plus tard donc du coup je ne les collectionne pas et puis de toute façon à trouver pour... laisse tomber mais du coup voilà j'ai commandé mon Mourir pour le Japon qui est le premier volume en fait de Gendiroshima mais euh, il faut savoir que Genji Hiroshima est sorti plein de fois. Ça, c'était sa deuxième réédition. Et donc, j'ai pu le commander. Donc, merci à toi, celui qui a utilisé le, le, le lien de parrainage. C'est super gentil de ta part. Euh, donc, voilà. Et n'hésitez pas euh, à, à regarder si vous voulez soutenir la chaîne. Il y, a des, il y a des liens, il y a le Patreon, il y a plein de choses. Et, euh, et donc, du coup, euh, vous, pouvez, euh, euh, vous pouvez soutenir la chaîne ou juste utiliser les liens affiliés. Vous commandez un truc sur Amazon, vous cliquez sur mon lien, vous commandez ce que vous voulez, un garde-boue si vous voulez. Euh, voilà, une, une sonnette de vélo. Et bien en fait, j'ai un tout, tout, tout petit pourcentage qui me revient et ça va aider la chaîne avec le temps. Voilà. À l'époque, ça coûtait 110 francs. Voilà. Et il n'y a qu'un volume qui est sorti alors qu'il y en a 10. Je parlerai de Genji Hiroshima un jour, ne vous inquiétez pas. J'ai acheté un Tezuka en anglais que j'avais en numérique. Euh, que j'avais acheté en numérique, hein, avec mes vrais petits sous, et qui est sorti en, en physique. Il y en a un autre métamorphose qui va sortir bientôt. Je ne savais pas qu'il était sorti, donc je, je l'ai acheté. Euh, voilà, donc ça va dans ma collection, parce que je l'ai déjà lu. C'est des histoires courtes adultes de Tezuka. Et c'était plutôt euh, pareil, j'avais un beau souvenir de, de ce one-shot. Donc tout en anglais. Vous voyez, euh, des meurtres et tout. Voilà. Donc, tout en anglais. Euh, et plein de petites histoires. Donc, euh, voilà. The Chef, il nous a coups à coup. Donc, c'est vraiment un lieu. Hein. Et c'est le nom d'une histoire courte. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté J'ai acheté. Robocock. Robocock. Donc voilà. Alors, je vois un peu vos messages. Ok, je vais répondre juste après. Robocoq, ça fait longtemps que je voulais l'acheter. Et comme j'ai fait une commande chez Blackbox, qui n'était pas prévue, je l'ai fait avant d'aller à la Japan. J'avais toujours attendu. et bien, j'ai acheté Robocock, Parce que Robocoq, avec le titre déjà, il me le fallait. C'est bien un robot avec une tub, oui. Oui, je te montre, brochette d'agneau. Il me le fallait. Et à l'intérieur, c'est bien ce que tu penses. Regarde-moi regarde ça Comme c'est incroyable C'est la, la troisième page Ça, ça a l'air incroyable, cette série. Ça, ça a l'air du. Ça a l'air du. Une nullité. Ça a l'air très drôle, en fait. Donc du coup, Robococ, bientôt, je vais lire ça. Ça, je ne vais pas tarder. Ça, ça fait partie des petits plaisirs coupables. Je, je pense que je vais bien rigoler à lire ça. Donc, Robocock, ne passez pas à côté de Robocock. Je vous fais un avis bientôt. Alors, euh, tu utilises quel site pour suivre les sorties anglophones euh, mais Du coup, Nico, j'en suis aucun. C'est par rapport aux au tweets que je peux avoir. Euh, des fois, je vais sur certains sites d'éditeurs directement. Et c'est pour ça que je ne suis pas très assidu en ce moment parce que je ne suis pas trop. Mais c'est très compliqué d'avoir des sorties anglaises. Si justement, si quelqu'un connaît un site, je suis preneur. Ah, très belle couvre, oui, pour le, le Tezuka. Elle est très jolie, ouais. Tezuka, je, je la trouve très très sympa. Euh, ok, Roselyne et surtout... Alors Roselyne, j'ai pas dû avoir ton premier message. 20 tomes d'histoire courte. Ouais, je pense que le premier message est, dû, euh, est passé à la, à la trappe. Donc belle couver. Robocoq, il me le faut. <laughs> ah Mathieu, tu es sûr tu parlais pas de... Entre les deux, vous préférez quelle couverture, je ne sais pas, hein. c'est difficile à choisir là. Hein. On est d'accord hein. entre cette magnifique Robocop et, euh, et cette belle, euh, belle fille en couverture, je sais pas. Mon cœur balance. Hein. Ah là là. Euh, c'est génial comme concept, oui. Donc voilà. Vous sachez que ça existe. Ça fait un moment que c'est sorti en plus, hein, mais je vais bientôt le lire. Alors j'ai pas commandé les, les Noroy, les, les trucs d'horreur, parce que... Si je l'ai commandé, en fait, ils m'auraient envoyé au moment de la sortie de, de ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je, je, je vais attendre et je les commanderai plus tard. C'est pas grave. Donc euh, ils vont pas disparaître du catalogue. Ah, un petit peu. De... Ah, eh, eh. il y a du boobs quand même. Je vais me faire bannir un jour hein, de la chaîne. Sachez que je prends des risques pour vous. Hein. Alors, on voit rien, hein, c'est censuré, hein, de toute façon. Mais c'est très explicite. Hein. Voilà. Hein. Deux salles, deux ambiances. Fais gaffe, il euh, y, y a du. Ah, là, il y, y a Big Coq. Donc, je pense qu'il y a des combats. Il y a des combats de coq. Voilà. Oh, mais il y a même une Kathleen, là. Enfin, il y a un canon laser. Je, je pense que je ne vais pas regretter mon argent. Moi, je vous le dis. Je ne vais pas le regretter. Mais je promis, promis je le lis pour le mois prochain, et je vous en parle pour septembre. Allez, c'est réglé. Je vais le mettre à part pour être sûr de ne pas l'oublier. Ah, coque de combat, exactement. On peut faire tellement de jeux de mots, mais moi ça me rappelle l'épisode de Sanspark, Park. Magi euh, Magic Coq, un truc comme ça. Et qui m'avait fait mes rires. C'était incroyable. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai acheté après bah, J'ai acheté le... Bah, le... dernier qui me manquait. Il hein. n'y oh, bah, a pas grand-chose à dire dessus. Hein. Le petit Berserk 41. Euh, plus fin que fin. Voilà. De toute façon, j'avais déjà tout lu en scan parce que je respecte l'auteur. Donc du coup, j'ai tout lu. Euh... J'ai tout lu sur les sites pirates. Voilà, ça c'est mon respect de l'auteur. Et, euh, et voilà. De... Je baisse d'accord Dans mon estime pour Robocock c'est parce que c'est ça ou c'est pour autre chose, Soji? En tout cas, très beau ce volume. Donc on, on verra euh, la suite. Mais je suis maintenant la suite euh, assidûment. Ah, dis-moi, Soji, de sur quel manga tu parles Si c'est bien Robocop. Un star édition pour attirer un public jeune, exactement. Ça serait trop bien. Alors j'ai acheté, parce que du coup, suite au dernier bunko, quand on parlait avec Max, euh, il avait, Robo... mais je pense que tu me connais mal, Soji, hein. moi j'adore les, j'ai dit, hein, moi j'ai plein de, de... de lectures plaisir coupable, hein, comme ça, hein. je les assume entièrement, il n'y a aucun problème. Alors, suite au dernier bunko, euh, j'ai acheté donc Chevalion, parce que Max m'a dit que c'était cool à lire, donc voilà, je les ai pris, je me suis dit, ben allez, on va tenter ça. Je les aurais pris en numérique et n'hésitez pas. Donc du coup, j'étais obligé d'acheter en papier. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est une lecture à lire aux toilettes euh, euh, tranquillement. Donc je, je lirai ça dans le futur. Ce n'est pas prévu. Donc tu verras, j'ai ma collection, j'ai plein de mangas un peu, un peu nuls comme ça. Ah d'accord. OK. Je n'ai pas saisi. La fois j'avais lu Stravaganza. Tu sais que Stravaganza... Ils sont pas disponibles en numérique. Ils sont quand euh, physique. ça me fait chier parce que je bien aimé. J'aurais bien aimé les acheter en version officielle. Euh, donc euh, en numérique. Et en fait, euh, ils y sont pas. Donc je suis un peu blasé. Donc de ça. Et j'avais beaucoup aimé Sravaganza. Il y avait plein de boobs, hein. c'était bien. Alors j'ai continué notre temps contraire. Numéro 8. Il n'en reste plus qu'un pour pouvoir les lire. Voilà, donc euh, pas de plus. Euh, j'ai acheté... Alors là, ça va, vous allez... Euh, vous allez pleurer. J'ai réussi à trouver. Ah, t'as aimé euh, Chevalier en cool, Nico. La femme défigurée. Petit manga d'Inouki. La reine de l'horreur. Qui est euh, tant désirée en France. Et en fait, il y avait une an sur le Bon Coin. Euh, J'ai payé ça euh, avec le manoir de l'horreur. Parce qu'il y avait le volume 1 qui était de, dans le lot. J'étais obligé de le prendre. J'ai payé ça à 25 balles. Avec les frais de port. Ouais, je trouvais ça raisonnable. Euh, donc, du coup, je me suis pris. Je, je vous le dis pris parce qu'il n'y a, y a pas de secret. Hein. Euh, donc, j'étais assez content. Et c'est une annonce qui est restée 24 heures. Tout le monde s'en moquait. Et euh, je l'ai fait Bah, ben, je vais la prendre. Et puis, euh, puis c'est top. Donc, voilà. Donc, la fin de euh, Manga d'horreur de la reine du manga. Avec un trait assez rond et horrifique. Ça a l'air assez perturbant. Voilà, bien sûr, Humez est une de ses grosses références. Ça se ressent dans, dans, dans certains parties. Euh, donc j'ai hâte de, de lire ça. Euh, Toc Alors, euh, Keishiro 24, je l'ai lu il y a longtemps. Et j'avais beaucoup aimé les trois premiers volumes. J'avais trouvé ça très drôle. Par contre, à partir du moment où ils font le tournoi, j'ai trouvé ça... Euh, très nul et en fait la série elle a pas su se renouveler et euh, ils auraient dû arrêter au, au tome euh, au tome machin euh, au tome 3 maximum mais euh, bon après le début était cool euh, et dans le dernier achat euh, enfin c'est pas le dernier achat parce que c'est dans le dernier achat que je n'ai pas lu euh, j'ai acheté ça les mathvinger z avec Gweth Madvinger euh, alors je les avais achetés avant l'annonce de isan et j'ai acheté sur le site de Black Box en défraîchi euh, neuf occasions, euh, pas neuf, pas occasion. Et donc du coup, euh, ben, du coup, j'ai acheté euh, la série comme ça. Et moi, j'ai pas besoin de la série Megalux de, de Isan Manga. Euh, donc je suis assez content parce que je vous expliquerai pourquoi j'ai acheté ma Zinger Z alors que ce c'était pas prévu. Euh, combat voilà. Avec des gros robots. Parce que les gros robots, c'est cool. Euh, donc euh, voilà, je prends pas trop de risques, hein, parce que de toute façon la série elle est introuvable aujourd'hui. Et si ça me plaît pas, je les revendrai. Mais, euh, mais du coup, j'ai acheté ça, et je vais vous expliquer pourquoi après. Pourquoi j'ai acheté les Mazikor Z. Alors, je fais un peu de place. Mais vous avez vu, j'ai même une sacrée pile, et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc ça, c'était pour les achats. Euh, maintenant, ce que je propose, c'est que... On enchaîne sur les lectures et dans les lectures et il y a des achats aussi. Donc le premier achat et là on part sur les lectures. Si vous êtes chaud parce que euh, il reste une heure. Hein. En tout cas moi j'ai chaud là, je vous le dis. Les trois projecteurs qui tournent, euh, l'ordinateur là qui euh, qui euh, qui tourne. Hein. Donc euh, j'ai chaud, je, je transpire. Ai... D'ailleurs je sais pas si vous avez vu mais j'ai mis un petit t-shirt Hunter Hunter là. Il a personne qui l'a vu quoi. Avec gun. Quand même, il fallait le mentionner ça. J'essaye de m'habiller, de me faire beau en conséquence là pour les lives. Alors. Oui, elle devrait revenir, mais en anglais aussi, euh, Inouki. Euh, elle va sortir là, il y a un livre qui va sortir, je vais l'acheter. Voilà. T'inquiète pas, je vais être gentil avec Nagai et je vais parler de Nagai ce soir. Voilà, je sais être gentil avec lui quand il faut. On est presque une cinquantaine, hein? c'est cool, hein? c'est super cool. J'espère que vous passez un bon moment. Ouais, c'est le sauna, ouais. C'est le sauna. Après, je pourrais mettre mon t-shirt là que j'ai mis pour la soirée, je pourrais le mettre à laver direct. Alors, quel est le premier achat euh, allez, on va commencer par celui-ci. Un pigeon à Paris. Ah oui, alors là, vous attendez pas à celle-là. Il y, y a un projet qui, qui fait des lumières dessus. Je suis désolé, mais je ne peux, je peux rien faire. Alors, Un pigeon à Paris. Euh, Gléna, c'est une série que je voulais acheter depuis longtemps. Parce que j'aime bien, en fait, les séries euh, qui, sont sur, euh, qui sont justement sur les expériences euh, euh, comme ça. Donc. Euh, du coup, c'est une série que je voulais acheter depuis un moment et j'avais... C'est une série que je n'ai jamais vue en magasin. Donc, ben, je n'ai jamais eu l'occasion de la feuilleter, de lire le début, de regarder un petit peu euh, si, euh, si elle m'aurait plu ou pas. Et, euh, et j'avais, je sais pas, la flemme de la commander, je ne sais pas, ou j'attendais le bon moment. Et, euh, et Glenna a annoncé son arrêt de com. Et je me suis dit, merde, Glenna l'arrête. Bon, mais ben, je vais la commander en neuf, comme ça, je l'ai. Et là, en neuf, elle était plus, elle était plus dispo. Donc, ben, du coup, j'ai trouvé un lot d'occasion et je l'ai acheté d'occasion. Euh, donc, c'est pour ça que là, ben, tant pis. Je n'ai pas soutenu l'autrice, du coup. Mais euh, tant pis, j'ai euh, j'ai les trois volumes. Donc, en gros, qu'est-ce que ça raconte Alors, qui sait qui aime bien, justement, les livres comme ça Je sais que euh, moi, j'avais beaucoup aimé les, les, les livres de Nishi. Voilà, comme celui-là là. Paris toujours, où il raconte un petit peu ses aventures en France euh, à côté. Voilà, moi il y, y a pas mal de lits, je les ai tous. Hop là. Je dis pas qu'il les faut tous, mais euh, moi je les ai tous. Alors, attendez, je vais prendre juste un peu d'eau, deux petites secondes. Ah non. J'avais entendu ma copine passer à côté, mais elle s'est cachée direct. Donc du coup j'irai après quand ça sera vide. Euh, donc du coup, euh, ben euh, voilà, je, je les ai dit tous. Alors il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et il y en a un septième que j'ai pas lu. Bon, l'avoir euh, les sept, ça vaut pas le coup. Hein, mais euh, mais j'aime bien. J'aime bien ce genre de, de, de feedback. Et donc ça parle en fait, c'est l'histoire, c'est Lina Fujita euh, qui se dessine en pigeon parce que euh, comme le pigeon c'est l'emblème de Paris. Et eh ben du coup. Euh, mais du coup, euh, voilà, elle est, elle est représentée en pigeon. Et elle raconte en fait son périple en France, euh, son périple qui dure un an. Donc c'est, elle a 30 ans, c'est une nana qui est au chômage, elle aimerait être mangaka mais elle ne donne pas les moyens. Et au bout d'un moment, ben, euh, ça lui pète et elle dit, ben, c'est bon, euh, je me casse, je vais en France. Et par la force des choses, en fait, elle fait mangaka en France. Donc euh, voilà. Euh, alors, les titres de, de Kabi Nagata qui sont avec euh, Kabi Nagata, c'est celle qui a fait les trucs sur le. Comment euh, ça s'appelle Voilà, c'est ça. C'est autre chose. C'est celle qui a fait. Euh, voilà, celui l'étude de notre genre et tout ça. C'est autre chose. Là, c'est euh, plus de la biographie, euh, mais de la biographie. Euh, euh, je ne sais pas comment dire. Euh, on n'est pas dans le, même, dans le même truc là. Là, effectivement, elle, elle raconte son quotidien, tout ça, mais on n'a rien plus dans l'humour. L'autre, on est quand même dans des trucs plus tragique Et souvent, on a des trucs, des biographies plus tragiques, on va dire. Et donc, du coup, en gros, elle a 30 ans, et elle se elle va se retrouver euh, en France. Euh, donc euh, on va euh, du coup, voilà, voir un petit peu les différences de culture. Et très souvent, c'est assez drôle à lire, en fait. Alors là, déjà, vous avez vu, c'est tout en couleur. C'est assez sympa. Euh, alors, le dessin est très basique, mais ça reste très expressif, hein. ça marche très bien euh, là-dessus. Elle, elle se dessine en, en gros pigeon, euh, mais tous les personnages autour, à part sa famille qui sont euh, des belettes, euh, des lapins, euh, des renards, euh, tous les gens autour d'elle euh, sont des humains euh, euh, normaux. Euh, donc voilà, c'est donc en couleur, ça fait 100, 130, 140 pages, c'est euh, assez court, mais c'est extrêmement bavard hein, donc euh, vous n'allez pas lire un tome hop là euh, comme ça vous voyez c'est vraiment extrêmement bavard donc c'est très très long à lire mais c'est très drôle à lire moi j'ai rigolé à des moments et j'ai souvent souri donc ça c'est quand même euh, assez cool euh, Elle a beaucoup en fait de second degré hein, l'autrice hein, elle, a, elle, a, elle a beaucoup d'humour de, de ce côté là et ça c'est ça elle se moque d'elle-même tout le temps et c'est ça qui est assez euh, assez plaisant. Et toutes les situations, elles sont souvent un peu tournées au ridicule. Et même les situations frustrantes pour elles sont tournées sous forme d'humour. Donc c'est pour ça que euh, ça reste drôle. Euh, et donc euh, du coup, euh, on va rester quand même sur les sujets assez classiques. Euh, C'est-à-dire qu'il bah, y a les problèmes de... comment dire... des problèmes de culture, des problèmes aussi d'habitude, les, les respects euh, qui ne sont pas les mêmes. C'est beaucoup de problèmes culturels en fait. Hein. Et des euh, respects qui ne sont pas les mêmes, ou même sur le fonctionnement de la France. Elle va expliquer, ben ouais, genre le service postal pourri, la pauvre, elle, elle a que des déboires avec la poste. Euh, les transports en commun euh, qui sont jamais à l'heure, euh, qui arrivent à des heures pas possibles, euh, et des choses comme ça. Je ne sais plus ce qu'il y avait, il y avait les vendeurs euh, ou les serveurs super pas sympas, pas du tout aimables, qui font la gueule. Voilà, ou le comportement euh, général des, des Français. Et c'est assez rigolo qu'elle te qu rejette ça à la gueule en mode. Vous voyez, on peut être plus sympa dans la vie aussi. Euh, donc c'est voilà le, le service à la française, quoi. Je te crache à la gueule et ça fait 10 euros. Euh, ce qui est assez drôle aussi, c'est qu'elle est quand même, elle profite. Elle a pas de sous, mais elle profite pour faire des, petites, euh, des petits voyages. Euh, elle, elle montre toutes ces petites galères du quotidien. Euh, elle montre euh, sa découverte de la cuisine française, genre le kebab. Voilà, donc elle explique ce que c'est et tout. Ça fait trop rire. Un peu comme dans Jojo dans Star Wars Crusader. Quoi. Le kebab, voici ce que c'est. Euh, voilà il y avait quoi il y avait voilà et puis elle rencontre toujours des mecs bizarres genre là ça c'est l'otaku qui ne parle qu'en générique euh, ou personnage d'animé un mec qui est un peu trop à fond qu'elle a rencontré donc ça c'est euh, assez drôle quoi euh, voilà ou sa colloque, euh, colloque aussi qui, qui est un peu un peu timbré gentil mais un peu timbré mais c'est rigolo donc ça fait trois volumes comme ça c'est pas super long euh, du coup c'est ça traîne pas trop il euh, y a peut-être deux trois chapitres euh, qui sont pas euh, incroyables, mais dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai pas, euh, pas regretté ma lecture quoi. Donc c'est ça qui est cool. Et euh, je, je, fin, je, les relirai un jour avec plaisir quand j'aurai un, euh, un petit peu oublié, ça, parce qu'elle arrive à, elle arrive quand même à, à créer justement un décalage entre la situation, euh, son côté un peu, un peu euh, tête en l'air. Et euh, surtout bah, les, les galères qu'elle rencontre avec les, la France qui ne, qui ne l'aide pas, clairement pas. Quoi. Euh, donc voilà, donc ça reste une lecture un peu limitée une fois qu'on l'a lu une fois. Mais euh, c'est typiquement le genre de lecture. J'aurais pu l'avoir en numérique, ça, ça aurait été très bien. Mais ça n'existe pas en numérique. Tout n'existe pas en numérique. Mais je pense qu'en numérique, c'était une lecture qui était largement suffisante. En tout cas, c'est des bouquins assez lourds parce que c'est du papier glacé. Euh, pff, ils, sont, ils sont méga lourds en fait, ces livres-là. Donc voilà. Un pigeon à Paris, je ne sais pas si ça a donné envie à des gens de découvrir, mais je l'ai lu et je suis très content. Un jour, il faudra que je me relise justement les JP Nishi. Et pareil, j'avais lu, j'avais bien aimé ces différences culturelles. J'aime bien quand il y a ce genre de, ce genre de manga. D'ailleurs, j'avais acheté aussi euh, euh, au Lézard Noir euh, le Kondo, je crois qu'il s'appelle pas Kondo, euh, Akim, comment il s'appelle C'est Chronique New Yorkaise, j'ai oublié le nom de l'autrice. Euh, elle, par contre, c'est Japon, New York, mais c'était pas mal de voir aussi les différences euh, de ce côté-là. Euh, voilà pour euh, un pigeon à Paris. Il n'y a pas besoin de, de rester euh, plus longtemps dessus. Je pense que j'ai assez dit euh, euh, de ce côté-là. Donc, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours si des fois ça vous tente de découvrir la série ou, ou pas du tout. Euh, en tout cas, voilà, c'est un beau bon moment. Alors, le manga suivant, je l'ai lu en numérique sur Manga.io donc on va aller sur Manga.io alors qu'est ce qu'on a se connecter parfait je vais donc voici Manga.io vous savez j'ai un abonnement d'ailleurs pour ceux qui veulent tester le service et s'abonner il y a un petit lien de parrainage euh, donc n'hésitez pas ah oui, ouais, un pigeon à Paris, je pense que je dois être le seul <laughs> qui en parle. Ça y est, c'est fait. Je ne pense pas que quelqu'un ait parlé d'un pigeon à Paris sur, sur YouTube. Clairement. Euh, alors, j'ai lu Irène. Irène, de Hideki Arai. Alors là, Hideki Arai, c'est un auteur que je sais qui est extrêmement apprécié, extrêmement attendu. Euh, moi, c'est un auteur avec qui j'ai plus de mal. Euh, ça, j'en avais déjà parlé dans des lives, et j'étais curieux de lire Irène. J'avais pas envie de l'acheter, j'avais pas envie de me lancer dans, dans Irène euh, parce que j'ai toujours le doute avec cet auteur, et j'étais hyper content euh, que ça arrive sur Manga.io et de pouvoir le lire. Euh, donc voilà. Donc je sais que il est quand même assez adulé par les fans. Euh, il est qui a Il y en a plein qui surkiffent ce qu'il fait. Euh, moi, par exemple, Kitschy, j'avais... J'avais aimé, mais le, le, le texte et tout, mais par contre, euh, c'est un truc, euh, comment dire, je le trouvais trop long, trop long, euh, répétitif, et même s'il allait, euh, j'aimais beaucoup vers où il allait et tout, euh, c'était ça. Et The World is Mine, pareil, un peu trop long, mais ça, The World is Mine, j'ai envie de le relire, alors que Kichi Ichi, j'ai pas envie de le relire du tout. Et son petit one-shot, là, La vie devant toi, euh, bon, un peu particulier, ça m'avait pas plu plus que ça. Donc là, ben. Quand Irène est sortie, j'ai fait putain, bingo, ça c'est pour moi. Je vais vite les lire euh, au cas où ils partent du catalogue. Comme ça, c'est fait. Donc de quoi parle Irène Alors pour Arnaud, c'est un indispensable. Je vous dirai mon avis après. Je vais déjà vous présenter un petit peu Irène. Donc c'est l'histoire de Iwao, Iwao qui est là, euh, qui est euh, un bon quarantenaire endurci. On va essayer de retrouver, euh, voilà, endurci en train de mater des trucs de cul. Euh, euh, tout le temps, hein, c'est vraiment le, le, le masturbateur professionnel hein, clairement et, euh, et il est assez casanier, il n'a pas beaucoup de contact avec la gente féminine clairement et, euh, et donc du coup euh, euh, comment dire le il travaille dans un pachinko et vous savez les les pachinko là les les jeux les jeux de billes euh, japonais et en fait voilà là, il a wow, il hein. et euh, donc je vais vous montrer le, pach le Pachinko. Voilà, on le voit là, il est en train de travailler là. Il, euh, voilà, il couche avec sa voilà, avec sa patronne de temps en temps, qui est euh, pas euh, super sexy euh, spécialement, un peu vieille. Euh, donc du coup, ce n'est pas, euh, voilà, pas un truc qui lui plaît. Par contre, il a une fille qui connaît euh, là-bas, super mignonne, qui travaille. Et voilà, c'est elle. Et bien sûr, ben, il est amoureux d'elle, entre guillemets. En tout cas, il est attiré par elle. Et, euh, sauf que c'est une fille qui, euh, qui vit euh, on va dire, sa, sa, sa sexualité euh, de façon très libre. Et pour lui, ben, c'est une trahison. Parce qu'en fait, elle couche, elle couche avec pas mal d'hommes. Notamment des, des gars du magasin. Et c'est clairement une, une, une trahison pour son petit cœur un, peu, un petit peu pur, on va dire. Et en parallèle, il y a sa mère, sa mère qu'on a vue avant, je vais retourner à avant, qui est, Ses parents sont vieux. Hein, son père est à moitié sénile. Euh, sa mère, voilà, c'est une mamie euh, qui tient à son fils comme la prunelle de ses yeux. Euh, donc du coup, qui décide de le marier. Et pour le marier, eh bien, elle est en train de se renseigner pour lui, lui sortir des, des prétendantes. Je vais essayer de vous montrer un petit, peu plus, un petit peu plus loin. Voilà, pour sortir un petit peu des prétendantes et compagnie. Euh, et où il ne va pas se laisser faire. Et euh, Iwaou, il, 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 il d'un coup, ça lui pète. Et il se casse quelque part. Et il revient. Et là, il se ramène avec une, une nana. Et cette nana, eh ben, c'est euh, euh, Irène. Alors, attends, je vais essayer de trouver. Non, ça, c'est le volume 2. Le lecteur Mangayo n'est pas incroyable. Euh, voilà, c'est Irène, c'est elle qui ne parle pas un mot de japonais, bien entendu, et euh, qui est bronzé alors que là ils sont tous blancs comme des culs, et qui est sa nouvelle femme, il est marié avec. Et donc clairement, euh, ramener ça dans un, un, un trou euh, de, de blanc traditionnel, euh, elle, qui parle quasiment pas, euh, quasiment pas japonais, et en plus qui est extrêmement, extrêmement extravagante. Ça va clairement faire des étincelles, voilà. parce que là, elle qui crie en permanence comme ça, elle est très très vivante, hein, Irène. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est en gros, c'est l'histoire, et ben, ça va sur en fait leur vie à tous les deux euh, de ce côté-là. Alors c'est pas une romance, hein, je vous le dis, hein, parce que Irai, pour ceux qui connaissent Irai, c'est un auteur qui dépeint toujours le côté très obscur de la société, vraiment le côté sale de la société, le côté qui tâche, Et d'ailleurs. Ben là, il va directement parler de tout ce qui est ces mariages mixtes en fait, ces mariages qui ne sont pas faits d'amour, qui sont faits là pour des arrangements. Ben, un homme célibataire avec de l'argent, une nana qui a besoin d'argent pour sa famille, etc. Et en fait, clairement, Irène, elle est achetée, elle est achetée, elle est vendue par sa famille pour avoir de l'argent, pour aller au Japon et faire une vie au Japon et ramener de l'argent, quoi. C'est clairement un trafic humain. Hein. C'est la pègre, c'est tout ça. Même si c'est tourné de façon... c'est une agence, c'est machin, et tout ça, et tout ça. Donc vraiment, il, ra il adore raconter ce genre d'histoire. Et euh, il, est, il est tout à fait raison. Hein. Parce que c'est euh, euh, tout n'est pas blanc hein, dans, dans, dans le truc. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est un petit peu les, euh, la grosse thématique de, euh, de, de, de Irène. Parce que Irène, bien sûr, elle vient d'une famille pauvre. D'accord Et elle n'a pas trop eu le choix hein, pour, pour ça. Et, et d'ailleurs, il va raconter toute la procédure d'achat euh, de, de, de Irène. Euh, sachant que Iwao, lui, ouais, bah là, c'est leur première soi-disant nuit de noces, mais sauf qu'il a, il a un chibre comme un bambou. Donc Irène, elle se barre. <laughs> elle est en train de le dire. Elle a vu un palmier se dresser entre ses cuisses. Tu vois euh, Entre les cuisses. Euh, donc du coup, voilà. Le... le... Le truc, donc voilà, ils ne savent pas communiquer. Donc, euh, le... Et Irene, en plus, c'est euh, une femme enfant, en fait. Hein. Elle est minuscule, elle a une énergie euh, incroyable. Elle crie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle est très fatigante à lire. Hein. Elle crie en permanence et en fait, on n'a pas l'impression qu'elle sera en compte vraiment de ce qui se passe. Hein. Et en fait, entre deux, ça va être très compliqué parce que Iwao l'a acheté. Donc y a déjà, il y a un rapport un peu de... De, de rentabilité en fait de, de son achat parce que lui il veut coucher quoi il veut coucher et au bout d'un moment c'est sa femme et sa femme il faut coucher avec quoi. Et, euh, et Irène elle ben, elle a dit oui mais euh, elle était pas ok pour ça quoi tu vois elle, est, elle était un peu euh, elle, avait, euh, elle, était, elle avait pas vraiment le choix euh, de ce côté là et au fil du manga, ben en fait, les sentiments d'Irène en fait, seront de plus en plus mis en valeur, de sentiments, je ne dis pas amoureux, spécialement par rapport à Ibao ou pas, ça je ne vous dis pas ce qui se passe, mais plutôt par rapport à ben, elle, ce qu'elle ressent, parce qu'elle ben, se retrouve seule euh, au Japon, il euh, y a son mari qui essaie de coucher avec elle en permanence et elle ne veut pas, euh, et du coup, ben, elle va se retrouver à devoir aussi se débrouiller, enfin. En gros, voilà, le, le manga va quand même pas mal se concentrer sur aussi sur, euh, sur Irene ça va évoluer là-dessus, et tous les deux, ils vont essayer aussi d'apprendre à communiquer, euh, etc. Euh, et ce qui est pas mal aussi, c'est la partie euh, relation de couple, qu'est-ce que c'est un couple, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est, euh, euh, je vais pas dire les obligations entre eux, mais euh, qu'est-ce qui est attendu de l'un et de l'autre, euh, parce que voilà, euh, entre Iwao qui a un bambou qui fait, euh, il fait 2m40, le mec il a un bambou, et l'autre qui fait 1m20 et que c'est une femme-enfant, il y a un problème déjà, hein. ça ne passe pas. Euh, et, euh, et puis même, le sexe n'est qu'une composante d'un couple. Et c'est tout ça qui remet en cause. Et surtout, la communication, la chose la plus importante qu'ils n'arrivent pas à faire, Et eh là, ils vont essayer d'apprendre avec un dictionnaire, des choses comme ça, euh, à comprendre ensemble, entre leurs relations physiques et émotionnelles, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc voilà, donc c'est vraiment... Euh, euh, ça remet en question euh, tous ces sujets-là. Je vous montre d'autres planches. Hop, non. Hop. Voilà. Euh, mais sauf qu'en fait, euh, quand on connaît l'auteur, eh ben ça ne se passe pas comme ça. Euh, et l'auteur, lui, il aime bien en faire chier à ses personnages. Il aime bien euh, euh, comment dire euh, que ça parte en couille. Et ça part en couille, clairement. Alors attention, j'essaie de ne pas spoiler. Hein. Là, je suis resté vraiment sur les grandes lignes. Euh, j'essaie de, de rester quand même... Euh, euh, comment dire, vous puissiez découvrir le truc, mais il faut quand même que je, je parle de certains, euh, euh, certaines scènes. Et justement, dans la dernière partie du manga, euh, je sais plus si c'est le volume 4 ou 5, je sais plus, Max, toi si es encore là, euh, si tu t'en tu rappelles. Euh, et à un moment, ben là, il y, y a un virage, il y a un virage qui se fait, et y, déjà il y a beaucoup de cul, euh, clairement, très explicite. Et le cul, du coup, Irène est impliquée aussi dedans. Donc, moi je trouve que c'est un peu dérangeant, notamment avec son apparence de gamine. Donc, ça, c'était des scènes qui étaient un peu discutables. Moi, j'étais pas hyper à l'aise avec euh, ces scènes-là. Hein, ce, son corps ne. Euh, voilà, moi, j'étais un peu gêné. Euh, et c'est. Euh, je ne sais pas comment dire. Euh, euh, et à un moment, voilà, il y a, y a euh, euh, des personnages, je ne veux pas dire qui, quoi, quoi, parce que je vais vous laisser, qui pètent un câble. Et il y a des actions qui se passent, c'est assez violent. C'est assez violent dans, 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 dans ce qui se passe. Donc ça reste pour un public quand même très averti. Un public qui sait à quoi, à quoi s'attendre de ce côté-là. Donc, euh, donc voilà. Donc ça, je ne dis pas plus. j'essaie de rester très généraliste pour ne pas vous, vous dire plus. Mais ça part vraiment en couille à la fin. Je veux dire, là, il c'est y a, y a des points de, enfin, de non-retour hein, par rapport au personnage, par rapport à ce qui se passe. Ça va très loin dans l'histoire. Et ça, c'est excellent. Je veux dire, le, le virage que ça prend, moi, j'ai adoré. C'est plus ce côté, à un moment, euh, ça tape dans le fond, quoi. Hein. Voilà, je vais, le, je vais le dire comme ça. Et, et c'est assez, euh, assez choquant. La, la façon dont c'est fait, c'est assez choquant. Enfin, en tout cas, pour moi. Euh, donc, voilà. Donc, après, ça parle d'autres sujets. Hein. Ça parle de, de rupture entre les générations. Parce qu'il y a la famille, quand même, qui reste traditionnelle. Et euh, ben, ces nouveaux couples qui se forment, ces nouvelles générations. Il euh, y a je sais plus ce qu'il y a après moi il y a des choses qui m'ont un peu gêné moi je disais par exemple Irène qui hurle tout le temps qui saute partout ça m'a fatigué ça c'était fatigant euh, moi j'ai des personnages comme la, la mère d'Iwao, la mamie euh, ça c'est après c'est le les personnages de l'auteur hein. ils sont comme ça euh, qui sont trop alors Zeno tu marques toi elle m'a fait trop rire moi elle m'a moi je, je je rentrais pas dans le personnage le personnage était je sais pas trop dans son truc quoi ça allait même très loin très impliqué on aime on n'aime pas hein. ça c'est après c'est autre chose hein. euh, moi j'étais moins dedans et, euh, et généralement je, je reconnais que enfin, les personnages qui créent sont souvent très extrêmes dans leur comportement et c'est un peu ça peut-être que j'ai du mal euh, les personnages ils exagèrent les traits pour qu'ils aient justement poussé ce caractère là et moi en exagérant ces traits c'est un truc où j'accroche un peu moins dans euh, un peu moins dans le dans dans comment dire dans le récit et dans le ressenti des personnages. Quoi. Euh, par contre, la fin, moi, j'ai beaucoup aimé. La fin, euh, j'ai kiffé la fin, j'ai trouvé vraiment excellente. Et c'est une série, en fait, en y repensant, je l'apprécie même plus en y repensant que la première lecture. Il y avait vraiment des passages qui m'ont gêné dans Irène. Euh, ça, la narration de, de Hirai, hein, donc l'auteur, de manière générale, il y a toujours des choses où j'ai un peu de mal, mais euh, je trouve quand même que c'est ça reste une... Euh, c'est enfin dire, ça reste un, un bon manga hein. oui voilà mais tu vois c'est ça en fait c'est le volume 5 euh, qui t'a sorti de l'œuvre euh, donc voilà moi je suis content de l'avoir lu en numérique j'ai pas un besoin de la posséder j'ai pas envie de l'avoir cette ce truc numérique euh, enfin le, la lecture numérique là m'a suffi amplement je vais vous montrer d'autres pages parce que j'essaie d'expliquer vous montrer en même temps mais mon cerveau et je veux pas aller trop loin dans le récit voilà mais mon cerveau euh, a du mal des fois. Euh, donc voilà, donc euh, je crois que j'ai à peu près tout dit. Effectivement, euh, le volume 6 est vraiment excellent. Euh, vraiment, la fin du manga elle est excellente. Moi, j'ai vraiment aimé. Et puis ce que j'aime chez Hirai, c'est qu'il y a justement toujours un, un point de non-retour. Et c'est ça qui est bien avec cet auteur, c'est que tout va trop loin pour aller en arrière. Et ça, c'est une de ses qualités, c'est qu'il s'en fout. quoi il, il détruit ses personnages, il s'en moque, en fait. Il y va jusqu'au bout et, et c'est pas grave. Par contre, dans la tel que ça se passe, il y a des fois, je trouve que c'est peut-être un, un, peu, un peu long ou euh, ou je sais pas. Il y a, la façon de l'aborder des fois, moi me, me rend, je rentre moins dedans et je pense que je suis moins sensible en fait à cet auteur-là. C'est pour ça. Donc voilà. Donc euh, euh, Irène, j'espère que je vous ai donné vraiment une, une vue complète là de, de Irène, sans trop vous, euh, sans trop vous spoiler. Et sachez que voilà, il y a quand même des scènes assez hardos euh, assez à un moment. Euh, donc, c'est pas pour, euh, pour tout le monde. Je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, c'est le moment. Je n'ai pas plus. Euh, J'ai vu un peu les points que j'avais notés. Euh, je n'ai pas plus. Salut, euh, Guégué, Bienvenue à toi. Alors. Eh bien, si c'est bon, je vais passer au manga suivant. Le, crayon de, de, le, le crayonné de Harai est, est particulier, mais honnêtement, euh, en fait, Hirai, pardon, euh, Hirai, euh, il, est, il aime dessiner des personnages moches, comme il dit. C'est-à-dire qu'il aime dessiner des personnages du quotidien. Et très souvent, on a là, effectivement, les, euh, les, les mangakas ont tendance à dessiner des personnages qui sont un peu trop parfaits, un peu trop propres. Et c'est le problème en fait de... Euh, c'est le problème en fait de. de, de comment dire euh, de, de ce genre de truc en fait. C'est-à-dire que c'est trop lisse. Voilà. C'est trop lisse. Et, euh, et donc du coup, bah, bah, automatiquement, lui, il aime pas ça. Il préfère des personnages euh, du quotidien, des gens qu'on peut trouver dans la rue, et c'est pour ça que les personnages sont pas très beaux. Euh, donc voilà, donc c'est... Finalement, c'est une bonne démarche de faire des personnages trop lisses, trop parfaits, à la série, comme dans les séries américaines. Ben non, en fait, monsieur et madame tout le monde, ils n'ont pas tous les dents parfaits et ils ne sont pas tous euh, impeccables. Quoi. Alors, brochette d'agneau, il peut se trouver ailleurs que sur Mangayo, bien sûr, puisque euh, tu peux l'acheter chez Black Box en physique. Euh, voilà, comme Arnaud le, le précise. Euh, moi, je l'ai profité de lire sur Mangayo parce que je suis abonné, mais euh, tu peux acheter des 6 mangas. Alors, je propose d'attaquer le prochain manga. Alors, le prochain manga, vous l'avez vu sur la couverture. Vous avez vu, je vous mets des petits teasings de, de quoi on va parler sur, le, euh, sur la pochette, à hein, chaque fois, sur les, les, les vignettes. Euh, et on va parler de Dragon Ball Super. Euh, et Dragon Ball Super. Euh, alors, il faut savoir que j'ai chopé des fichiers. Hein, euh, je vous le dis, j'ai pas de honte à le dire je ne vais je ne dépenserai jamais un euro pour Dragon Ball Super je vous le dis de suite euh, voilà ça c'est le genre de spin-off euh, machin et euh, en fait j'ai trouvé une version une version, pardon, une version euh, couleur et franchement c'était cool alors les couleurs elles sont assez simples mais c'est efficace moi j'aime bien donc je vais vous en parler euh, après de ça euh, du coup euh, donc Dragon Ball Super alors, qui a lu ou vu Dragon Ball Super. et Je vais en parler parce que Dragon Ball, moi j'adore ça, donc il faut en parler. Euh, alors moi perso, j'ai tout vu, hein, Dragon Ball, hein, j'ai tout lu, tout vu, hein, euh, que ce soit les, les animés Dragon Ball, Dragon Ball Z, euh, les GT et Dragon Ball Super, j'ai tous vu à l'époque où ça sortait, enfin ça sortait, c'était fan B hein, bien sûr, parce que la Toei ne voulait pas diffuser ça en France, ils voulaient que la série soit finie, et là on fait fuck, on veut voir Dragon Ball Super donc voilà. Euh, oui, Toriyama en a besoin pour acheter ses maquettes. Hein. Je sais, Boris. Euh, donc euh, voilà. Et donc du coup, moi, j'ai vu l'animé. L'animé, il y avait quelques parties qui étaient sympas, mais dans l'ensemble, c'était euh, moyen, voire mauvais, euh, tout le temps. Et, euh, et donc du coup, euh, voilà. Euh, donc euh, je me suis dit, bon, le manga, je ne vais pas me lancer dedans, je vais attendre qu'il y ait plein de volumes, et puis j'ai oublié, et puis j'ai fait, ah, mais il y a déjà 17 volumes, bon, mais ça serait bien, je les lise. Et quand je suis allé à la Japan Expo, j'ai fait ça. C'est le genre de série qui est parfaite pour le train parce que euh, on se prend pas la tête, on lit, même si on est un peu fatigué, on enchaîne et c'est pas grave. Quoi. Et justement, Mania, qu'on va en parler comme ça, ça permettra de te, te faire ton avis définitif dessus. Euh, donc du coup, je l'ai lu et euh, donc déjà la série animée, elle avait quand même beaucoup de défauts. Elle avait des épisodes qui étaient quand même assez nuls et longs, mais il y avait des petits trucs sympas. On va revenir dessus, d'accord Donc Dragon Ball. C'est clair aujourd'hui et ça fait longtemps. C'est une licence, c'est plus une œuvre. Donc euh, il faut partir du principe que autant la série originale c'est l'œuvre, autant le reste c'est une licence. Et qui dit licence, bah, dit qu'on décline à gogo et que le but c'est faire du pognon. Hein. C'est pas pour, euh, pas pour, euh, pour ça quoi. Euh, et donc du coup, euh, il faut savoir que maintenant c'est surtout un univers cross média. Donc si vous n'avez pas vu les films. Si euh, vous ne regardez pas la série en même temps, euh, etc., et bien, vous pouvez pas euh, tout lire. Donc, il y a eu un film, Battle of God, qui était ennuyé à mourir. Il y a eu la résurrection de F, qui était cool, mais tellement facile en scénario et tout que, bon, pff, il a très, très peu d'intérêt. Et, euh, et là, en fait, quand ils ont, euh, ils ont sorti l'animé, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu faire pareil un manga. Alors, en soi... Pourquoi pas proposer les deux Le problème, euh, ben, c'est qu'en fait, euh, y a, y, le début est survolé. quoi. Pour ceux qui l'ont lu, le début est survolé. C'est-à-dire qu'il il résume à l'arrache, il... je passe un petit peu, il résume à l'arrache, euh, juste histoire d'introduire les persos, il coupe des passages, et des fois, il y a une page de résumé, euh, ils s'en battent les couilles, <laughs> en fait, c'est n'importe quoi. Et des fois, il y a des éléments qui sont tout simplement incompréhensible si tu n'as pas vu les films, si tu n'as pas vu la série télé. Donc ça c'est quand même assez incroyable quoi. Euh... Donc du coup, euh, voilà, bon en gros euh, on a ça. Et on a des persos, genre euh, la bande à pilaf, elle est où cette bande à pilaf Elle est... Je sais plus où elle est. À un moment il y a la bande à pilaf, elle est là, elle n'est pas du tout introduite, on ne sait pas pourquoi elle est là, ils ont tous rajeuni, on ne sait pas pourquoi non plus, c'est un peu n'importe quoi. Et, euh, et donc, du coup, voilà, on ne sait pas, sachant qu'il ne servent à rien. Voilà, de toute façon. Donc, voilà, euh, là, ce qui est dommage, par exemple, au début, c'est que dans Dragon Ball Super, ils avaient la possibilité, vu que ça sortait en même temps que l'animé, de faire deux versions différentes. Mais on ne sait pas pourquoi il fallait que les deux soient collés. Alors qu'en fait, enfin, identique, Donc, ben, le mec, là, qui a repris Dragon Ball Super, il était au taquet, quoi. Je veux dire, il ne pouvait, pouvait pas suivre un studio d'animation et, et lui, en train de dessiner. Euh, donc du coup, il a fait un peu un truc à sa sauce, bancal, il manque des éléments, et ça, déjà, c'est dommage parce que l'œuvre en soi, elle n'est pas autonome. Donc déjà, un man... tu lis un manga qui n'est pas autonome, donc que tu es obligé de voir les films, tu es obligé de voir les trucs, tu fais... Déjà, c'est un peu nul, hein. euh, clairement. C'est clairement un peu nul. Euh... Donc voilà, donc du coup, là, ça reprend euh, l'arrivée des dieux, mais à l'arrache, hein, pour ceux qui ont vu l'animé. Ça reprend le premier tournoi entre les, entre les dieux, un tournoi qui est clairement de trop dès le début. Il euh, y a Black Goku euh, qui est plutôt sympa sur le principe avec le retour de Trunk, mais euh, ben, c'était quand même ultra facile euh, en termes de scénario. Hein, parce que ah, ben, Trunk, il est cool, on va remettre Trunk. Voilà, il est là. Euh, Trunk est cool, on va, on va le remettre et, euh, et ça va être vachement bien. Et en plus, Mei, elle est grande alors que elle est toute petite ici alors que dans les premiers Dragon Ball eh ben, en fait elle est, elle, est, elle, est, elle est grande dans les premiers Dragon Ball, j'ai revérifié dans mes livres elle, elle est grande euh, enfin pourquoi vous la faites minuscule qu'est-ce qui s'est passé, j'ai peut-être raté un truc dans l'histoire euh, et après il y a le fameux tournoi intergalactique vous savez le tournoi là, qui met en péril les univers parce qu'on découvre qu'il y a 45 univers qui est euh, clairement rushé par rapport à la version animée hop là qui est clairement rushé, mais à la limite qui est qui reste lisible. Voilà, il y a moins de perso, mais ça fait très redondant. dedans. Euh, voilà. Et c'est à partir de l'arc du tome 9. Vraiment le tome 9, que c'est inédit. Voilà. Oui, mais voilà, comme tu dis, ça, ça reste facile dans, dans le scénario, c'est Dragon Ball. Mais euh, ça n'empêche pas de pouvoir faire des trucs euh, cool. Donc voilà, ça c'est le fameux tournoi euh, machin. Alors il faut savoir que là Goku a euh, car, car, la 40 e transformation mais je reviendrai après. Voilà donc, et voilà là. Euh, volume 9, ah non, c'est dans l'autre sens. Voilà, 26, 27, 28. Hop, on va passer à la fin. Voilà, et là par exemple, un exemple. Il commence un nouvel arc. Et là, ils font... Ah ouais, au fait, euh, lui est toujours vivant, puis il euh, y a eu un combat avec Broly dans le film Super Broly. Voilà, sachez-le, parce que ça pourrait aider pour plus tard. Alors qu'en fait, les films, ils ont toujours été indépendants. Le plaisir, c'était justement de ne pas savoir où les remettre dans la timeline, mais de se dire que ça passe à peu près par là. Et là, eux, ils le mettent dans la timeline. Voilà, ça, c'est pas ball là. là, ils se sont un peu, un peu plantés. Et donc, on arrive à un arc, c'est l'arc de Moreau, euh, qui là, est 100% inédit. Et on reprend un peu le personnage des anciens personnages. Euh, et franchement, je trouvais que l'arc Moreau... Assez classique parce qu'il y a un méchant qui arrive, euh, tout ça. Voilà ce fameux méchant là qui va rajeunir. Ça fait penser un peu à Piccolo hein, euh, dans, dans l'approche. Hein. Euh, ben, honnêtement, bah, c'était pas mal. Moi, je, je n'ai euh, pas boudé mon plaisir. C'était pas incroyable. Euh, mais on reprend euh, les basiques, les boules de cristal. Euh, et c'était plutôt pas mal. Euh, donc euh, voilà. Et après, il y a un nouvel arc après. Euh, qui est le guerrier euh, le plus fort de je sais pas quoi. Euh, je crois pas qu'il est je crois pas qu'il est là euh... non c'est le 16 et 17 euh... ouais c'est le 16 et 17 un nouvel art qui commence plutôt cool donc je me dis euh, voilà pourquoi pas ça a l'air assez euh, assez euh, assez sympa euh, de ce côté-là. mais il faut le prendre pour ce que c'est c'est à dire que il faut prendre comme des histoires supplémentaires mais L'arc Moro et le nouvel arc là, du guerrier euh, le plus fort là, grâce aux boules de cristal. Euh, on va dire que là déjà, c'est un peu plus travaillé. C'est plus travaillé, il y a un peu plus d'intrigue, un petit peu plus de... de comment s'appelle D'enjeux. Euh, mais ça reste très facile. Genre à un moment, Moro euh, qui n'achève achève pas, euh, Sangoku et Vegeta à moitié mort. Euh, et, là, et là, tu fais mais... Mais non en fait tu les achèves, enfin je sais pas, tu, tu dis pas ils vont mourir dans, dans quelques instants, enfin c'est des trucs comme ça quoi. Et là c'est... Bah, franchement c'est un peu facile quoi. Alors, je, je vais lire un peu le, le chat là, parce que vous êtes lâché là. Euh, tout n'est pas à jeter, on est loin d'assez original pour moi, mais euh, en ce moment on a atteint des sommets de n'importe quoi. Alors on va en parler sur les transformations. Donc euh, voilà. Euh, on passe des cheveux blancs pour le du temps à trois tonnes de texte pour expliquer les couleurs de cheveux. Et oui, et oui, 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 oui. Parce que moi je l'ai lu en couleur, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ah tu es en Cyan en, en, en Blue. Oui, ben, moi je le voyais, c'est en Cyan Blue. Mais quand en noir et blanc, parce que les deux derniers volumes, je les ai lus en noir et blanc, ils sont pas en couleur. Bah du coup es là, tu rigoles, tu fais oui non mais débile quoi, débile. Euh, donc voilà, Dragon Ball GT c'était de l'animation effectivement. Euh, scénario dans Dragon Ball toujours facile, oui. La seule raison d'existence, c'est l'argent. Mais oui, mais voilà, c'est une licence. Il faut le voir comme une licence. Euh, les, transforma les, oui, voilà, oui, les transformations, on peut, on peut en rigoler. Le personnage Monaka, donc ça, c'était rigolo. Boris, aucun enjeu, aucune étoile. L'histoire est banale. Ah là là, je... <laughs> il y a plein... Oui, alors les échelles de puissance ridicules et les incohérences, ça c'est incroyable le nombre qu'il y en a. Euh, ça, on va, on va en parler, c'est du gâchis, on est d'accord. Et euh, c'est devenu Deltonier. Daltonian <laughs> bol super, c'est exactement ça. Non non mais vous avez raison, hein, je suis pas en train d'essayer de dire que c'est on sauve les meubles. Et justement, euh, c'est ce que je disais. Autant bon, les deux dernières arcs j'ai bien aimé, mais alors, le début on sentait que c'était clairement le studio d'animation qui a tout fait et là mis en manga c'est une erreur. C'est clairement une erreur et on voit que euh, dans le début il a copié les éléments sans pouvoir participer à tout ça. Et on a des épisodes qui sont hyper longs, pas intéressants, on a de la redondance, ça surf, à mort sur la nostalgie, voilà, genre ce qui revient, voilà, c'est gratos, quoi, tu vois. Euh, et même des fois, on a même l'impression de lire des fillers. en fait. Euh, genre, ils sont en train de jouer aux cartes, euh, et tout comme ça, enfin, tu fais, c'est n'importe quoi. Il y a des refs euh, à Dragon Ball, il y a des refs à tout comme ça, enfin, à Doctor Slump, euh, et compagnie un peu facile, enfin, ça manque beaucoup d'intérêt, et on en parlait tout à l'heure. Euh, c'est dans la surenchère, dans les transformations, euh, les Dragon Ball de tiny planète, euh, toujours plus grand, euh, etc. Et moi, il y a des trucs qui m'ont dérangé, par exemple, c'est des trucs genre, oh, tu regardes YouTube. Ben, Est-ce que tu as besoin de, 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 de dire ça, en fait euh, L'univers est assez riche pour créer son propre système de, de trucs et tu fais YouTube. Genre, c'est YouTube pour les dieux. Et, et, et c'est nul, en fait. C'est genre nul, t'as pas besoin de ça, en fait. En plus, Dragon Ball, ça a sa, sa propre technologie. Enfin. Je sais pas, de, de vouloir trop calquer avec notre univers à nous, tu fais mais non en fait, Dragon Ball il a son univers, tu copies pas notre univers pour le, le retranscrire. Euh, voilà, et puis il y a des incohérences, genre Pilaf qui est intelligent alors qu'il va à l'école, mais, mais il trouve des trucs hyper intelligents, tu fais pourquoi tu vas à l'école Alors qu'il va à l'école avec Trunk et Goku, hein, euh, et Goten je veux dire. Euh, donc Mei qui est grande et petite alors que dans Dragon Ball elle est en taille normale. Uh, un moment Vegeta genre qui dit Ouais, j'accepte d'être moins fort que Goku, vas-y D'où Vegeta accepte d'être moins fort que Goku. Voilà. Uh, donc, par contre, uh, passer ça, je trouve quand même que je disais, les arcs étaient un petit peu plus recherchés. Et que l'auteur, en tout cas, Tarou je crois qu'il s'appelle, il essaye en tout cas d'apporter plus de nuances, un peu plus d'histoire uh, dans... Dans... dans tout ça. D'accord. Et il euh, y a des petits rebondissements, euh, y a, ça tombe un peu moins dans la facilité, même s'il y en a bien sûr. Et euh, comme je disais, hein, le truc euh, il est à moitié mort. Et on peut voilà, pointer plein de problèmes, et notamment ces fameuses transformations. Déjà que dans Dragon Ball, la série basique, il y a déjà deux transformations de trop. Hein, parce que la première, elle est hyper cool. Mais la Dragon Ball, la, la numéro 2, où ils sont juste plus musclés, euh, plus forts, zéro idée, hein, nul. Et la 3, que, qui est boudée, parce que euh, à part Goku et la fusion de. Euh, la fusion de, de, de les Gotrenks, euh, qui ont les cheveux longs, personne n'utilise cette transformation. Donc, on sent déjà dans Dragon Ball, il y avait deux transformations de trop. Et là, les mecs, ils arrivent, et ils font Alors, euh, vous avez les cheveux rouges, le premier divin, vous avez les cheveux bleus le Blue god et euh, donc déjà ces deux elles sont en trop euh, clairement aussi et la dernière euh, qui est euh, le, le gris alors couleur gris c'est naze, hein, parce que de toute façon au bout moment ils ont plus de couleur alors euh, ils y vont et l'ultra instinct qui est appelé euh, réflexe transcendantal euh, dans les euh, euh, dans les dans le truc oui, oui je mets ça dans un plaisir coupable totalement assumé hein. Euh, je veux dire, je, je l'ai je lu en étant très cool avec l'œuvre. Hein, dans le sens où ouais, je, je pointe les incohérences, je pointe tout ça. Mais je l'ai lu en mode Ah, c'est Dragon Ball, c'est emballé mmh. Et euh, tu, euh, tu lis, tu te prends pas la tête. Euh, et, euh, et le début, les neuf premiers étaient un peu ben, redondants. J'avais vu l'animé, j'étais là bof, voilà. L'arc euh, Trunks, euh, Black Goku, ça va, bah, il était sympathique. Les autres, et tournois, étaient pas top. Et après, Moro et le dernier arc, je l'ai trouvé assez cool à lire et j'ai pris du plaisir à lire. Donc là, on était dans du pur plaisir coupable. Et pour moi, Dragon Ball Super, il commence au volume 9, en fait. Euh, c'est à partir de là qu'il commence. Le reste, c'est pas. Ça a jeté. La suite, c'est cool, mais le reste, c'est à jeter. Ah oui, il y a le Blue Kaioken aussi, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et, euh, et ce fameux réflexe transcendantal, alors je trouve que la version française, j'avais lu des trucs comme quoi c'était plus proche. Euh, mais en fait, Ultra Instinct, je suis désolé, mais ça, ça claque. <laughs> ça claque. Et honnêtement, dans l'animé quand l'Ultra Instinct est arrivé, moi j'ai kiffé. Là, j'ai kiffé. Là, c'était le plaisir coupable absolu. Parce qu'avec la musique qu'il y avait là, là tin, 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 est le truc vraiment bien. Et, euh, et là, Goku qui est en mode transcendé avec ce, cet Ultra Instinct, et qui justement, c'est des réflexes et tout. Je trouvais ça cool, franchement, et ça aurait dû être ça pour moi, la deuxième transformation de Goku. Il n'y en avait pas d'autres, et là, ça aurait fait un truc incroyable. Bon, sauf qu'on était déjà à la transformation 45. Donc, du coup, euh, aujourd'hui, dans le manga, la transformation ultra-instinct, zéro. Mais zéro, zéro émotion, nul, plat, plat, mais vraiment plat. Donc, ça, c'est vraiment dommage. Mais surtout, et bien, en fait, Goku, il maîtrise ce réflexe transcendantal. Mais un réflexe, c'est une c'est automatique en fait, c'est involontaire, c'est un truc qui se qui ne se contrôle pas, un réflexe, mais il le maîtrise beaucoup, et, et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable d'arriver à ce niveau de nullité en fait euh, scénaristique en se disant, c'est dommage, putain, t'avais t'avais mis des enjeux, des mecs pas mal et tout, et là, tu me sors, j'arrive à maîtriser mon instinct, non, ça n'existe pas, voilà, c'est. Je, je sais pas. En fait, Goku, quand il joue au poker, tu vois, il a que des cartes joker. Tu vois, à chaque fois. Ah, j'ai un carré de joker, mec, je te nique. <laughs> non, en fait, ça, ça marche pas comme ça. Donc voilà, donc Dragon Ball Super, c'est une licence. Il faut la prendre pour ce que c'est. Euh, moi, je la lis dans ce sens-là. Je, je me fais pas chier. Je, vous montre, je vais vous montrer quelques images de plus. Moi, j'aime bien cette version couleur. Hein. Je la trouve très cool. Euh, c'est vraiment un, un, un Space Opera maintenant, parce que ça se passe plus dans l'espace que sur Terre. La Terre n'existe plus. Il y a des bonnes idées, il y a des très très mauvaises idées aussi. Euh, moi, voilà, je vous ai dit déjà les, les, les parties que, que j'aimais. Euh, dans l'ensemble, ça reste assez décevant. Mais euh, tout n'est pas à jeter. Voilà. Moi, ce que je regrette surtout, c'est le manque d'autonomie euh, de, de la série. Je pense qu'ils auraient dû clairement partir sur, un, euh, sur euh, un, une histoire différente. Et l'anime et le, le manga ne devaient euh, pas raconter la même chose. À la limite. Il posait des bases sur les personnages, les dieux, l'univers et tout ça. Et après il partait sur autre chose, mais il le racontait un peu différemment. Là, il n'y avait pas d'intérêt à, à le refaire comme ça. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire? Euh, voilà, j'essaye pas de faire le euh, c'est génial parce que toute façon, enfance, ou, euh, con, euh, de toute façon c'est mon enfance, ou le vieux con, de toute façon c'est nul parce que euh, le seul l'original est bien. Euh, voilà J'essaye quand même de trouver le, le meilleur dans les deux, mais il faut le prendre de façon euh, un, peu, un peu détachée et, euh, et pour ce que c'est. Euh, donc voilà, je crois que j'avais à peu près tout dit. Euh, voilà Et après, de toute façon, quoi qu'il arrive, si je retrouve, moi j'achète pas. Ça ne m'intéresse pas. Et, et en plus, l'édition euh, voilà elle est ultra basique. Si je devais acheter ça, dans tous les cas, ça serait du numérique à tout péter. Et il en battra jamais cette belle version couleur. On est d'accord. Moi, cette version couleur, en fait, je pense que ça passait un petit peu mieux avec, parce que ça, ça faisait un peu animé comics. Vous savez, quand ils adaptent l'animé mais euh, version manga, ça fait animé comics, et je trouve que euh, ça, ça pardonnait un petit peu mieux, en fait, le fait d'avoir ça. Attends, je ne sais pas si là, voilà, mes pages double. Le fait d'avoir ça, et j'avais l'impression que euh, bah, du coup de lire, en fait. De le, la version animée, et je trouvais que ça passait mieux de le voir dans ce sens-là, en mode oh, ben, en fait je suis en train de, je suis en train de, 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 de lire l'animé. Voilà, et c'est un peu comme ça euh, derrière. Alors je pourrais passer une soirée sur Dragon Ball Super, euh, en parler arc par arc, euh, et tout, euh, ça sert à rien. Euh, mais je lirai la suite, clairement, mais euh, ça fera pas partie de, de ma collection. Donc voilà, vous avez mon retour sur Dragon Ball Super. Quand on parlera de Dragon Ball, je raconterai autre chose dans la prochaine euh, Mangatech. Mais euh, je me suis dit ben là, c'est l'occasion de parler de Dragon Ball Super. Euh, ça, serait, euh, ça, ça, ça serait cool. Là. Voilà, j'espère que je vous ai absolument convaincu. On est d'accord Vous avez tous l'acheter sous ce lire maintenant. Alors allez, je vous propose qu'on ne passe pas plus de temps sur celui-là et qu'on enchaîne parce que j'ai encore pas mal de trucs. On va rester tard ce soir, hein, je vous le dis. Hein. Euh, alors j'ai lu récemment... Hop là, la, la BD Goldorak. Alors la BD Goldorak, euh, là on va parler d'une grosse licence. Ok. Ah. Euh, qui l'a lu cette BD Goldorak Ah, parce que moi, il faut savoir, perso, que Goldorak, j'ai jamais été un fan. Euh, la licence en soi m'a jamais, euh, m'a jamais réellement plu. Euh, je sais pas, ça m'a jamais attiré. L'animé m'a jamais attiré plus que ça. Euh, et les gros robots en général, ça n'a jamais été mon kiff. Euh, et à part quelques séries euh, comme, euh, euh, comme, euh, euh, comment s'appelle, euh, comme Evangelion ou Metal Panic, qui au final, les mechas étaient une composante de l'histoire. Et donc là, quand Kana a sorti sa BD, je suis en train de parler l'accent là, quand Kana a sorti sa BD du coup, sur Goldorak, euh, je ne vais pas le cacher, euh, j'avais un petit peu des appréhensions sur la BD. Hein, J'étais là en mode, est-ce euh, que c'est pas une BD pour les boomers, qui sont un petit peu en manque de nostalgie Est-ce euh, que c'est pas une BD qui sent le pognon, euh, que tout le monde va acheter parce que, euh, parce que voilà c'est Goldorak Et euh, donc du coup, j'avais eu le jugement très très facile. Euh, dessus, j'avoue, hein, personne n'est parfait, mais j'ai un peu euh, un peu fait la, la pute là, et j'étais là, ah, merde. Et j'ai quand même eu la curiosité de le lire, hein, et je me dis, bon bah allez, je vais le lire sans préjugé, et, euh, et donc je ne suis pas parti en mode, ouais, c'est de la merde et tout, euh, je, non, je vais le lire euh, euh, tel que, tel que c'est. Et euh, je, en fait, je me suis régalé. J'ai je, je, vraiment kiffé ma lecture. Et j'ai vraiment kiffé ma lecture de Goldorak. Je ne pensais pas. Qui euh, fait ma lecture Attendez, est-ce que non C'est comme ça, voilà. Je ne pensais pas qui fait ma lecture. Et euh, en fait, j'ai vraiment, vraiment aimé euh, le, la BD. Alors au début, ça commence par un petit résumé qui reprend euh, la, la série animée. Il faut savoir, c'est vraiment une suite à la série télé, d'accord Parce qu'il euh, y a plein de, de formats différents et chacun a sa, sa propre histoire. Et donc, du coup, euh, donc était, ça était parfait pour moi. Je pouvais euh, me remettre sur le, le, les anciens, enfin, tu, enfin, comprendre. En fait, j'ai pas besoin de regarder la série télé, hein, je veux dire. J'avais un petit récap de ça et je pouvais directement lire. Alors, visuellement, ça fait très comics, comme vous pouvez voir. Mais je trouve que c'est <coughs> un mélange qui, qui est surprenant, mais qui marche très bien. Euh, de, de ce côté-là, c'est très beau. Honnêtement, c'est très, 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 très beau. Euh, j'ai rien à dire sur, le, sur les dessins et tout. Les couleurs, elles sont superbes. Un moment, j'aimerais bien, voilà, il y a des, <coughs> voilà, genre le, le Golgo qui arrive. Les couleurs sont vraiment superbes et euh, le, comment dire, le, moi, je l'ai lu en plus sur la tablette. Je l'ai lu en numérique et sur la tablette, les couleurs, elles, elles, elles c'est pimpante, quoi. Et c'était vraiment euh, excellent. Les robots, <coughs> ils ont une prestance euh, super. Il y a vraiment l'effet de comment dire l'effet d'échelle on le voit par rapport au bâtiment on le voit par rapport à tout ça clairement <coughs> il y a eu un super travail là-dessus et je trouve que c'est vraiment euh, génial quoi les robots ils sont puissants euh, il y a eu un énorme travail là-dessus on sent vraiment le gigantisme des robots ça c'est vraiment euh, génial et euh, il y a même certains, certains plans euh, souvent en fait souvent les plans j'avais noté la page 91. Je ne sais pas si c'est avant. Bon, voilà. Il y a souvent des images comme ça où on voit euh, les, les mecs avec la taille du, euh, du robot. Euh, là, voilà, le, le vaisseau derrière. Et souvent, il y a, il y a ce côté... Euh, euh, voilà Là, derrière, on le voit, là, le, le vaisseau qui est dans l'eau. Et à chaque fois, tout le temps, il y a ce, ce, cette mise à l'échelle. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié l'histoire. Alors que pourtant, c'est une suite. Hein. Et le traitement des personnages. Ce n'est pas juste... Euh, ils sont là pour battre des envahisseurs, ils ne sont pas juste pour euh, les méchants pour tuer la Terre, enfin pour essayer de détruire la Terre. Et en fait, les, là, les méchants, eux aussi, en fait, ils sont victimes d'injustice et la BD, elle fait en sorte de, de qu'on les comprenne et qu'on se mette à leur place. Donc en fait, les envahisseurs, ils sont énormément humanisés euh, dans ce... Hop là, dans, dans le récit. Je vous mets quelques planches. Ils sont vraiment humanisés dans, dans ce récit et... Et en plus euh, voilà on n'est pas un simple combat du bien contre le mal quoi et euh, comme le, comme le générique le disait. Euh, voilà, et, euh, voilà, et surtout on va voir aussi leur système, leur diplomatie, leurs règles internes, leur sens de l'honneur. on va voir toutes ces, toutes ces choses là euh, derrière et, euh, et je trouve que les auteurs ils ont fait un super travail justement d'approfondir de, de, tout ça et d'avoir un truc bien c'est pas un truc binaire en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment plu. Ça propose une vision très moderne de Goldorak avec des personnages euh, beaucoup plus contemporains, avec euh, voilà, des, des, euh, des, euh, des nanas euh, actives, etc. Donc, franchement, c'était cool euh, de, de le lire. Euh, ça aurait pu être un produit, mais totalement bancal. Hein. C ça aurait pu juste faire plaisir aux quarantenaires euh, et compagnie. Et en fait, non, c'est une vraie suite directe. Euh, qui rend totalement hommage à Goldorak et surtout qui respecte l'univers et même qui l'embellit, je trouve. Euh, donc, ça, voilà, je trouve ça assez cool. Maintenant, j'ai pas, pas vu la série télé, donc peut-être qu'il y a des choses qui étaient déjà dans la série télé. Hein. Donc, moi, je peux que vous le conseiller fortement. Euh, euh, moi, voilà, j'étais pas sensible à ça. En plus, j'avais lu les mangas il y a très longtemps, je les avais trouvés assez nazes. À la limite, le one-shot de Gonaga il était pas mal, mais les quatre autres étaient vraiment mauvais. Euh, et donc d'avoir lu ça, et ben en fait ça m'a donné envie de relire Goldorak, et du coup ça m'a donné envie de euh, lire la saga avec Mazinger Z, et c'est pour ça que j'ai acheté Mazinger Z suite à la BD de Goldorak. Voilà, c'est pour ça. Euh, donc voilà, donc c'est un petit peu euh, ce qu'on a. <laughs> si je mets la page, je sais pas, moi 30 euh, Et donc c'est très euh, très joli, hein, à chaque fois. Euh, dans la mise en case, dans tout, et tout est très très compréhensible. Hop là. 100, je sais pas, 120, on va aller. Hop là, je vais mettre page par page, ce sera mieux. Voilà, tout est très compréhensible. Voilà, là, il euh, y a beaucoup d'effets. Euh, franchement, c'est beau, quoi. Si je vous zoome. Euh... Hop là. Vous voyez, c'est vraiment super quoi. Donc je peux que vous conseiller cette BD. Elle est vraiment euh, très bien. Ce n'est pas un produit dérivé euh, bête et méchant. C'est un vrai travail de fan et euh, qui est 100% respectueuse euh, de l'œuvre originale. Euh, donc voilà, Donc euh, gros conseil. Alors j'en je, parle là comme manga parce que parle, je, normalement, les, si je lis des comics ou des BD, je les mets à la fin du live. Mais le truc, c'est que comme là, je voulais parler de Goldorak, du coup j'en parle maintenant. Donc voilà, donc ça, très très bon. Donc voilà, pour la BD Goldorak. Euh, maintenant, du coup, on va passer au Goldorak en manga que j'ai relu. Ah, c'est une spéciale Goldorak là. Hein. Et Goldorak en manga, c'est. Euh, euh, voilà, c'est soit 4 volumes, soit un volume, c'est lui qui a dessiné. Alors effectivement, là, je vois. Euh, euh, on associe souvent Gonagai à Glendizer, mais il a participé au scénario de la série. New... Ok. Euh, ben en fait, justement, de ce que j'ai pu comprendre, les Mazinger Z, hein, il n'est pas au dessin, il n'est qu'au scénario. Et, euh, et j'étais assez surpris parce que euh, c'est mentionné nulle part hein, sur les mangas. Euh, je regarde, mais il y a juste marqué Gonagai, quoi. Et à aucun moment il y a marqué que c'est un autre auteur qui a dessiné. Je vais voir dans les crédits, mais. Non, c'est marqué nulle part en fait. C'est assez fou quoi. Et, et sur internet, justement, je voyais que euh, il, il, c'était un autre auteur qui a dessiné. Et non, même c'est marqué histoire et dessin de Gonagai dedans. Donc, est-ce que Mazziniro c'est bien Gonagai C'est la question que je pose. Alors moi je me trompe de, de série. Ah tu parles de Grandizer et peut-être c'est avec Grandizer alors. Je me trompe peut-être. Hein. Parce qu'il y a tellement de noms, j'ai peut-être dû confondre. Alors, rapidement, parce que euh, c'est déjà écart et j'ai plein de choses encore à, à vous parler. Euh, le, euh, le one shot. Ouais, c'est un one shot. C'est un one shot qui ne perd pas son temps. Hein. On peut dire que dès le début c'est combat direct, hein, ça explique après, on introduit assez rapidement les personnages, on enchaîne sur la suite. Il euh, n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il faut y aller. Hein, on, on comprend que c'est une œuvre qui s'adresse clairement à ceux qui ont lu Mazinger Z et glouette Mazinger, ce que j'ai acheté. Euh, donc c'est un spin-off. Hein, c'est un spin-off. Il euh, y a des apparitions des anciens robots, des personnages qui ne sont pas présentés, mais qui existent dans l'univers. Euh, donc voilà. c'est le Begita. Euh, donc du coup, euh, il faut, il y, a, il, y a le, il y a le pilote de Mazinger dedans justement. Mais euh, dedans, je trouve que l'ambiance, le dynamisme de, de, de l'histoire de Nagai en fait, ça il sait y faire. Euh, les robots sont cool, les combats sont cool. Euh, il y a la prestance en fait dans les, euh, dans, 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 dans les robots. Il y a aussi ce côté gigantisme et derrière. Et euh, je trouve que euh, ça franchement, c'est super bien fait. Alors là, les ennemis, c'est des méchants, hein, des méchants pour les méchants. Leur stratégie, euh, c'est pire en pire en atrocité. Et surtout, il y a vraiment un côté atroce en fait dedans. Ils, ils sont vraiment méchants, <laughs> c'est-à-dire qu'ils détruisent les humains, ils, 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 ils les défoncent. Et à un moment, euh, il y a un robot, alors je sais plus, euh, je crois que c'est vers la fin. Vers la fin, ouais, voilà. Genre, ils accrochent des humains sur les robots, ils se battent, ils sont à moitié écrasés, ils sont totalement explosés et tout. C'est incroyable, incroyable le truc. Moi, ça, j'ai bien kiffé. J'aime bien qu'un Gonagai il est méchant comme ça, gratuitement. Je trouve que les Golgothes aussi sont super cool, toujours en soucoupe en fait. Ça, c'est une particularité. Et euh, je trouve que c'est original et, et vachement bien. Euh, voilà, les, entre les scènes violentes et tout. Voilà, je, je trouve qu'il y a un côté cool à, à ce, à ce one-shot. Alors, le scénario, il n'est pas hyper développé. D'accord Il n'y euh, a pas vraiment de fin. À la fin, c'est un mode, oui, on sera toujours là pour sauver la Terre. Euh, derrière, mais c'est pas un... euh, J'ai je... pas passé un mauvais moment. Je l'ai trouvé franchement sympa à lire, mais je pense que ça va être sympa, encore plus sympa si on a lu les anciens avant. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Euh, donc voilà, donc lui à l'époque je l'avais quand même bien aimé. J'étais je... sur une note en mode positive dans le sens où il y a euh, le. Comment dire il y a le côté euh, euh, cool de, des robots et tout, et une note un peu déçue où c'est pas plus développé que ça. Euh, donc voilà. Merci Eden pour les pour la confirmation. Euh, donc, si vous devez découvrir Goldorak euh, version manga, sachez que c'est un spin-off. Il est euh, rattaché aux autres. Mais je ne boude pas mon kiff. Et si je devais en garder qu'un, clairement, je garderais le one-shot. Euh, clairement. Voilà. Et on va parler maintenant de Goldorak au scénario, mais avec. Enfin, il y a marqué une histoire de Goldorak, de Gonagaï, je veux dire, avec les dessins de Kosaku Ota. Et là, c'est pas pareil. Hein? Donc, euh, ça, c'est le Goldorak qui est sorti à l'époque euh, chez, chez Dybex euh, en de volume. Et donc là, le premier truc, moi, qui m'a choqué, c'est un peu le dessin, en fait. C'est-à-dire que le dessin, je vous montre au volume 2, c'est plus parlant. Déjà, c'est pas très beau hein, par rapport à Gonagai. Euh, c'est pas très beau. Et surtout, les personnages, ils sont en mode SD. Regardez. Enfin, euh, euh, alors, c'est pas du SD, mais vous voyez, ils sont en mode euh, comique, euh, etc. Enfin, c'est pas du tout. On retrouve pas du tout le côté très sérieux de la série télé ou sérieux euh, de euh, du one-shot. Donc là, il y a plus y a un humour qui est grivois, qui est un peu nul. Euh, ça c'est là et regardez regardez moi ce goldorak euh, qui, qui dessine goldorak euh, mode parodique comme ça enfin c'est 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 vraiment euh, pas fou quoi euh, les combats euh, voilà les persos ils sont introduits mais sans vraiment sans prestance honnêtement c'est pas ouf Le, les combats sont pas super intéressants on voit clairement que gonagai lui sait y faire dans les combats ils sont super cool lui les combats euh, c'est deux coups c'est fini quoi c'est un peu nul honnêtement euh, les robots, comme j'ai montré, sont dessinés de façon très cari car caricaturale. Et en fait, on a l'impression que Goldorak, par moment, fait 2 mètres. Je ne sais plus où c'est. Mais genre, normalement, il fait 23 mètres, ou je sais plus combien, Goldorak. Il y a des moments où on le voit. On dirait un jouet, le truc. Où est-ce que je peux voir Goldorak en tout petit euh, minuscule J'essaye de voir une scène un peu, un peu naze. Euh, Peut-être pas dans celui-là. J'essaye de voir une scène où des fois tu fais, mais c'est pas Goldorak, ça c'est pas possible. Ah, bien sûr, je trouve pas. Bon, c'est pas, j'arrive pas à trouver, mais plein de fois on voit un Goldorak, euh, mais ridiculement petit. On se dit, j'aurais dû noter les pages quand, quand j'ai lu. Euh... Bon, on voit pas, on voit pas bien, c'est pas grave, je vais continuer à montrer les, les images. Donc euh, et donc du coup euh, donc du coup euh, bref les euh, et, et tous les gags et tout ça sort totalement de la lecture c'est très déroutant euh. alors il y a quand même des points int intéressants dedans mais qui est gâché par cette narration un peu nulle cette mise en scène un peu nulle et euh, et il y a des fois c'est assez violent et tragique par moment on ne sait pas pourquoi c'est donc hyper violent mais surtout ce qui est intéressant c'est les thématiques c'est-à-dire que autant dans le one shot bah, C'est euh, combat méchant, euh, tuer, survivre. Euh, C'est assez simple. Là, justement, il y a des thématiques un peu plus poussées qu'on va <coughs> retrouver dans la BD Goldorak, hein, auquel je parlais avant, notamment sur la guerre, sur le choix d'un bon leader pour euh, mener à bien ou pas le, 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 les pays, euh, ce qu'on va faire la guerre ou, ou pas. Euh, tout ce qui est sur le pétrole, l'autonomie du Japon par rapport à ça, la pollution des océans. Euh, voilà. Même les, même les méchants, en fait, hein, qui, qui sont clairement des comiques de situation, hein, ils sont un peu ridicules, les méchants, en fait, ils veulent pas détruire la Terre. Ils veulent y habiter et euh, pour, pour survivre. Et pour ça, ils doivent avoir Goldorak qui les empêche, en fait. Donc, c'est juste qu'ils communiquent pas, les mecs, en fait. Ils sont juste euh, ils sont débiles. <laughs> ils sont juste débiles, en fait. Et surtout, dans les méchants, il y a beaucoup aussi de, de conflits d'intérêts et ils sont en permanence en train de foutre des bâtons dans les roues. Quoi. Et donc, là, eux, ils cherchent une planète de secours. Donc, euh, c'est, il euh, n'y a pas d'unité chez eux, chez les méchants, c'est pour ça qu'ils perdent tout le temps. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dedans, ils rajoutent des éléments mythologiques euh, qui développent et ils développent un lore en fait mythologique en plus euh, derrière. Mais au final, ça n'a pas été approfondi et, euh, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc en gros, le fond, l'évolution est pas mal, elle est bien, elle est même intéressante. Mais alors la couche graphique et narrative, pff, assez dur. Hein. C'est dur, hein. franchement. Il y a des moments où je dis, mais c'est un manga pour les gamins, c'est un manga pourquoi je, je C'est du gag manga, c'est. Euh, pourquoi le combat il est nul Enfin, on ne prend pas son trip. Je ne sais pas qui a lu celui-ci, il, il confirme ce que je dis, mais. Mais en gros, c'est un truc où je suis très mitigé. Et c'est pas un truc que j'ai envie de relire, en fait. C'est un truc, ça, euh, je pense que ça partira de ma collection. Euh, je vais garder sûrement le one-shot. Mais euh, finalement, c'est un truc que j'avais pris avec le pack mécène à l'époque où. Euh, euh, Gonagai euh, au final, il n'y avait pas beaucoup de Gonagai euh, réel. Et euh, je pense que ça, c'est un truc à terme, euh, ça dégagera parce que je, si je prends pas de plaisir à les lire, je collectionne pas des mangas pour les collectionner. Hein, c'est pas mon but, euh, hormis si c'est pour un, un, un but très particulier. Donc ça, euh, voilà, j'ai pu euh, du coup relire l'intégrale des Goldorak et vous avez mon avis sur les Goldorak. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, manga suivant. J'en ai encore. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais il euh, y en a 3 qui rentrent très vite parce que c'est des lectures vite fait. Ça va Je ne vous ai pas tous endormis là On est 40. Hein <laughs> On est 40 encore. Merci Buchenson d'être passé, d'être resté même. Il n'y a pas de souci, c'est très cool déjà d'être resté. à chaque fois ça finit tard. Hein. Vous le savez. Là, je pense qu'on va finir vers euh, sûrement moins le quart. Hein. Donc euh, violence, j'aimerais bien le lire, hein, clairement, de Nagai hein. Alors qu'est-ce que j'ai lu Team, 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 team Phoenix. -da -da. Oh, team Phoenix. Eh, très eh bien, j'en parle. Donc déjà, je vous ai montré ma dédicace la dernière fois hein, à la Japan Expo que j'ai eu. Et et euh, eh ben écoutez, je l'ai lu. Hop, je vous le mets. Il est tout en couleur, mon Team Phoenix là. Je l'ai lu. Et eh bien franchement, j'ai bien aimé. Alors ouais, je sais. Vous allez me dire que je ne suis pas du tout objectif. Et là, je vais vous répondre pour ma défense que vous avez entièrement raison. Voilà, c'est ma défense. Moi, mon petit cœur, il vibre en fait maintenant quand je lis Team Phoenix. Je suis désolé. Pourtant, j'étais au début, j'étais mais hyper réticent et même moqueur en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc Pourquoi tu fais ça Laisse les personnages de Tuzuka tranquilles. Euh, J'étais un peu en mode euh, voilà, pff, très, euh, très blasé. Et donc du coup, euh, bon, je, bah, le premier volume était sympathique, mais il y avait beaucoup d'action. Euh, c'était pas euh, c'était encore, voilà, encore top. Je, trouvais, je trouve que ce volume 2, il est, il est bien, parce qu'en fait, justement, il développe l'histoire. En plus, je trouve que les couleurs et tout sont super belles. Le, le dessin est plutôt cool. Et ça développe l'histoire, et euh, je n'ai pas boudé mon plaisir en lisant ce volume 2. Donc je me dis que finalement, ben, c'est quand même bien parti. Alors je dis pas que c'est l'indispensable et que c'est extraordinaire, mais c'est un bel hommage. Et je trouve que Kenny Ruiz, on voit qu'il connaît bien les personnages, on voit qu'il connaît l'univers, c'est un vrai fan de Tezuka, et dedans, ben il, il le met et il met des personnages assez rares dedans, même des personnages, je n'ai même pas vu moi-même les O.A.V. genre Chami, des choses comme ça. Et, euh, et donc du coup je trouve que c'est très cool de, de faire ça. Donc je ne vais pas m'attarder plus parce que euh, à la fin, sachez quand même, on voit Astro. Quand même. Alors il y a Chaos, par exemple. Il est cool, Chaos. Euh, et on voit, on voit notre petit Astro à la fin. Là, il est où Il est là. Regardez comme il est beau. Il est tout beau, Astro. Donc voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus. Parce que ce n'est pas le but. Euh, là, quand c'est des volumes comme ça, euh, je ne reste pas s'entendre ans dessus. Moi, je, sachez que je suis content de les lire. Surtout à ce prix-là, de 45 euros. Oui, oui. 45 euros pour un livre qui, je ne sais pas si vous voyez... Hop là, ça arrive d'être flou. Ah, je suis trop près du téléphone. Voilà, en fait, il n'est pas broché. Voilà, donc en fait, c'est un, un dos carré collé mis dans un truc. Donc, et il n'y a pas de signé non plus pour marquer sa page. 45 euros les mecs. Franchement, les gars du puits à 45 balles, j'aurais pu avoir un signé. Et j'aurais pu avoir aussi un, un, un truc broché quoi. Et il et n'y a rien sur la couverture. J'ai pas de petit truc doré à la cool. quoi. Donc voilà, il y a un peu de, un peu d'abus sur le prix quand même. Je tenais à le dire. Mais c'est pas grave. Je paye en tant que bon pigeon Tezuka. Euh, parce qu'il faut être pigeon dans la vie. Si vous n'êtes pas pigeon, c'est qu'il euh, y a un problème. Et j'ai ma petite truc avec ma signature. Euh, Kenny mais honnêtement, la version couleur est très cool et c'est dommage qu'ils n'aient pas sorti une version moyenne. Euh, comme ça, je suis sûr qu'ils le feront un jour. Et euh, du coup, je serai obligé de repasser à la caisse. Donc voilà. Euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu euh, Soulkeeper numéro 3. Euh, Par contre, ça va aller très vite parce que je me rappelais déjà plus du premier du deuxième quand je l'ai lu. Euh, donc voilà. Et puis, c'est très beau. Ça s'y très vite. C'est le problème. Euh, donc euh, je vais la mettre en pause. Je vais acheter l'intégrale et je me relirai l'intégrale parce qu'en fait je ne me je, je ne rappelle pas à chaque fois. Donc euh, plutôt que ne pas l'apprécier euh, et d'oublier tous les éléments, je vais là. Mais ça reste une lecture cool. Euh, donc voilà. Et après voici les livres qui nous restent à parler. Il nous en reste quatre. Alors je vous montre il y a traité comme une bête qui a un manoir. alors j'ai pas mal de choses à dire dessus donc ça donc j'aimerais vous, vous le présenter il y a la pomme prisonnière juste après donc voilà et si on a le temps si on a le temps j'ai deux volumes qu'on m'a prêté. je pourrais pas vous montrer des images mais attention là on est pour les grands on est d'accord on est pour les grands on a du manga coquin. Voilà, je fais un peu de teasing. On a du manga coquin. Je les ai lus. D'ailleurs, je ne l'ai même pas dit euh, à la personne qui me les a prêtés euh, que je les avais lus. Donc, honte à moi. Euh, et j'en parle ce soir. Et, euh, et euh, du coup, euh, euh, du coup, il va découvrir mon avis euh, en même temps euh, que les autres. J'en suis désolé. Promis la prochaine fois, je me rattraperai. Après j'ai fini de lire hier. Hein. Euh, donc voilà, donc il reste ça à parler. Si ça vous va, eh bien, on, on y va. Alors je vais juste remplir ma bouteille d'eau parce que là c'est 11h30. Et, euh, et euh, du coup euh, euh, j'ai plus d'eau. Donc euh, juste un instant, je reviens. Voilà. Il fait une chaleur, je vous raconte pas, je meurs de chaud. Peut-être que je vais attacher mes cheveux parce qu'il fait trop chaud. Quoi. Bon, ben vous êtes encore nombreux là. Hein. C'est cool, ça vous plaît. Ça vous plaît. Alors. Traité comme une bête. Là, on va parler un peu de manoir avant de basculer sur les trucs un peu plus coquinous. Pas de soucis, Rochette d'agneau. Merci d'être resté à la soirée. Ouais là c'est tard, je sais 11h30. D'habitude, On reste là, mais j'ai un peu trop traîné pendant les news. Et je pense que pendant les lectures achats, je pense je, pense, je passe trop de temps à vous décrire les trucs, à vous raconter. Donc bon, j'essaie d'être complet, mais c'est vrai que ça, ça prend du temps. Hein. Et puis j'ai pas mal lu en ce moment aussi. Euh, traité comme une bête. Alors, je vais essayer d'aller un peu vite euh, qu'on finisse avant minuit. Hein. Euh... Non, c'est ça. Donc, je continue un peu mon exploration des titres de coréens donc des manois, et cette fois c'est traité comme une bête, et vu le titre, euh, bon, je me suis dit que ça serait un fait historique, sûrement sur l'oppression du peuple, je n'ai pas été déçu hein, sur le, le truc. Euh, donc attention, le sujet est assez, assez, euh, assez dur. Donc euh, ça, ça se passe euh, dans les années 80 en Corée du Sud, d'accord, euh, pendant que la guerre, bah, elle vit une période assez trouble, en pleine dictature, euh, au moment où ça se passe. Et en gros, le, le manois, il va nous décrire en premier cet état de fait. Et on va immédiatement voir justement le pouvoir des policiers, euh, l'oppression qu'il y a sur le peuple. On le voit dès le début en fait. Hein. Voilà, ici, genre tu joues de la musique, tu te fais te défoncer, on mesure on, me, voilà, ici. on mesure les, les jupes des filles. Enfin, c'est n'importe quoi en gros. Et euh, il contrôle tout. Voilà, il y a une éducation forcée, on demande un patriotisme à outrance. Euh, et tout ce qui est mouvement révolutionnaire est automatiquement euh, traqué et étouffé. Voilà. Et ça, c'est pas de la fiction, hein. c'est ça le, le, le problème. Hein. Euh, donc du coup, voilà, les habitants sont un peu amorphes et ils subissent un petit peu les, les, les conséquences hein, de tout ça. Et euh, certains personnages se cachent de la police, hein, comme on peut voir. Et on va avoir euh, donc ce Kim Kuntai un truc comme ça, euh, qui est recherché, qui fait partie du mouvement démocratique pour la libération de la, de la Corée. Et il vit caché, il fuit les policiers, hein, comme je disais. Et il va même rencontrer sa femme, euh, qui est une autre qui fuit justement tout ça. Et il va avoir un enfant. Hein. Euh, sauf qu'un jour, il va se faire attraper. Et, euh, et le manga, euh, qui était déjà un peu oppressant, oppressant par son ambiance, euh, ben, du coup, va, euh, va changer. Donc il se fait attraper et il va être enfermé 22 jours. Seulement 22 jours. Mais à l'abri de tous, et pendant hop là, 300 à 400 pages, en fait, il va subir que des tortures en permanence. Euh, et 400 pages de torture, je peux vous assurer que c'est long. Alors, on revit la torture avec lui, ça je peux vous le garantir. Et en fait, les tortures, c'est euh, de la noyade dans la baignoire, euh, c'est des étouffements, voilà on le voit là, des étouffements euh, dans l'eau, euh, c'est des pinces électriques, euh, des décharges électriques. C'est des euh, tortures autant psychologiques que physiques. Et c'est extrêmement euh, lourd à lire, hein, je vous le dis. Euh, pff, le sujet est dur, mais alors, on revit vraiment les 22 jours de détention. Le gars, il est totalement désorienté. Et les scènes de torture, c'est pas qu'elles sont impressionnantes par le dessin, voilà, mais elles sont assez impressionnantes parce qu'il y a beaucoup de monologues, beaucoup d'explications de ce qu'il ressent. Et euh, du coup, ça génère beaucoup d'empathie envers le, le personnage. Et donc, euh, du coup, euh, comme on suit ces tortures psychologiquement euh, jour par jour, il y a quand même une tension assez forte en fait, et émotionnelle que, que, qui est décrite euh, à l'intérieur. Euh, donc, on ressent vraiment sa détresse, sa solitude à de tout ça, et, euh, et que ce soit pendant ou entre les tortures. Et euh, voilà, donc euh, ça montre aussi tout ce qui est la préparation, les effets de la torture et surtout. La comédie ridicule que les, que, que les bourreaux font en fait, parce que eux ils ont des, une pression au niveau de leur hiérarchie, ils doivent avoir des résultats. Quitte à inventer une histoire. Et en fait c'est ce qui se passe. En fait ils lui font apprendre des textes par cœur. Et dès qu'ils voient une incohérence dans le truc, ils le retorturent pour avoir une, une histoire. Donc qu'on dise la vérité ou qu'on mente, de toute façon on est torturé, même si on a dit toute la vérité donc c'est ça à part attendre la mort en fait il y a rien quoi et c'est affreux parce que c'est les tortures qui durent mais des heures et des heures et des heures en fait et donc derrière tout ça euh, en fait ça alterne le récit il alterne plusieurs lignes temporelles il y a celle du torturé euh, il y a celle de l'auteur euh, du, du manoir en fait euh, dans le temps présent et, euh, et donc du coup puisqu'on la découvre revenir sur les lieux, les lieux de torture parce que, ironiquement, ce bâtiment de torture est devenu aujourd'hui le bureau des droits de l'homme. Donc voilà, c'était Donc, très symbolique, euh, mais euh, c'est devenu ça. Donc il y a plein de sujets intéressants, euh, comme par exemple, il y a aussi euh, ben, les bourreaux. Les bourreaux, en fait, c'est des gens ordinaires. Quand ils, ils endossent cette responsabilité, là, qui est poussée par le système, alors je ne dis pas qu'ils sont 100% pas responsables, hein. euh, ils sont, ils, sont, ils sont pas innocents non plus. Mais euh, voilà, s'ils le font pas, eh ben, c'est eux qui seront à la place du, du torturé, en fait. C'est le problème. Donc, euh, le soir, eh ben, ils continuent leur petite vie et puis ils rentrent à la maison, quoi. Et donc, et ça montre aussi l'absurdité de la torture, de, de, vouloir, de, de vouloir mettre la pression euh, ou même le contrôle euh, comme ça, quoi. Donc, c'est intéressant à lire, mais ce n'est pas un, man un manoir que j'aurais envie de relire. C'est vraiment très lourd comme sujet. Euh, et même si l'autrice, elle arrive à garder un bon dosage entre les images et la réalité... Euh, mais peut-être c'était un peu trop long. Peut-être qu'il serait dur à raccourcir. Donc je comprends l'intention de retranscrire tout ça, mais clairement euh, on, le, on le vit avec lui en fait euh, le truc et normalement ça devient ça devient pesant. Euh, donc voilà, donc je ne pense pas que je relirai ça, mais je suis content de l'avoir lu. Euh, donc derrière vous savez à quoi vous embarquez si vous voulez lire traité comme une bête. Un jour vous êtes prévenu de ce côté-là. Donc un manga qui est historique, très important pour comprendre aussi. Ben les limites et les et les et comment dire et les, et les dessous cachés de, de ces régimes totalitaristes et fascistes ben voilà vous avez vous avez un bel exemple ici donc je sais que ce n'est pas ultra vendeur parce que c'est des sujets qui sont très difficiles et tout mais si un jour vous avez l'occasion de, de le lire n'hésitez pas à essayer de le lire voilà je ne sais pas si ça a donné envie à des personnes de découvrir ce manoir Dites-le moi en commentaire. Euh, voilà. C'est peut-être pas le, le plus joyeux, mais en tout cas, c'était un des plus intéressants euh, derrière. Euh, voilà, il nous en reste trois du coup. Je crois que ouais, on arrive aux trois derniers. Allez. On va lire maintenant. On va parler, je veux dire de celui-ci qui nous sort qui était disponible en avant-première à la Japan Expo ok bien. merci Manon pour ton, pour ton message euh, qui le suit euh, qui, euh, voilà que, pardon, qui est sorti euh, à la Japan Expo je, je fatigue le, donc c'est euh, la prisonnière hein, maintenant que voilà, les, les enfants euh, sont au lit on va parler un peu de, un, un peu de cul euh, donc c'est Tsuruta qui a dessiné ça alors, je vais pas le cacher, moi, sur Ruta, j'ai lu pas mal de choses, mais j'ai jamais vraiment su apprécier ses œuvres euh, en soi. Euh, C'est-à-dire que, et maintenant, je l'avais lu, j'étais un peu resté sur ma faim. Euh, alors, que je l'avais lu il y a longtemps, en hein, Il fallait que je le relise, peut-être, avec euh, la version Kiun euh, J'avais bien aimé, mais ça ne m'avait pas transcendé non plus. J'avais lu que mm -hmm. le premier. Euh, et tous ces autres one-shots, là, Forget Me Not et compagnie, euh, ou Spirit of Wonder, là, le vieux titre, hein, euh, chez Casterman, ça ne m'a jamais hyper intrigué. Enfin, hyper passionné. Je suis resté un peu de marbre. Euh, mais celui-ci, euh, il avait l'air joli. Et euh, c'était un peu ma, la lecture plaisir coupable. Je me suis dit, ah, là, il y a du boobs. Ça peut être sympa. Alors, de quoi ça parle la pomme prisonnière Alors, euh, c'est une nana qui vit avec ses chats. Et elle est tout le temps à poil. Voilà, fin de l'histoire. Merci. Je ne peux pas résumer autrement. Hein. Ce qu'ils ont lu, c'est que ça. En gros, je vais faire attention aux planches parce que euh, c'est très euh, explicite. En gros, c'est des petites scènes du quotidien, d'accord. Et euh, elle glande, elle flâne, elle va coucher avec un mec, euh, voilà. Et il y a toujours des chats au milieu avec elle. Il euh, y a toujours un chat. Et il y arrive des trucs. Donc, il euh, y a plusieurs types de récits. Des fois, c'est des tranches de vie. Et des fois, c'est des trucs un peu plus humoristiques euh, derrière. Donc, il faut pas chercher avec la pomme prisonnière euh, un scénario hein, c'est des histoires qui sont euh, quasiment tout le temps muettes alors, je vais vous montrer quelques images quand même Donc, ouais, dès le début euh, hop euh, le chat lui enlève son pantalon ça arrive très souvent hop alors ça non j'enlève des cartes des machins voilà et voilà bon, le tout début ça commence elle est dans un tunnel elle fait cramer ses vêtements parce qu'elle ben, n'y voit plus rien et puis à force, elle se retrouve à Walpé. Et elle se retrouve ensuite dehors. Voilà. Fin de l'histoire. <laughs> C'est tout. C'est tout. Euh, Je n'ai pas une autre histoire pareille. Elle est dans la mer, elle nage, elle rencontre des vieux bâtiments engloutis, elle sort de l'eau, son chat lui a ramené un, un, un truc, ça tombe dans l'eau, fin de l'histoire. Voilà, vous voyez, vous voyez le niveau des histoires. Hein? Donc, c'est des trucs qu'il a dessiné un peu comme ça. Il s'est fait plaisir, en fait, clairement. Hein? Il n'y a, a rien qui se passe de particulier. Là, c'est plus. Soit on apprécie l'ambiance, le moment. Euh, c'est quasiment muet. Il y a quelques histoires avec du texte, mais c'est très léger. Donc, c'est un plaisir plus visuel. Hein? C'est très beau. Le personnage féminin est très sexy, bien naturellement. Il a des, des, elle a des superbes formes, tout ce qu'on veut, etc. Et les chats sont super mignons. N'oublions hein? pas les chats. Donc, voilà. Euh, donc, c'est un kiff de l'auteur. Euh, voilà. Vous aimez les boobs, vous aimez les jolies filles, vous aimez les histoires euh, sans grand intérêt, ben c'est parfait, c'est bien pour vous. Euh, si, à la limite, ce que j'ai bien aimé, c'est à la fin, voilà, il y a des chapitres qui s'appellent voilà. La Reine des Chats, où euh, c'est limite comique et. Je, je passe quelques pages parce que voilà. Et c'est limite comique qui en fait chaque fois elle se fait avoir par les chats. Et c'est presque dommage que, euh, en gros, elle, est, elle, à chaque fois, le chapitre, elle a une. Euh, elle a un plan, et à chaque fois, ce plan ne se passe pas comme, euh, comme elle veut. Et je trouvais que ça, c'était rigolo. C'est rigolo et c'est dommage en fait de ne pas avoir continué sur cette voie-là. Elle aurait fait que des histoires comme ça, ben, ça aurait été fun. Et puis on n'aurait pas boudé notre plaisir à lire. Je vous montre quelques images, vous voyez, toujours, toujours à poil. Euh, donc voilà, en fait, c'est presque dommage, voilà, qu'il n'ait pas fait des histoires plus comiques. Parce que ça fait un peu vide hein, quand on le lit. Hein. Donc, euh, bah, autant mettre un peu de divertissement, ça aurait été pas plus mal. Donc c'est 17 euros, je crois, le truc, hein, comme ça, ou 16 euros. Le kiff. Hein, ça fait un peu cher le kiff. Euh, mais ça reste mon préféré de l'auteur. Voilà, je dois le dire. Euh, donc voilà, donc si... Euh, tu veux du minou poilu, tu peux y aller. Là, il y a du minou poilu de partout. Je te le dis. Donc, tu peux y aller. Et, et c'est très bien dessiné, c'est joli. Mais il ne faut pas chercher un grand intérêt scénaristique là-dedans. Voilà ce que je peux dire de la pompe prisonnière. Ça fait, en plus, c'est court. Ça fait 150 pages, un truc comme ça. C'est épais parce que le papier, enfin, tout ça, il est bien. L'édition, elle est bien. Mais en vérité, c'est assez court. Je crois qu'elles sont mères au début d'ailleurs, on le voit. Voilà. Vous voyez ici, page 143. Là. Euh, par contre, un truc qui est bien, c'est qu'il y a des explications de, de l'auteur. Donc, c'est ce qui a permis, moi, d'apprécier un petit peu plus cela. Je l'ai lu deux fois, hein, du coup. Euh, la deuxième fois, j'ai un, un peu plus apprécié, mais ça se lit vite. Donc, du coup, euh, bah, tu passes les pages, tu prends ton temps, mais bon, c'est un peu. Euh, c'est euh, euh, un poil décevant presque. Donc voilà, vous savez à quoi vous attendre avec la pomme prisonnière. Je ne peux, euh, euh, peux pas vous dire plus parce que vous l'avez vu, hein, c'est les petites scénettes. Hein, c'est Martine va à la plage, euh, Martine va coucher avec son mec et, euh, et Martine essaye de... Euh, comment dire euh, Martine tombe dans les escaliers. Quoi. Voilà, c'est ça les histoires. Donc il n'y a, a, a pas grand-chose. Il n'y euh, a pas de développement derrière. Et, euh, et, et elle est très pollue. Voilà, comme une japonaise. Et c'est rigolo parce que justement, quand il fait des plans bien face et tout, il dessine juste ça. Euh, pourquoi ce titre, La pompe prisonnière euh, Non, je crois plus. Hein. Attends. Je ne sais plus. Je ne sais plus s'il si le dit. Il a fallu trouver un autre. Alors, le, le titre, en fait, à la base, il veut l'appeler Itaiba. Mais euh, qui veut dire, je ne sais plus, il le dit ce que ça veut dire avant. Mais comme il s'était déjà pris il Fallait euh, choisir un autre titre et euh, il a commencé à réfléchir à autre chose, tout ce qu'il a dit, et après je regarde l'autre. Non, il dit pas plus après, et tu vois trois motifs des ruines, des chats, du nu. Euh, ou nu, ça, ça ne veut pas dire des filles nues, je sais. Bon, en tout cas, voilà, il s'est fait son kiff, il adore les, les, les nanas à poil, il s'est fait plaisir. Non, voilà, donc pas plus, je, je regardais, mais... Non, voilà, je sais pas si ça vous donne envie de l'acheter, c'est pas du tout indispensable, c'est... Quand je dis c'est plaisir coupable, c'est oui et non, c'est-à-dire que j'exagère un peu. Euh, j'aime bien le plaisir coupable, mais j'aime bien qu'il y ait aussi une histoire, il y a un truc, euh, tu vois, un Stravaganza, je me régale à lire, euh, parce qu'il y a une histoire quand même, et que derrière, ben voilà, il euh, y, 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 y a facilement des boobs et compagnie, euh, ça ne me dérange pas dans ce truc-là. Là, à la limite, euh, presque, fais-moi un artbook, en fait. Fais-moi un artbook et, et va encore plus loin dans le détail, dans, 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 dans la mise en scène et compagnie. Euh, là, ben voilà, c'est des petites scénettes, euh. Je, on verra. Pour l'instant, l'ai déjà lu deux fois. Euh, le, je ne sais pas si, en tout cas, je vais continuer énormément cette hauteur. Quoi. Euh, donc voilà. Euh, oui, il n'y a pas de date. Il devrait sortir en septembre en théorie. Mais pour l'instant, il n'y a, a pas de date. Euh, alors, Momo Imé. Allez, je propose, il en reste deux. Momo Imé. Alors, Momo Imé, je ne pourrais pas vous montrer beaucoup d'images ou que des images soft. Enfin, je remets ma carte. Ma carte Noévé. Alors, je ne lis jamais de Hantaille, vous le savez. Euh, vous le savez, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Mais on m'en a prêté deux. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit... Bon, allez, euh, celui-là, il a l'air barré. Visuellement, ça fait un peu penser à Kago. Euh, je vous montre, c'est pas Kago, mais ça fait un peu penser à Kago dans le sens où euh, du trait assez fin, c'est très trash et tout. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tenter ça. Euh, et donc du coup, il voilà, y a un côté avec les corps démembrés et tout, il euh, euh, y a ça. Et donc euh, moi, ce que j'aime pas de taille c'est justement les exagérations des scènes de cul. Il souvent il n'y a pas d'érotisme du tout. C'est hyper 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 bourrin. Euh, c'est des litres de fil de corporel dans tous les sens. Enfin, moi, c'est pas les trucs qui me qui me plaît particulièrement. Et euh, souvent, en plus, c'est très mec, quoi. C'est le truc le fantasme masculin, euh, poussé au maximum. Euh, et les nanas euh, sont excitées, euh, n'importe quoi. Elles, elles un bout de chiffon. Oh mon Dieu, ce bout de chiffon m'excite. Et puis, c'est parti pour 6 litres de fluide. Euh, et tu fais, bon, ok. Euh, on n'a pas un juste milieu, là, euh, entre les deux. Donc, euh, en gros, c'est ça. Euh, souvent, c'est ce que je reproche souvent entailles. Et là, dans mon motaro, ça reprend la légende de la pêche. Euh, donc, hop. Sauf que. Euh, je vais essayer de montrer que des bouts d'image, sauf que c'est une sorte de, 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 de slot fuck, je sais pas trop quoi, euh, ou dedans elle naît dans, un, dans une sorte de, 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 de tronc euh, féminin, où elle naît directement de ça. Et donc là, on a notre Momo Ime, qui est une jeune fille, et euh, qui ben, ça reprend l'histoire de Momotaro en fait. Hein. Euh, donc, du coup, qui va aller vers euh, l'île des démons, euh, qui est à la base Momotaro, hein, qui. Qui, euh, qui doit aller à l'île des démons, qui est accompagné d'un chien, je ne sais plus, d'un singe et d'un faisan, pour vaincre les démons. Il vainc les démons, il est content. Voilà. Euh, et donc, du coup. Alors, euh, tout cas, je l'ai lu. Je l'ai lu, j'en ai parlé dans un live, mais je n'ai pas, pas parlé longtemps. Mais j'ai lu euh, celui-ci déjà. Et celui-là, je l'ai acheté en numérique en plus. C'est un des, un des rares bouquins que j'ai acheté en numérique, je l'ai acheté. Mais euh, leur version numérique avait des problèmes. Euh, et donc, du coup, là, ben, ça reprend le même truc. Euh, et donc du coup elle a un pouvoir c'est qu'à chaque fois euh, qu'elle baise euh, puisque c'est comme ça que ça qu on peut dire hop, euh, à chaque fois qu'elle baise en fait elle met KO ses ennemis genre là elle a un énorme euh, euh, sorte de sanglier pouf 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 et puis à côté il est KO Voilà je, je vous montre un peu à l'arrache parce que j'ai pas envie de me faire défoncer pour euh, euh, par Youtube hein, vous vous doutez bien et euh, donc elle se rend sur l'île des démons, il se passe des trucs et tout. Alors dans l'idée, il y a des trucs sympas euh, qui sont décalés et assez drôles. Euh, le seul problème en fait, c'est que ben, sur le fond, c'est pas ouf en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, alors bien sûr à chaque fois, voilà, il y a des scènes hein, toujours, toujours tout est dessiné. Hein. Là-dessus, euh, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, les démons euh, qui l'attrapent toujours à poil et compagnie. Mais le problème en fait, alors c'est ridicule, ces genres euh, euh, c'est genre voilà le démon qui a un chiffre de 3 mètres sur 2 et elle euh, qui fait 1 mètre sur machin et ça rentre. Alors ça à la limite, c'est pas grave, c'est leur délire entre démon et machin et tout. Je vais juste vous mettre, vous cacher le bas, pour vous montrer genre, cette image là. Dessous là il y a mon doigt, c'est la taille du, euh, de, de l'engin. Hein. Euh, ben du coup voilà, tout ça, euh, bon, il y a un côté ridicule, mais pourquoi pas? Euh, mais c'est à la limite c'est pas assez cartoon j'aurais préféré que ce soit moins sérieux encore et que ce soit totalement assumé ce côté là là c'est un entre deux qui est un petit peu gênant sachant que bien sûr ça tous les trucs que je reproche de manière générale beaucoup de fluide et tout enfin un truc pas du tout excitant et euh, derrière c'est du viol en permanence voilà à chaque fois les nanas c'est à l'endroit elles se font violer immédiatement bon les mecs ils sont défoncés parce que ben s'ils baisent avec elles ils, ils, ils meurent entre guillemets mais à chaque fois c'est Ça quoi, ils arrivent, papa, papa, papa. Je vous montre des planches un peu plus soft hein. euh, et c'est viol sur viol sur viol. Au bout moment, c'est c'est lourd en fait. Même des fois, c'est tellement gratuit que c'est genre il y a l'ennemi et la case d'après, on le voit mort par terre. <laughs> c'est voilà, c'est un peu un peu ridicule. De ce que... je pense qu'il a un problème en fait avec avec ça, le gars. Quoi. Donc, l'histoire, ou alors je sais qu'on s'en fout de l'histoire, mais il y a une histoire quand même. Et belle l'histoire, c'est dommage parce que. En fait, ils développent des trucs avec des démons, euh, des armées, des machins et tout. Et à chaque fois, c'est pareil. Résolution, une seconde. Euh, limite, des fois, tu comprends que ça a été résolu parce qu'ils ont changé d'endroit. Et, et, et ils ne développent pas. Et c'est un peu dommage de ne pas développer plus. Euh, parce que malgré tout, ben, s'il y a une bonne histoire derrière, ça, ça reste cool. Donc voilà. Et effectivement, la fin est, euh, est tellement rapide. Et surtout, il n'y a pas de, des fois des résolutions, c'est en mode, ça y est, c'est résolu, pfff, allez, scène suivante. Ok, ok, euh, bon, tant pis. Donc voilà, c'était, ouais, oui, c'est le One Punch Man du Hentai. Désolé, je ne peux pas vous montrer trop de planches. J'essaye de, de trouver des planches. Après, c'est super bien dessiné, ça, moi, je suis, je suis toujours impressionné par les, les dessins des mangakas Hentai. C'est toujours incroyable. C'est toujours incroyable. Mais c'est dommage, je ne peux pas vous montrer, YouTube n'est pas cool, je pas passer la vie. Si je passe en 18 ans, je ne suis même pas sûr que ça passe. Donc, euh, en tout cas, voilà. Momo Imé, moi, j'étais un peu déçu, euh, un peu trop rapide. Il y avait des très bonnes idées, un, un délire qui aurait pu être cool. Et en fait, euh, ça ne suit pas, je trouve. Euh, ça, ça finit à l'arrache complet. Et j'étais un peu déçu, je, je préfère Kago, Kago il y a un côté drôle en fait à tout ça et à faire du cul à faire des choses comme ça autant mettre des trucs un peu plus drôles ou alors si c'est sérieux mais des trucs un peu plus euh, euh, érotiques que des ces trucs totalement exagérés dans le hantai donc ça ben, c'est dommage j'aurais pu l'acheter en me disant ah non franchement c'est un bon hantai et c'était cool et euh, voilà donc, euh, donc et comme donc et maintenant effectivement Toku Confidential je l'ai lu et j'ai bien aimé Toku Confidential et j'aimerais bien qu'il sorte la suite euh, et j'aimerais, avant d'en parler, j'en ai parlé très rapidement sur la chaîne, mais avant d'en parler, euh, ben, j'aimerais bien qu'il y ait les quatre volumes, comme ça je pourrais vraiment faire un point dessus. Et l'autre, c'est euh, Shindo LS Cultural Anthropologie. Euh, et là, par contre, ça c'est du, du entail un peu hardcore. Alors pas pris, je l'ai fini hier, donc j'ai pas eu le temps de prendre des notes et tout, mais je vais vous le faire à, à chaud. Et en gros, c'est un groupe. Euh, ces deux étudiantes avec le professeur et qui font des trucs un peu paranormaux, alors chaque fois qu'il y a un truc un peu paranormal, il amène là-bas, et genre là à un moment, et eh bien là, elles sont euh, elles sont dans un truc Shinto, ça je peux le montrer à la limite elles sont dans un truc euh, Shinto, je sais pas quoi il y a une, il y a une, une cérémonie, elles se retrouvent dedans et euh, elles se retrouvent à, à bien sûr monter euh, dans un temple et puis elles, elles vont se faire euh, Totalement démonté par, le, par, par les mecs sur place euh, et j'ai des trucs que Je peux pas vous montrer, mais moi je comprends pas les coupes où on voit tout de l'intérieur en fait. Où, où c'est excitant ça Moi je, ça me fait pas triper, ça. C'est pas du tout euh, là-dessus. Et euh, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un truc, c'est oh mon dieu, j'en peux plus. Euh, ça, ça, ça soigne de partout. Euh, c'est assez incroyable. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Voilà, c'est toujours excité, excité, excité. Et là, par contre, autant il y a des trucs qui sont drôles, comme notamment, genre, un moment, elle se fait mais défoncer par un poulpe. Euh, voilà. Euh, il y a des trucs comme ça, parce que un moment, elle se retrouve dans un village africain euh, aussi. Euh, les gars, ils ont des chiffres de, de, de 50 cm. Euh, mais à la limite, c'est assez rigolo. Et le dernier, c'est des zombies. Donc, sur, sur le principe, il y avait des idées qui étaient cool, dans le, un peu dans n'importe quoi. On s'est du en allons-y, faisons n'importe quoi. Mais le problème, bah, c'est que ça reste du hentaille et que euh, bah, chaque fois, les histoires, elles sont pareilles. Les fins, euh, les résolutions, passer d'un chapitre à l'autre, c'est à l'arrache. C'est En gros, euh, ils introduisent le truc, ils prennent quelques pages proprement, ils baissent comme des euh, n'importe comment, et puis bah, quand la scène est finie, c'est bon, il n'y a plus de pages, euh, allez, on passe à la suite. Donc c'est quand même, d'un point de vue narratif, euh, c'est pas fou. Euh, par contre, visuellement, c'est super bien dessiné. Vous voyez, voilà, j'ai moi le, les nanas qui font cette tête. J'aimerais bien vous montrer, voilà. Les nanas là qui font tout le temps cette tête euh, qu'elles en, qu en peuvent plus. Euh, encore, c'est pas la plus parlante. J'essaie de vous trouver une autre. Voilà, j'ai celle-là. Là. Cette tête-là, j'en euh, en peu plus. Moi, je, je sais pas, c'est trop, en fait. Moi, ça me, ça m'attire pas du tout, en fait, ce, ce truc-là. Euh, et c'est dommage parce que les zombies, les machins et tout, c'est pas mal. Et même la fin, la fin, ça part en. Ça part en délire total avec des démons et compagnie. Et puis c'est rushé. Et puis euh, ciao. Euh, donc voilà, ce n'est pas subtil. Voilà, ce, que, ce que je reproche à ce, au Hantai très souvent, c'est que c'est jamais subtil et c'est toujours dans le bourrin. Et ces deux titres, mon, mon, ben, pour l'instant, toujours confirmé un peu ma, ma théorie du Hantai. Ça reste hyper, hyper, hyper bourrin. Euh, après, ce euh, je... n'est pas une critique. Hein. On a le droit d'aimer de, de, ça et de kiffer ça et, et tout ça. Il n'y a pas de, de souci. Mais euh, moi, perso, euh, ça, me... ça me laisse un peu ni chaud ni froid. Quoi. Euh, ça me sort de la lecture euh, totalement. En tout cas, je suis content de les avoir lus. Hein. Euh, on m'en prête d'autres, je les lirai. Mais je suis content de ne pas les avoir achetés aussi. Voilà. Parce que j'aurais été très déçu de, de, de mes achats. À la limite, je préfère lire La pompe prisonnière, qui est pas spécialement excitant. Hein. Euh, mais euh, au moins, euh, moins c'est euh, joli à voir. Là, il y a un côté, c'est très bien dessiné, mais il y a un côté euh, sans plus. Voilà, je ne bon, sais pas si vous l'avez lu le deuxième, euh, Cultural Anthropologie. J'ai vu que Lolo avait déjà lu l'autre, Momo Hime. Mais euh, voilà. Mais euh, ben, Je crois qu'on arrive à la fin. C'était un gros programme. Hein. Je ne pensais pas euh, durer jusqu'à minuit. Euh, il va falloir que je fasse des lives toutes les semaines. Je ne sais pas si euh, il va falloir programmer ça à force. c'est pas possible. Il y a trop de choses à dire à chaque fois. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. En tout cas, vous étiez nombreux pendant ce live-là. Merci parce qu'on est en plein été. On se voit de toute façon dans 15 jours euh, puisqu'on va faire la Mangatech. On va continuer. Et en plus début septembre, on va pouvoir euh, euh, refaire encore un live. Mi-septembre, je ne sais pas encore si je pourrai. Euh, ou du moins... Ça sera peut-être pas une mangatech, ça sera autre chose parce que euh, si tout se passe bien, je vais très certainement euh, changer pas mal de choses. Donc je vous dirai plus en septembre, mais, euh, mais du coup, euh, euh, du coup voilà, j'aurai peut-être pas accès à mes mangas à ce moment-là. Euh, voilà. Euh, ben Est-ce que vous avez passé une bonne soirée Je vois que vous êtes une, encore une plus une trentaine de connectés. Euh, Dites-moi, on va se dire euh, au revoir. De toute Façon, on va pas tarder à, à se quitter. J'espère que vous avez vraiment passé une, une bonne soirée. Euh, tu as lu quoi Tu as lu Shinzo L, ok. Et le meilleur métamorphose, métamorphose, ça fait très souvent qu'il revient. Et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien le, le lire celui-ci. Donc, euh, si, euh, il faudrait que je trouve quelqu'un qui l'ait. sinon euh, je, je me l'achèterai au moins pour le lire. Mais à ce qui paraît, oui, il revient plusieurs fois. Voilà, j'espère que mes petits en taille de fin vous ont fait plaisir. On les gardera pour les fins de soirée, ce genre de petits trucs, si j'en relis. Euh, parce que voilà, c'est un peu, un peu tard. Bon, ceux qui vont regarder le replay, on s'en fout. Euh, machin, mais on va dire que là, au moins, c'est fait. Eh bien, c'était cool. Merci beaucoup pour euh, votre temps. Je suis KO. Hein, là, c'est. 3 h euh, que de live, c'est énorme euh, à chaque fois. C'était euh, super cool. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Il y en a beaucoup chaque fois qui restent toute la soirée très tard. C'est vraiment très très cool. Merci au Patreon à chaque fois aussi euh, qui, euh, qui me soutiennent tous les mois. Euh, il faut d'ailleurs que je vous fasse la vidéo du mois d'août. Euh, je ne l'ai pas encore fait. Donc, euh... ah, désolé pour Dragon Ball Super, du coup, euh, mais je ne vais plus en parler pendant longtemps, hein, Nico, rassure-toi. <laughs> et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, et euh, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne, c'est des petits trucs à chaque fois, même si c'est que quelques centimes. Euh, ben, si vous commandez sur Amazon, n'importe quoi, si vous commandez sur, vous inscrivez sur Rakuten, ou si vous commandez sur, euh, euh, sur, euh, euh, sur BDfug. Ben, du coup, voilà, moi, ça me rapporte un tout petit peu et ça va aider la chaîne pour acheter du matériel, pour améliorer les lives, améliorer plein de choses. Donc, n'hésitez pas à, à participer. Et, euh, et voilà, donc ça serait euh, c est, c est même un euro. Ça fait toujours plaisir. Donc, euh, Et en plus, vous avez du contenu bonus. Donc ça, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Merci, Max, d'avoir partagé euh, le lien du Patreon. Euh, c'est super cool. Et de toute façon, on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Et puis après, pour les habitués, on est sur le Discord, on discute en message privé, etc. Vous savez où me trouver. Merci à tous. Plein, plein, plein de bisous. Et parce, profitez bien de votre été. Et on se voit dans 15 jours. A plus.